Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Je vous accueille en grande pompe aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir Frédéric Delavier. Fred, salut. Salut à tous. Bon, est-ce que je suis obligé de préciser que tu as été un invité qui a été demandé maintes reprises sur le podcast? Et comme je t'ai expliqué juste avant, j'ai mis du temps avant de t'envoyer un petit message pour t'inviter parce que je voulais avoir tes invités, je voulais avoir plein d'épisodes pour pouvoir arriver avec une discussion avec Delavier avec un peu de substance, quoi. Donc je suis très content. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que tu peux, pour les irréductibles gaulois qui ne te connaissent pas, te présenter, s'il te plaît? Je ne veux pas le faire. Bon, est-ce qu'après, on va dire que je suis prétentieux? Donc, toi, t'es québécois ou t'es français? Moi, je suis français, expatrié à Montréal, au Québec, ça fait 3 ans. C'est pour ça que je disais, mais il est québécois, il n'a pas d'accent. Ou il a un nom. Non, j'ai pas d'accent. Il a un accent, plutôt. Il a un accent français. C'est ce que je disais. Il a un énorme accent français Très marqué. Et du sud. Voilà. Non, je rigole, mais c'est parce que quand c'est l'inverse quand on va dans un autre pays. C'était quoi la question alors? C'était oui, me présenter. Je m'appelle Frédéric Delavier. Je suis YouTuber à plus de 100 000 followers, hein, c'est ça. Mais bon, en réalité, c'est pas ma particularité principale, puisqu'à la base, je suis l'auteur français, en tout cas dans la muscu, qui est le plus le fitness, qui est le plus vendu au monde. D'ailleurs, je dois être un des auteurs français les plus vendus au monde, puisque j'ai déjà vendu plus de 5 millions d'exemplaires de bouquins sur des thèmes quand même assez précis qui sont la musculation, le fitness, la biomécanique, la traumatologie, tout ça. Donc, je suis devenu la référence mondiale. Je suis traduit en 32 langues dans ce domaine-là. Donc, je suis surtout connu pour ça, quoi. Mais on va dire, c'est parce que mes livres abordent la muscu sous des angles nouveaux qui n'étaient pas, c'était pas fait avant, pluridisciplinaire, puisqu'on met dedans de l'évolution, de la traumatologie, alors qu'avant on parlait juste de la muscu. Et là, on fait une base anatomie, on explique le fonctionnement du corps humain, on explique la biomécanique, et puis on explique l'évolution humaine aussi. Et la traumatologie, on met du médical, et puis ça, on le vulgarise pour tout le monde avec, en fin de compte, une qualité dans les dessins, dans les explications. Alors c'est très simple, c'est abordable par tout le monde, mais en même temps, c'est du haut niveau puisque c'est repris par les professionnels. Puisqu'en plus, on ne fait pas que du repompé, hein, on innove, c'est-à-dire qu'on apporte nos propres analyses. Hein, ouais, ce qui est à la croisée d'ailleurs c'est tous les thèmes que j'aime aborder dans cette émission, dans ce podcast, hein. Tu as parlé de traumatologie, tu as parlé de sport, de biomécanique, bon, comme le titre du podcast le mentionne, de santé, de performance, tout ça. Donc alors ça, c'est un peu ton parcours. On va revenir sur ton parcours avant ça. Est-ce que tu te souviens de ta toute première séance d'entraînement? Comment elle s'est passée? Et quelles étaient tes motivations? Il y avait tout le temps. De toute façon, il y avait tout le temps des haltères à la maison, et une barre fixe. Donc, je faisais tout le temps de la barre fixe. Il y avait des poids que mon père avait à la maison, donc je les touchais, mais je faisais surtout de la barre fixe. J'étais bon à la barre fixe puisque moi, j'étais régulier. Donc, je passais à chaque fois que j'allais de ma chambre à la cuisine ou de ma chambre à la salle de bain ou de ma chambre au WC, ben, je faisais des tractions. Ce qui a fait qu'il était fort en traction. Puis, j'ai tout le temps fait de la musculation à partir de 16 ans. J'ai commencé à faire de la musculation en complément judo. Puis comme j'étais bien meilleur, alors j'étais bon en judo, hein, mais comme j'avais des performances bien, bien supérieures en musculation, en power, en force, ben, je me suis très vite orienté powerlifting. Donc, pas parce que j'aimais particulièrement, mais parce que j'avais plus de plaisir à faire des grosses barres quand je voyais que les autres n'en faisaient pas. Donc, tu vois, alors, j'ai jamais été très fort au coucher, mais j'étais quand même bien. Mais où j'étais pas mal, c'est quand je faisais l'ensemble des 3 mouvements, j'avais quand même des bonnes performances générales. Donc, ça me faisait un plaisir. Puis, j'ai fait de la compète, j'ai tout essayé. Hein. Et donc, voilà. Donc, à la base, c'est... Ta motivation, elle est uniquement... Il n'y a pas de désir de vouloir transformer. Il n'y a pas de désir de je sais pas, d'en faire ton métier. Non. À la base, c'était en complément judo pour être performant. Et après, c'est toujours un plaisir de pousser lourd et j'aimais bien pousser des barres. Donc, c'était un plaisir d'avoir des bonnes barres. J'ai jamais fait ça dans un, dans un,
Dans un but esthétique, je suis pas bodybuilder. Hein. Ceci dit, j'aimais bien être costaud, mais j'aimais pas être dessiné, être strié. Je m'entraînais pas pour le volume. Je m'entraînais pour la force. En général, le volume est consécutif à la force. Donc, j'avais les deux en un, même si c'était pas le but n'était pas le volume. Donc ça, c'était mon collègue Gundy, lui, qui est passionné de bodybuilding. Moi, j'aime bien l'optimisation des performances, quoi. C'est optimiser l'entraînement pour être plus performant, plutôt. Moi, c'est ce qui dans tous les domaines, donc que ce soit pour la course, le patin en roulette, comme je faisais, le judo, la natation. J'ai arrêté après le judo, j'ai continué la natation, ou bien la performance en traction dans le style street workout. J'ai fait des entraînements spécifiques, hein, tu vois, c'est marrant. Ouais. T'as remarqué que t'avais pris en performance, enfin comment ça s'est manifesté concrètement? Parce que là on est dans en quelle année là? Oh putain, j'avais du compte que j'ai 53 ans et j'ai commencé en complément judo, je devais avoir 16. Tu vois? Ouais. Voilà, donc ça fait très très longtemps, mais bon, les premières barres en couché devaient être à 70-80 et je suis très vite monté à 100. Tu vois, c'est pas mal pour un gamin. Tu vois, j'étais content, oh ça monte bien, tu vois. Et je me souviens quand j'ai fait les premières compètes de power, en squat, j'étais pas très bon, mais je montais quand même avec les bandes à 200, à 220 kilos, tu vois, les mecs, ça les impressionnait parce que j'avais un physique et très mauvais squat en plus. Ben, bon, je suis en avant, à good morning. Et puis en soulevé de terre, j'étais très vite sur des bonnes barres à 240, 250, 260, 270, tu vois. T'as vu que tu avais gagné en performance sur judo, natation à ce moment-là? Tu vois que ça te sert ailleurs ou pas? Judo, j'ai très vite arrêté. J'ai arrêté parce que ça me gonflait, c'était très loin en plus pour les faire. J'ai arrêté, je suis deuxième au championnat de Paris. J'ai perdu surnom combativité, mais j'aime pas la bagarre en général. Je suis assez expéditif. Là-dedans, je n'aime pas me battre. Ce qui fait de moi quelqu'un de particulièrement, les gens ne le savent pas, mais particulièrement dangereux, puisque j'ai tendance à vouloir éliminer le plus vite possible, parce que j'aime pas la bagarre. Donc, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie, des problèmes justement de violence quand je me suis fait agresser avec, je veux dire. C'est des problèmes, quoi, tu vois. En même temps, si tu te fais agresser, Ah oui, mais le problème, pas c'est que fou. si tu te fais agresser, tu es obligé de changer ta garde-robe parce que tu as tous les services de police qui te recherchent dans tout Paris, tu vois. C'est un peu gênant, tu vois. Alors, si tu fais agresser, moi, je change tout le temps de trottoir, mais la nuit, je rentre, tu vois. C'est les problèmes que tu rencontres, donc que j'aime pas, tu vois, donc j'évite. Mais bon, après, non, moi, je me suis surtout entraîné pour la perf, tu vois, pour le plaisir. J'ai vu mes perfs augmenter en natation, tu vois. Je nageais bien et avec les tractions, avec les systèmes, je voyais que j'augmentais énormément. Alors, je n'ai pas fait de natation dans les clubs parce qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça. Mais je m'amusais à me tester tous les ans. Et puis, je suis resté très longtemps sur des minima de National B sur le crawl sur 50 mètres, tu vois, nage libre, tu vois. Donc, Okay. en muscu, ça aide vraiment beaucoup. Puis, j'ai continué après les championnats de power à faire de la force pour le plaisir, tu vois, et à monter en force. Et puis, je suis monté quand même sur des grosses barres, quoi. Tu vois. À ce moment, donc t'es autour de la vingtaine, tu continues à est-ce que t'as J'ai arrêté le power à 23. Ok, J'ai fait du power 23 ans, national, j'ai lobby. pas été international, parce que je me suis blessé avant. Puis, d'un autre côté, tant mieux, parce que je n'avais pas la structure. J'étais très fort, je n'avais pas la structure. Je sais que tu as fait les beaux-arts. Ouais, j'ai fait Ouais. 9 ans de Beaux-Arts en moniteur libre au cours de Jean-François Debord, qui était excellent. D'ailleurs, ces derniers cours, on peut les trouver en vidéo. Tu les trouves, tu tapes Jean-François Debord, Beaux-Arts, et je crois que tu as 43 cours qui sont Qui sont accessibles disponibles. Ouais. à tous. Vidéo, c'est tu n'as qu'à dessiner avec. Alors, c'est vrai que c'est pris avec les moyens de l'époque, puisqu'il a arrêté il y a quand même très longtemps. Ils arrivent sur le marché, je crois, 17 ou 18 ans après. Mais on a quand même la chance d'avoir des cours de haute qualité pour tout le monde. Donc, c'est l'équivalent, je crois, de 43 cours. Je me demande si c'est 2 ans. C'est 1 an et demi, ou 2 ans de. Je sais plus, ou 1 an ou 2 ans de 43 cours. Non, c'est 1 an. 1 an d'enseignement des cours de Jean-François Debord pour l'anatomie, pour la morpho. Lui disait morpho, et c'était passionnant. Et c'est passionnant encore. Et ça, c'est lui. Moi, j'ai fait 9 fois le cycle. J'ai fait 9 ans, ce qui fait 3 cycles aux Beaux-Arts. J'ai fait 3 cycles, soit 3 cycles d'enseignement de Jean-François Debord, ce qui correspond à 9 ans.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, je connais rien du tout à ça. J'ai du C'est mal à me concevoir. l'enseignement de Morpho d'Anat de haut niveau. C'était lui qui m'a formé, en partie, pas que lui, mais en partie. Pas loin, mais lui, il ne faisait pas du tout du sport. C'est pour ça que je suis pluridisciplinaire. Hein. J'ai une connaissance de l'anatomie énorme. Ouais. Mais c'est là où je veux en venir, justement. Jean-François Debord travaillait sur chaque cours. On faisait une reconstitution humaine. Alors, on travaillait chaque cours, l'épaule, le bras, la main, le bassin, la hanche. Et là-dessus, il dessinait avec nous. Il dessinait au tableau. Il reproduisait son dessin. L'interprétait et on construisait en partant du squelette, hein, on construisait un corps, une partie de corps, et on y mettait après les muscles, les tissus adipeux, la peau, les tissus conjonctifs. Et progressivement, bah, on avait un véritable enseignement de haut niveau pour la compréhension du corps qui passait par le dessin. Et à la fin du cours, tout le temps, il nous parlait bah, d'anatomie, il nous montrait des diapos. C'était un cours magistral de haut niveau, comme on en trouve très peu. Je ne sais même pas si on en retrouve encore. Hein. J'ai vu quelques Asiatiques dessinent bien, mais c'est un peu froid, hein, tu vois, c'est un peu technique. D'ailleurs, souvent, c'est des Asiatiques qui ont fait les cours de Debord ou des Américains qui ont fait les cours de Debord et qui se mettent à reproduire l'enseignement de Debord en Asie ou en Amérique. C'est souvent des élèves qui sont partis de chez Debord, qui ont étudié aux Beaux-Arts français parce que ça avait un aura, les Beaux-Arts français. Alors, pas partout, hein, tu as des artistouilles de merde, hein, mais l'anatomie était restée, la morpho était restée quelque chose qui était encore de haut niveau, à l'ancienne, on va dire. Pour quel but tu fais ça? Quand tu t'inscris, quand tu suis les cours, au tout début, c'est quoi l'objectif? Ah ben, je me suis toujours dit que de toute façon, pour me perfectionner en dessin, parce qu'à la base, le dessin, c'était mon métier, c'est avec ça que je vivais. Donc, je me suis toujours dit, bah, écoute, je travaille le dessin, je vais voir si je peux être peintre. Ou... Attends, tu faisais quoi à ce moment-là comme type de dessin avant de faire Ah l'anatomie? non, mais moi j'ai toujours dessiné et je vivais de mon dessin. Dès que j'avais 17-18 ans, je vivais, j'étais indépendant. Je travaillais d'abord dans la pub et la pub s'étant effondrée à un moment à cause de la crise du Golfe première. Donc, je me suis retrouvé à essayer de chercher on va dire des qualifications, pas des diplômes, hein, des qualifications pour être plus performant. Donc, je me suis qualifié en anatomie, hein, en suivant ces cours pour devenir performant, essayer de après monnayer mon enseignement et en tirer une possibilité de le vendre, de vendre mes connaissances que j'avais acquises, mes connaissances que je cumulais avec la connaissance du sport et mon intérêt, ma passion pour l'évolution humaine et la paléontologie. Paléontologie humaine, paléontologie des primates, ce que je ne faisais pas forcément de bord. Hein. Lui, c'était purement anatomie artistique, anatomie système locomoteur. Et moi, j'avais approfondi sur paléontologie humaine, évolution, plus pratique du sport. Donc, je baignais dans la biomécanique de terrain. Tu vois, donc ce qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai actuellement. Et quand la pub s'est effondrée, j'en vivais très très bien, la pub. Quand tout le milieu de la pub s'est effondré, bah, j'ai pu repartir doucement en vendant mon savoir de sportif et d'anatomiste et de biomécanicien en fin de compte au monde du muscle. Une époque où il n'y avait pas Internet. Et là, j'ai commencé à vendre des fiches techniques au monde du muscle, ce qui m'a permis d'avoir un petit apport. En plus du RSA, je vous ai passé sur une association qui a permis de vivoter, de survivre à ce premier effondrement économique européen. On en a eu hein, plusieurs. On a eu la première guerre du Golfe, seconde. Et puis là, on va avoir le Big One. C'est le Big One qui arrive là. C'est Deep Impact. Là. Tu vois, là, on va en prendre plein la gueule après ce Covid. Bon, ça a remonté. Hein, parce que le Covid, c'est ce que tu vois. Mais après, c'est l'effondrement économique qui arrive. Hein, les changements de paradigme. Tiens, bah, petit décalage là. Sur le vaccin, toi, qu'est-ce que. D'un point de vue. Bon, c'est pas une chaîne économique, mais bon, là, tant qu'on y est. La vaccination, est-ce qu'il va pas. Tu penses pas que le rebond économique, tout ce qui va se passer derrière, l'espoir d'un renouveau, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, le problème, c'est que c'est une très très grosse crise économique qui était déjà là, sous-jacente avant le Covid. Et qui a été accentué ou utilisé par le Covid, par les Chinois, pour éviter certains problèmes de relocalisation de leurs usines en Occident,
Donc, ils ont utilisé ce Covid, je pense, pour casser l'Occident et pour montrer que l'Occident dépendait de la Chine. Et parce que si tu enlèves les usines chinoises, comme Trump avait commencé à faire, bah, tu vas te retrouver avec des révolutions en Chine, puisque c'est 420 millions la population chinoise classe moyenne, hein, je parle classe moyenne, donc celle susceptible de créer des remous par mécontentement de son approvisionnement d'énergie. Et donc, à ce moment-là, tu risques d'être dans la merde. Donc, le Covid, bah, ça nous pendait au nez, puisqu'on sait très bien que tous ces voyages, c'est inutile. Hein. Aller voir les pauvres à l'autre bout du monde ou vouloir aller à un endroit d'une façon bah, inutile, ça consomme de l'énergie pour rien. On était parti dans une espèce d'accélération folle de la consommation et des déplacements humains qui font déplacer aussi les bactéries. Bon, ce Covid a été instrumentalisé par les Chinois pour éviter justement des crises. Mais cette crise du Covid est utilisée pour ralentir aussi l'économie, je pense, et pour faire surtout un changement, de passer progressivement à d'autres économies. On ne peut pas y passer tout de suite parce qu'il faudrait changer. Ce n'est pas l'hydrogène qui nous manque et le nucléaire, en vérité. C'est de restructurer complètement notre tissu de redistribution économique, de passer de l'essence, où il nous en reste encore, à l'hydrogène, tu vois. Mais là, on n'est pas l'hydrogène nucléaire, quoi. L'hydrogène. Parce que ça coûte cher de faire l'hydrogène, c'est à partir d'électricité. Donc, ce n'est pas le manque d'énergie qui nous pose problème, c'est le passage d'un mode de production énergétique sur des énergies fossiles à un mode de production sur des énergies non fossiles comme le nucléaire, associé à de l'hydrogène, hein, puisque ça sera grâce au nucléaire qu'on pourra dégager l'hydrogène de l'eau, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui pose problème. Et il y a tout ce changement économique qui arrive, cette espèce de décroissance, je pense, voulue en partie, parce qu'on était dans la merde, hein, quand même. Ce n'est pas que les Européens consomment de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de pays émergents qui consomment l'Inde, la Chine, même l'Afrique à certains endroits, tu vois. Et tu te retrouves quand même avec une hyper consommation qui est assez dure à réguler. C'est la folie, tu vois. Donc, on fait baisser la consommation des gens, on les maintient chez eux, et pendant ce temps-là, on bosse sur un changement total énergétique. Bon, il y aura encore du pétrole, hein, on aura encore des trucs comme ça, mais c'est mieux de passer au nucléaire hydrogène. C'est sale, un peu le nucléaire quand il y a des accidents, mais bon, ça tue pas tant que les particules de calamine issues des combustions des hydrocarbures, tu vois. Mais on ne peut pas critiquer. Le monde tourne comme ça. Ok. Donc, on Après aura une ce crise. Après, le vaccin, c'est le vaccin. Je n'ai pas assez de recul là-dessus. Même les spécialistes sont en train de se poser des questions, hein. Oui, le vaccin marche. Il y a moins de morts, par exemple. Mais est-ce que les contaminations continuent, tu vois? Parce que ça enlève certains vaccins, pas tous, hein, enlève les symptômes. Et puis Et tu les restes spécialistes, le contaminant, problème c'est que t'as tout quoi. Hein. quoi? Le problème, c'est que les spécialistes, j'ai un peu du mal parce que tu as un spécialiste pour chaque camp, en fait. Et quand tu écoutes un spécialiste, tu le crois parce qu'il est convaincant dans ses paroles. Et puis quand tu écoutes un autre spécialiste qui est dans le camp adverse qui va dire l'opposé, bah, tu le crois aussi. Et au final, j'ai un petit peu l'impression que personne ne sait exactement et qu'il n'y a pas, y a personne à croire, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est des trucs à rééquilibrer sur le terrain. Tu te balances un vaccin à un autre, tu regardes si ça marche, tu en arrêtes un parce qu'il n'est pas bon, tu reprends l'autre, tu prends les autorisations pour l'autre, tu t'aperçois que l'autre, il crée des allergies, donc tu l'arrêtes, tu reprends l'ancien, tu l'améliores. Tu vois, c'est du terrain, hein, c'est comme la guerre. C'est une guerre. Les virus sont des régulateurs. Hein, donc, ils font partie du monde. Hein. Si on arrive avec un virus comme ça, c'est que ça nous pendait au nez depuis très longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on avait des épidémies qui arrivaient et avec des explosions de mortalité dont on ne parlait pas. Tu vois. Les statistiques montrent, même Barraud en a parlé, qu'il y avait des moments où il y avait des très grands pics de mortalité. Ça arrive et c'est accentué par tous ces déplacements ridicules du monde. Et puis après, c'est sûr que ça a mis un frein à cette société des loisirs et de consommation. Alors on continue à consommer, mais par Internet, par eBay, par Alibaba, AliExpress, Wish, tu vois, Amazon. Amazon. Mais c'est sûr que même, je voyais McDonald's qui fait des pubs pour aller chercher les sandwichs. Alors, ils sortent plein de variétés différentes, McDonald's, hein,
Et puis, il te montre que tu peux aller le manger avec ta copine en regardant un coucher de soleil dehors. Tu vois? Alors qu'avant, il te montrait qu'il était dans McDo avec le clown Ronald McDonald qui venait rigoler avec toi, tu vois, et tu avais la petite serveuse. Non, là maintenant, tu prends ton McDo dans sa boîte en carton recyclé et puis tu vas le bouffer près de la rivière, près de ta copine et en vélo. Tu vois? Alors qu'avant, tu avais le mec qui venait avec sa voiture, se garait et rentrait manger à l'intérieur au chaud. Ça change parce qu'on a une épidémie qui est sur le dos. Bon, qui est pas, attends, on a eu quoi, 2 millions de morts pour moi, un peu plus. Je sais quoi, là, c'est pas la grippe espagnole. Hein. Mais Tu l'as eu? quoi? Tu l'as eu le Covid? Non, non. Tu l'as Tu eu? l'as pas attrapé? Non. Ouais. Alors, c'était Moi dur. je l'ai eu il y a trois. Bon, pas tant que ça. Pas tant que ça, pour être honnête. Je pense que le truc qui m'a le plus foutu dans le mal, et je sais pas si ça a un lien avec le Covid, c'est une espèce d'angine que j'ai eue une semaine avant. Une semaine avant, j'ai eu une grosse angine, mais terrible, mal de gorge avec aucun autre signe. Tu vois? Et puis à un moment donné, ça va bien. Et puis le lendemain, je sens des courbatures qui arrivent dans le bas du dos. Je commence à sentir le soir la fièvre. Ça m'a duré 3 jours de fatigue intense. La fièvre, je pense que je l'ai eu qu'une seule soirée. J'étais très fatigué. Tu sais, tu te sens, t'as envie de dormir, t'es crevé. Le goût qui disparaît. Alors le goût, il n'a pas disparu de suite. Il a disparu dans les jours qui ont suivi. Donc là, j'étais certain que je l'avais avant d'avoir mon résultat de test. Et sinon, allez, ça m'a duré 5 jours d'être un peu fatigué. Et ensuite, j'ai terminé ma quarantaine en étant plutôt correct, quoi. C'est Aki qui l'a eu aussi, je crois. Tu vois, Aiki de Sheer Fitness, ouais. ça lui faisait quasiment rien. Moi, j'ai un pote qui a eu, qui était fatigué. Et puis là, à côté, il y a une petite nana qui a eu, qui est morte. Hein. Elle était un peu grasse, tout ça. Mais bon, 32 ans. Hein. Et Ah puis, oui, j'en ai 32 ans, oui, quand une même. autre à 45 qui est morte aussi. Nana, c'est moi, tu vois, ici dans mon village. Pareil, elle était un peu grasse, en surpoids. Boum, elle est morte. Donc c'est triste. Hein. Non, ça meurt quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont rien, quoi, tu vois. Quand tu fais les beaux-arts, est-ce que tu t'intéresses alors déjà à la biomécanique? Tu le développes? Comment ça se passe? Et peut-être avant, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce que la biomécanique pour toi? La biomécanique, c'est l'application des lois de la mécanique. Aux structures vivantes. Ça s'appelle la biomécanique. C'est régi par les mêmes lois que les structures non vivantes, c'est-à-dire les constructions, les architectures, les mécanismes que nous construisons. Sauf que là, ce sont des lois qui s'appliquent sur des structures vivantes. Alors, les structures vivantes, en général, elles ont comme particularité d'être, de ne pas avoir de pièces indépendantes les unes des autres et de fonctionner avec une pièce générale, c'est-à-dire le corps, hein, et tous les organes sont reliés les uns aux autres, alors que sur les structures mortes, c'est la principale différence. Après, il y en a d'autres, hein. Tu as des rouages. C'est-à-dire que tu as des pièces indépendantes les unes des autres qui n'ont pas besoin d'être alimentées, si tu veux, par un système de Un tuyauterie, ensemble, ouais. par un ensemble. Tu vois, c'est un corps, c'est de la biomécanique des articulations, mais les articulations sont en vérité reliées les unes aux autres. Alors que bah, une roue, il y a un espace libre hein, entre les roues de Mohabi et. Moyeu central ou d'une roue de char, c'est une pièce indépendante qui tourne autour d'une autre pièce. Ceci dit, c'est de la biomécanique et c'est les mêmes lois physiques. La mécanique, ça c'est la mécanique, hein, et la biomécanique, c'est-à-dire qu'en général, ce sont des pièces qui sont régies par les mêmes lois physiques, hein, des leviers. Bon, on a des demi-roues quand même, puisque les articulations, c'est des demi-roues quand même. Hein, quand tu as un fémur qui bouge, c'est un principe de roue. Hein. Et Gleno. voilà, l'épaule, c'est pareil. Hein. Toutes les articulations, ça tourne, ça s'emboîte, des espèces de concavité, convexité, qui ressemble à la roue. Un fémur, c'est une roue qui tourne en partie. Mais elle se bloque, bien sûr, à un certain moment. Elle ne va pas faire un tour complet, puisqu'il faut qu'elle soit attachée entièrement au corps. Mais c'est intéressant de comprendre. Alors, ça marche sur des ressorts, hein, comme les autres. La mécanique, bah, les voitures sont sur des ressorts. Nous, on est aussi sur des ressorts. Donc, ça se ressemble énormément. Ce sont les mêmes lois. Et ça, c'est très intéressant à étudier. Un truc que j'aime bien dire aussi, c'est il n'y a pas réellement de vide aussi dans le corps humain. Là où il va y avoir des parties vides, comme tu le disais, dans une mécanique morte, le corps humain, il y a
tout est rempli. Il n'y a pas un endroit où il y a du vide. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu tires à un endroit, mécaniquement, ça va tracter l'ensemble et tu tractes un bloc. Ah oui, il n'y a pas de vide parce que tout ça baigne dans une espèce de liquide et de tractus qui fait tout tenir ensemble, de liquide qui permet de tout maintenir en vie. C'est-à-dire qu'une machine, c'est une machine. C'est mort, si tu veux. Le monde est vivant, en vérité. C'est des atomes, ça vit un atome. C'est la vie, puisque nous sommes faits d'atomes. Si nous sommes faits d'atomes, c'est que les atomes font partie de la vie. Mais bon, dans le cadre de la vie, de la physique telle qu'on connaît, un corps humain, ça a besoin d'être entièrement relié, tu vois, pour être nourri, alimenté et régénéré. La particularité d'un corps humain, c'est que ça se régénère. Une machine, non. Tu vois, ça s'use. Un corps humain, ça s'use et ça se régénère. Donc, c'est un système formidable de programmation, qui permet à la matière de maintenir une forme pour se déplacer, tu vois, et de permettre, à plus ou moins long terme, à la conscience de se déplacer en elle-même dans l'univers. Quand est-ce que tu commences à t'y intéresser, ça, dès tes études dans les beaux-arts, quand tu commences à apprendre à dessiner, ou même non, déjà non, avant non, déjà avant. Déjà, j'étais pas. Qui c'est qui a à ce moment-là qui déjà parle de biomécanique? Alors, il y a quelques bouquins de biomécanique que j'utilisais, il y en a pas mal. Pour la science, en sortait quelques-uns toujours. Tu sais, à chaque fois, c'était pour les biologistes, les mecs qui passent des diplômes. La biomécanique, c'était un peu laissé de côté quand même. C'est pas un truc qui passionnait tout le monde. Tu avais les mécaniciens qui en parlent. T'en as, j'en ai. Marais, je crois. Marais en parle déjà au 19e. J'ai pas mal de bouquins là, tu vois. C'est quand même des sciences qui sont connues, hein. C'est étudié avec les leviers depuis des dizaines, voire des centaines d'années, la mécanique humaine, hein, la mécanique des animaux, tu vois, avec les lois. C'est les lois de la mécanique, c'est super intéressant. Mais okay. Pour l'appliquer au sport et à la performance, c'est encore plus sympa. Puis comme j'ai fait du power, en power, on s'aperçoit très vite, surtout quand on fait les trois mouvements. Tu vois que c'est surtout quand on fait les trois mouvements. Parce que quand on fait du bench, parce qu'il y avait un gars qui dit oui, la mécanique, la biomécanique, là, les leviers, ça ne joue pas forcément. Là, la taille des membres, ça ne joue pas forcément. C'est bon. Nous, en trois mouvements, je crois, bench. Je pense savoir à qui tu penses. Non, mais par contre, il est extrêmement fort. Ça, il faut lui reconnaître d'être extrêmement fort. Naturellement, parce que sûrement il charge, hein, je pense, mais naturellement, faire 235 à son poids, c'est que le mec, s'il est naturel, il est minimum 200. Les mecs, ils ne voient pas. Hein. Il est très fort. Donc, par contre, il n'a pas compris que la biomécanique et que les morphologies jouaient énormément dans la performance. Et nous, on s'en aperçoit énormément, c'est quand on fait du trois mouvements en power. Tu vois? Parce que trois mouvements en power, tu es obligé d'avoir plus qu'en bench, ou en bench, tu te concentres pour avoir ta meilleure barre. Tu es obligé d'économiser sur une journée tes ressources pour voir où est-ce que tu vas le plus performer. Parce que si tu te fatigues trop, par exemple, au squat, tu vas être moins fort au soulevé de terre, tu vois. Et tu as des mecs en face, tu sais, en fonction de leur morphologie, qui vont avoir un bon coucher. En général, c'est les mecs qui vont avoir un bon coucher, un bon squat. Et tu sais que tu vas essayer de les casser au soulevé de terre. Parce que s'ils sont courts, sur pattes, ça ne le fera pas. Et avec un long buste, ils ne vont pas s'amuser à aller chercher les grosses barres. Souvent, tu regardes la taille des bras aussi, tu vois. Et tu sais à peu près, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, après, quand tu les connais, tu sais qu'ils vont faire, tu sais où va se jouer le match à 2,5 kg ou 5 kg près, tu vois, en jouant. Donc, tu vas essayer de l'emporter pour être plus fort que lui au squat, ou tu vois, ou essayer d'être à peu près aussi bon que lui ou un peu moins bon que lui au squat pour gagner au squat. Tu sais qu'au coucher, il va te massacrer, mais là, tu te reposes un peu sur le squat. Par exemple, tu mets pas tout pour pouvoir lui mettre sa pâtée sur le soulevé de terre, en sachant qu'il aura pris un peu par rapport à toi au squat et au coucher. Et là, tu t'aperçois que les morphologies, c'est énorme, tu es obligé de jauger les mecs avec les morphologies. Dire, ah, lui, il est comme si son soulevé de terre va pas être bon, c'est là que je vais reprendre du poids, tu vois. Et c'est là que tu t'aperçois. Et c'est toi-même, tu le vois ou comment tu t'en rends compte de ça? Moi, je suis toujours sur les mecs. Surpris. J'avais mon entraîneur Vouillot qui le voyait bien. Alors lui, il le voyait de façon un peu instinctive, mais il n'avait pas approfondi. Mais il savait très bien quand on arrivait sur un truc, il dit fais attention, lui, il est bon soulevé de terre, on va calculer ta montée sur ce mouvement et ce mouvement. Tu vas te reposer à celui-là et tu vas attaquer sur le troisième. Ça, c'était des trucs de power. C'est un peu de la stratégie. Et c'est là où ça commençait à mettre la puce à l'oreille. Je me suis intéressé à ça. Et pour être plus performant, tu vois. Et après, j'ai vu qu'en fin de compte, en force, comme dans tous les sports d'ailleurs, ce qui compte le plus, c'est avant tout
la morphologie, donc c'est-à-dire la génétique, tu vois. Et là-dessus, bien sûr, il y a le travail, il y a l'entraînement, il y a la volonté, il y a la régularité, hein, il y a la discipline, hein. C'est-à-dire là, c'est la régularité, la discipline, hein. C'est ce que disait mon prof de bord, et il disait, l'important, c'est pas de dessiner beaucoup, c'est de dessiner tout le temps un petit peu pour progresser, pas perdre. Et ça, c'est vraiment une des bases, tu vois, à l'entraînement. Mais ça s'appelle la régularité, la discipline dans la résilience. Donc, tu veux faire ça, tu atteins ton but. Alors, évidemment, il ne faut pas être obstiné quand tu n'y arrives pas. Alors maintenant, c'est ça qui m'a fait comprendre et qui m'a fait me passionner pour comprendre pourquoi tu es fort. Pourquoi tu es fort. Alors, pourquoi ça te tient, tu vois. Pourquoi un animal court vite. Comment chasse un tyrannosaure, quelle position avait un australopithèque, qu'est-ce que rencontrait un australopithèque comme problème par sa structure. Et là, quand tu étudies les structures et quand tu connais les structures, tu peux comprendre comment vivent les animaux, ce que ressentent les animaux, ce que pensent les animaux. Alors, c'est pas de l'anthropomorphique que tu fais, parce que tu te mets dans la peau d'un animal qui n'a pas la même structure que toi. Donc, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il va ressentir. Tu vois, tu sais à peu près où il va fatiguer. Quand tu vois un animal qui a mal au dos, tu sais que c'est parce que c'est comme une arche et l'endroit où la pression arrive, c'est au milieu du dos. Donc souvent, les chiens, ils ont mal au dos, au bas du dos, à cause de leur position quadrupède. Ils sont suspendus entre leurs omoplates qui ne sont pas tenus par des clavicules. Tu sais, quand un chat, un chat ou un chien, il arrive en bas, il n'a pas la même sensation que toi. Il pose ses mains et il rebondit entre ses grands dentelés. Toi, tu arrives en bas, t'as tes dents grandées, il ne rebondit pas en eux, tu tombes sur les mains, tu te pètes la clavicule ou l'épaule, parce que tout ça est attaché par une espèce de structure osseuse qui n'est pas une structure de suspension, tu vois, comme un peu dans l'âme de ressort des voitures. Mécanique des voitures, mécanique humaine, mécanique animale, un quadrupède, ce n'est pas la même chose. Tu vois. Et ça, tu t'aperçois, tu peux penser qu'un animal, comprendre qu'un animal, tu vois, quand tu vois là, j'ai un petit chat qui est à la maison, c'est sympa, Sweetie, c'est Mimi, j'appelle, elle saute, elle descend. Boum, elle arrive sur ses pattes, elle n'a aucun problème. Elle est en train de rebondir sur ses pattes, elle n'a aucune sensation. Moi, je dis, je fais la même chose, j'ai l'épaule qui rentre, la clavicule qui s'arrache et je suis mort. Et quand un pitbull, tu vois, je dis tout le temps, on dit, ah, les pitbulls, ils s'amusent à se maintenir accrochés à un pneu. Je dis, les mecs ne savent pas que la sensation qu'ils ont est super agréable parce qu'avec leur grosse tête à cause de la sélection, ils ont la tête qui penche tout le temps en avant. Et quand ils se maintiennent à un pneu, ils ont l'atlas, l'axis, tu vois, les muscles de la nuque, hein, qui sont très, très gros. J'en ai, je peux t'en montrer des trucs de chevaux, tu vois, je vis avec des os. Tu te dis qu'il doit détendre tous ces muscles-là et en fin de compte, il éprouve un plaisir, une jouissance d'être pendu à son pneu par la bouche. Alors que toi, tu te pends un pneu par la bouche, ben, tu te sectionnes les vertèbres cervicales et tu meurs, quoi. Ben, c'est pendu. Et tu sais à quoi je pense aussi, c'est à la colonne lombaire qui justement s'est creusée au fur et à mesure où l'homme s'est relevé. Voilà. Et qui aujourd'hui, lorsqu'il y a une lordose qui est trop marquée, autour de L3 hein, généralement. Hein, non, même L3. Après, ça va. C'était hyper lordosé. Alors, le problème, c'est l'hyper lordose parce que ça va balancer ça va faire glisser tes vertèbres vers le bas. Ouais. Ça peut, si tu as une fragilité, de faire des. Si tu as un arc vertébral qui n'est pas très bon, ça va faire une bascule, entraîner des gros problèmes. Ça peut faire des contractions des petits muscles paravertébraux qui se contractent et qui peuvent pincer des éléments nerveux, hein, pas forcément une hernie. Hein. Mais il y en a des petits, ça fait très mal quand ils perdent leur dosée. Tu vois, ça peut poser des problèmes. Alors, il ne faut pas confondre. C'est comme quand tu vois un Africain, le mec, il est leur dosé. L'Africain, il est leur dosé de mes couilles. L'Africain, il a une vertèbre, des vertèbres qui sont relativement droites, mais simplement, il a une projection arrière. C'est moi qui l'expliquais parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Il a une projection arrière des muscles sacrum et de l'os iliaque qui lui permet d'insérer un grand fessier adapté à ses grandes jambes. Il n'a pas des grandes jambes parce qu'il a des grandes jambes, il a des grandes jambes parce que c'est un système de thermorégulation, c'est-à-dire d'adaptation optimale à un milieu donné. Hein. Donc, il a des grandes jambes qui sont faites sur la récupération d'énergie, avec de grands tendons calcanéens, c'est ce qu'on appelle tendons d'Achille, mais ils remontent, hein, des petits muscles jumeaux, tout petits en haut, des petites boules, mais c'est fait pour récupérer l'énergie cinétique pendant la marche, hein, et quand il marche, pendant la course surtout, et pendant la marche aussi, puis quand il court, quand il a des grandes jambes, il a les ischios extrêmement tendineux, semi-membraneux, semi-tendineux. T'imagines bien, c'est des muscles qui sont tendineux faits pour récupérer l'énergie cinétique durant la marche et la course. Et comme il a des grandes jambes, ça lui permet de marcher, de courir, quand il doit courir, sans monter en chaleur, donc sans monter en surchauffe,
dépenser trop de calories et sans faire et sans niquer les organes et particulièrement le cerveau. Parce que le problème, c'est la surchauffe du cerveau. Et c'est très intéressant de comprendre les morphologies. Donc, du coup, il a un bloc moteur déporté sur le haut du corps pour être économique. Donc, au niveau des fessiers, près du centre de gravité, ce qui entraîne un os iliaque et un sacrum déporté vers l'arrière, mais pas d'hypercambrure. C'est, il a les fesses sorties, mais il a, la vertèbre, ouais, il a les vertèbres lordosées normales. Hein. Et par contre, il a un plateau sacral qui n'est pas du tout incliné, qui est plus ou moins horizontal comme un celui d'un Européen. Mmh. Simplement, on a l'impression qu'il a le cul qui sort. Alors en plus, comme Fatou Diallo, elle a en plus du gras particulièrement sur les fesses, hein, puisqu'elle est africaine, je rigole, on dit en Fatou Diallo, sur les fesses parce qu'il fait chaud. Là-bas, et si elle a surchauffe, donc elle va le mettre en plus sur son fessier qui est déporté vers l'arrière, ça va lui donner l'impression qu'elle a un cul qui part vers l'arrière. En réalité, c'est un système de protection pour ne pas monter en chaleur et d'accumulation de réserves énergétiques près du centre de gravité qui est déjà donc l'accumuler sur les fesses qui sont en plus portées vers l'arrière, tu vois, les fessiers pour avoir une meilleure attaque au sol parce qu'ils ont des grandes jambes. C'est des conneries, hein. Et quand tu vois c'est excellent parce que là c'est en train d'expliquer à tous ceux qui savent pas et qui disent c'est dégueulasse parce que les noirs elles ont des gros culs, elles ont des beaux culs. En fait, on est en train d'expliquer pourquoi, presque, d'un point de vue bioméca, morpho. Des beaux culs, ils ont des culs de noir. Ça veut dire. Oui, bon, bah après, ça, c'est très beau. Et c'est très beau à leur niveau, à leur milieu. Et c'est très beau. Tous les hommes sont beaux. Tu vois, elles ont des fesses déportées vers l'arrière. C'est vrai, moi, j'ai voyé marcher une boîte africaine à côté de chez moi. J'ai voyé arriver. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bolide qui arrive derrière? Et puis, tu regardes, il n'y a pas de mollet. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de mollet qu'elle a des mollets inefficaces. C'est des mollets en tendon. Donc quand elle court, elle est sur ressort, elle fait pam 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 pam. Évidemment, le problème c'est quand il fait froid. Tu vois, là c'est le calvaire de l'Africain. Alors, il sent pas, il est dans la merde. Dire après, tu regardes la structure européenne, c'est des structures qui sont héritées de Néandertal en partie parce qu'il y a des adaptations après, ça évite quand même, qui sont des adaptations au froid. Tu vois, alors Denisova, Néandertal, tout ça, tous ces trucs-là, c'est des humains d'Afrique qui sont remontés avant les sapiens, avant la mutation qui a fait plus ou moins le sapiens, qui est remonté en quantité plus importante, mais avec tout le temps des passages, ce que j'ai expliqué. Maintenant, ça y est, tout le monde dit la même chose que moi, mais je l'ai dit avant les autres. Hein, mais t'as pas prouvé. Mais attends, c'est de la logique, c'est de la physique. Je m'applique, c'est les lois physiques du monde, hein, je les sors pas de mon cul. Donc, quand tu connais la loi physique du monde, tu arrives à prévoir les choses à peu près. Hein. Donc, quand tu es un pré-néandertalien qui remonte d'Afrique et qui se retrouve, tu as vite une sélection qui fait que tu vas t'adapter au froid parce que tu n'es pas hyper technique, tu n'as pas des grandes techniques pour affronter ce froid. Donc, tu as aussi une sélection naturelle intense qui va se passer. Et tu te retrouves très rapidement avec des jambes courtes, tu vois, pour ne pas geler aux extrémités, donc un grand bus, plein de gras à l'intérieur pour passer l'hiver, hein, et oui, pour faire des réserves, hein, un peu, parce que ce n'est pas l'hiver qui dure, c'est la fin de l'hiver en général, quand ça dure, c'est là où les gens meurent, hein, puis c'est là où tu vas voir bientôt, c'est là où normalement les mecs font attention parce que le système immunitaire est fatigué. Alors maintenant on peut bouffer avec les supermarchés, mais manque de luminosité et tout, tu vois, on est crevé aussi. Donc, tu te retrouves en fin d'hiver cassé, donc tu accumules du gras dans le bide, donc grand bus, tu vois, tu as des gros poumons pour pouvoir thermoréguler bien, donc créer de la chaleur en mouvement musculaire, et tu te retrouves avec des jambes très courtes, hein, pour ne pas geler, hein, pour avoir un minimum de surface extérieure pour un maximum de volume pas central, voilà, oui. pour éviter d'avoir par homéostasie une déperdition énergétique, ouais. C'est la base, hein. Et l'Africain est dans l'autre problème inverse, lui il veut optimiser sa déperdition énergétique de chaleur, tu vois, qu'il vit dans un endroit où il fait chaud, voilà. C'est deux problèmes différents qu'on rencontre en fonction des milieux, ça reste des humains, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, hein. Faut pas y mettre des valeurs raciales de supériorité et d'infériorité, ce sont des différences qui font la beauté des hommes, il faut le dire aux cons, hein. De gauche et de droite, ils sont insupportables les deux. Et il y en a un qui dit on est tous pareils, il y en a un nous on est supérieur, l'autre inférieur. Les deux, c'est des cons, on n'est pas pareils, mais il n'y en a pas un qui est supérieur. C'est la grande différence, tu vois. Et alors l'Européen, la particularité de l'Européen, c'est moi qui le dis, mais maintenant ça y est, les mecs vont le dire, hein,
J'ai fait plein de dessins, d'expliquer. Ça pourrait être une thèse. Normalement, c'était une thèse et je passe en science. Mais en France, t'es bloqué. Je m'en fous. C'est moi qui produis mes livres. Je les emmerde. Et quand tu te retrouves en antécesseur ou Heidelbergensis, tu vois, donc des prêts. Néandertalien, tu te retrouves avec des sélections qui fait que tu as les jambes qui se raccourcissent, tu vois, le tendon calcanéen qui s'éloigne et qui se raccourcit, et la voûte plantaire qui se creuse. Tout ça pour pouvoir avoir, en fin de compte, un très mauvais rendement locomoteur sur le membre inférieur. C'est-à-dire que pour pouvoir marcher, tu es obligé d'avoir un gros muscle, tu as de mauvais leviers, tu n'as plus de récupération énergétique. Le but, c'est de marcher, de te déplacer en produisant de la chaleur. Donc, c'est-à-dire en produisant plus de chaleur que qu'il n'en faut Qu'en en perdant, oui. à la base. C'est-à-dire que le but, en fin de compte, c'est de pouvoir se déplacer. Donc, ça te fait un énorme bloc moteur en bas, dont le but n'est pas d'être plus fort, puisque les leviers ont été raccourcis, mais en fin de compte, de produire de la chaleur pendant que tu te déplaces, puisqu'on sait très bien qu'une contraction musculaire, c'est plus ou moins 30% qui est réutilisé dans le mouvement et 70% qui part en chaleur, hein, donc pendant la combustion pour créer le mouvement. Donc, des éléments chimiques, tu vois, oxygène, carbone, tout ça. Donc, on se retrouve avec des gros mollets, un bloc moteur qui est vers le bas des jambes, en même temps, c'est bien parce que ça empêche de geler, donc des quadriceps bas, des gros mollets, qui sont faits, enfin, pas pour être puissants, hein, qui sont faits pour produire de la chaleur. Dans un milieu froid, éviter les blessures, permettre au corps de se maintenir à bonne température pendant les déplacements, surtout à l'extérieur, hein, donc éviter d'avoir un refroidissement général qui te ferait penser moins bien, agir moins bien et réagir moins bien à ton environnement. Et ça, c'est intéressant parce que là, on comprend mieux comment on est fait. Déjà, comme tu le disais, ça évite d'avoir trop de personnes qui disent on est tous pareils ou on est tous boulins. Ça remet tout en perspective et ça rajoute des explications là où il y avait du scepticisme. Une fois qu'on a compris ça. Comprends ça, tu vois, tu comprends pourquoi Vladimir, ça fait un très bon haltérophile ou powerlifter, tu vois, en tout cas squat couché, et pourquoi Moussa, ou je ne sais pas, s'il se retrouve en Jamaïque avec des bonnes structures pour l'entraîner, ben, il va faire un champion de sprint, tu vois. Dans quelle mesure tu penses qu'on peut modifier sa morphologie? Tu vois, est-ce que moi la question que je me pose par rapport à ça, c'est que est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que tout est immuable? Et jusqu'à quand on peut changer? Tu vois, est-ce qu'on on va pas faire d'un âne un cheval de course? Tu maudis Mais est-ce que c'est pas être pessimiste de dire bon, mais en fait on peut plus changer, pas. tu Non, vois. tu modifies pas ta morphologie comme ça. Tu peux un peu assouplir certaines zones. Quand tu sais comment tu es fait, tu ne vas pas t'amuser à essayer de faire des trucs sur lesquels, d'abord, un, tu n'es pas bien adapté, et deux, ça ne t'apportera pas grand-chose. Ce n'est pas pour ça qu'un mec qui est long en jambes ne va pas. Il faut l'empêcher de faire du squat. Non, ça peut. Mais tu n'en feras pas un champion de squat. Il peut être très fort, mais parce qu'à haut niveau, ça joue sur pas grand, ça joue sur, il faut que le mec ait toutes les qualités, tu vois. C'est ça. Donc ça va être très très dur, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est que les mecs comprennent qu'ils ont soit une morphologie, je sais pas, de mulet, soit une morphologie de cheval de course. Un cheval de course étant absolument pas efficace pour trimballer des paquetages en montagne, si tu veux, tu vois. Un mulet est plus efficace, c'est un peu plus grand qu'un âne, tu vois, les jambes plus courtes qu'un cheval, d'une nature plus mieux, alors qu'un cheval de course, c'est tout fin, ça court vite, mais il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire. Tu vois. Après, on sélectionne des chevaux pour tirer des charrues, mais ça, c'est de la sélection, c'est des races, pas des races, hein. C'est de l'adaptation climatique, ou des sélections humaines, ce qui fait des races. Mais pour les hommes, il faut comprendre, tu te regardes et tu te dis, merde. Je vois que je n'ai pas performé là où je peux performer si je change ma façon de m'entraîner, tu vois, mes mouvements. C'est pour ça que quand un mec il est court sur pattes, si tu lui fais faire du soulevé de terre classique comme en muscu, tu es un peu con. Tu dis, essaie plutôt le sumo, tu seras peut-être mieux, tu vois.
Puisque quand tu cours sur pattes, en général, tu es court de jambes, tu as un grand buste. Donc, si tu es penché en avant, tu as un mauvais levier. La course est trop grande pour que ceux qui comprennent. Est trop grand. Par contre, si tu t'amuses à faire du silence, je le permette, hein, du soulevé de terre sumo, ça sera bon. On ne te dit pas de ne pas faire ça. C'est, le mec, de la vie a dit, donc il ne va pas le faire. Je n'ai jamais dit ça. J'ai expliqué qu'il y avait des morphologies pour et d'autres qui n'étaient pas pour. C'est pour ça que je m'amuse quand les mecs disent la morphologie, ça joue pas. Je mets une photo de, comment il s'appelle, le champion du monde de sprint, merde. Usain Bolt. De Usain Bolt. Et puis je mets une photo à côté d'un champion de sprint par un handicapé, là, mais ils ne sont pas handicapés pourtant. Un nain qui court. Et je leur dis, mais le nain, il a beau être bien, il pourra démarrer vite, mais bon, tu comprends, sur 100 mètres, c'est fini. Il n'a pas des membres assez grands. Tu vois, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas progresser. Mais c'est Usain Bolt qui sera le meilleur là-dedans. Déjà, il est grand, il a des gros muscles, il a une structure de sprinter, mais avec 10 cm de ceux qui couraient avant, tu vois, plus les muscles qui vont avec. Donc le mec, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au début, il va démarrer un peu moins vite que les autres, mais comme il a une vitesse de frappe beaucoup, très très rapide, un bon système nerveux, avec ses grandes jambes et ses mollets tendineux, ses ischio-tendineux et ses grandes enjambées, il a vite fait d'être le premier, quoi. Quand tu commences à t'intéresser à tout ça et à découvrir, tu te dis, tu vas creuser. Moi, je voulais savoir parce que on te connaît tous pour les livres, notamment hein, pour la méthode de Lavier, qui sont les trois tomes aujourd'hui, méthode de Lavier. Quand est-ce que tu rencontres Michael Gundil? Comment ça se passe, votre association? Et est-ce que c'est à partir de là, je ne sais pas, je te demande, hein, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, tiens, maintenant, tout ce que j'ai appris sur la biomécanique, j'ai l'impression qu'il faut que je le mette en page, ou faut que je transmette ce que je sais? Comment ça se déroule? Moi, j'ai commencé par faire un best-seller mondial. J'en ai fait deux best-sellers mondiaux. C'était le guide de ma musculation. C'était Strength Training Anatomy aux États-Unis, qui est devenu numéro un des ventes dans tous les livres. Un des premiers que j'ai lu, d'ailleurs. Et ça, c'est le livre de base qui est utilisé par tous les enseignants, parce que tu as tout le répertoire, on va dire une grande partie des mouvements qu'on rencontre en musculation, avec les muscles qui sont indiqués, et puis avec comment les faire pour ne pas se blesser. Voilà, c'est la base. Tu rentres en salle, tu n'as rien, tu prends ça, puis après, tu regarderas des méthodes pour s'entraîner. On parle aussi de biomécanique dedans, on aborde la biomécanique. Hein. Mais après, on n'aborde pas l'entraînement à proprement parler d'approfondissement. C'est-à-dire que tu as les briques, et après, tu fais ce que tu veux avec. Et après, on a fait les méthodes. Alors d'abord, j'avais fait ça. J'étais au monde du muscle, j'ai des fiches techniques. Et ensuite, j'ai relié ces fiches techniques pour faire un livre. Et ce livre, je l'ai fait aux éditions Vigo. À l'époque, donc les éditions Hugo m'ont pris parce que le monde du muscle ne me prenait pas parce qu'il y avait une concurrence du Lucien Desmeyes qui avait fait un livre beaucoup plus rudimentaire sur c'était 100 mouvements ou 150 ou 200 mouvements de musculation. C'est très simple, des petits bonhommes très schématiques avec des zones rouges, mais c'était pas pour les profs, c'était des zones rouges. Tu voyais à peu près ce que tu bossais. C'était une bonne idée. Ils avaient fait un best-seller à plus de 100 000 exemplaires, tout ça. Puis je l'ai dit à Vigo. Puis moi, j'ai travaillé pendant des années au monde du muscle dans le but de relier toutes les dessins que je faisais, toutes les fiches techniques que je faisais pour faire un livre. Mais il voulait pas perdre. Il a eu tort, René Benamou, de ne pas me prendre parce que j'étais pour lui une concurrence avec son auteur. Donc je suis allé chez Vigo et chez Vigo, boum, j'ai pris. Puis là, tout de suite, ça a été. On a fait 11 000 livres la première année, 30 000 la deuxième. Et puis après, ça a explosé. Puis après, on a vendu dans le monde entier. Tu vois? Donc après, c'est parti aux États-Unis, en Allemagne. Puis voilà. Et puis il n'y a pas Internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a peut-être pas Amazon encore. Pas Internet, pas YouTube, pas Amazon. Donc j'étais tout seul à faire ce genre de livre. Il y avait des Américains qui avaient fait un genre de dessin un peu comme ça, qui avaient copié des Meyes en mieux, mais pas aussi fini que moi, qui n'abordaient pas la traumatologie, qui n'abordaient pas l'évolution, et qui n'avaient pas des dessins de type médicaux, parce que moi, c'est des dessins qui sont de type médicaux. Tout kiné ou médecin qui me suit utilise mes dessins, mes livres, parce qu'ils savent que c'est juste, ils vont pas se planter, quoi, tu vois. Ils révisent leur anatomie sur mes dessins, c'est aussi bien que le réviser sur un, en tout cas au niveau biomécanique, que sur un netter. Ou un Sobota, quoi, mais c'est dans l'autre sens. Kamina. Kamina, voilà. Kamina, c'est pas mal aussi, mais je fais aussi la biomécanique de bonne qualité en expliquant les leviers. Il y avait Kamina et Kapanji. Ils sont bien, les deux. Oui. C'est les références en anatomie aussi. Voilà. Alors, c'est des moins beaux dessins, mais c'est des très bons, des schémas très intelligents.
Eh ben, moi, pas du tout orienté sport pour le coup, ni mouvement, on est purement dans l'anatomie, Voilà, on quoi. est plus dans l'anatomie, dans la biomécanique, mais le problème, c'est qu'ils ne leur placent pas forcément dans le mouvement. Moi, l'avantage, Dans le c'est de le compte, ouais, placer quoi. dans le mouvement, ce qui facilitait la compréhension. Ce qui ne veut pas dire que Kapanji et Kamina ne sont pas bons. Ce sont deux Français. Alors, je crois que Kapanji est mort il y a 2 ans. J'aimais bien ce qu'il faisait. J'ai très bonne. Si vous voulez regarder, Kapanji, il y a quelques petites vidéos sur lui qui sont très bonnes, où il explique la biomécanique sur YouTube, la biomécanique du pouce, des mains. Le mec, il s'amuse à construire des petits robots. Hein, tu vois, avec les muscles qui sont des câbles, c'est très bien Ouais. pour comprendre l'anatomie. Tu vois. Donc lui est très bon. Donc voilà. Ok, Donc quand est-ce que tu après, rencontres j'ai fait Michael ça. Gundil alors? Et avec Gundil, comme on s'entraînait dans la même salle, on se connaissait. Gundil, On est à Paris là? Excuse-moi, ouais, on est à on est à Paris Paris? et lui travaille au monde du muscle comme moi. Il faisait des articles surtout sur les réactions biologiques, sur les compléments alimentaires, c'était sa passion. Et je lui ai dit, écoute, comme tu fais un article, j'ai vu que moi, je bossais au monde du muscle aussi. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu que tu as été writer of the year, écrivain de l'année aux États-Unis. Et j'ai dit, moi, je suis numéro un des ventes aux États-Unis de bouquins actuellement. Ça ne te dit pas qu'on bosse pour Muscular Développement, il n'y a pas Internet, hein, c'était un gros magazine avec, il y avait Flex, Muscular Développement et Muscle Fitness, Muscle Fitness. Et j'ai dit, ça ne te dit pas qu'on fasse des articles de biomécanique, t'écris en anglais comme tu es bilingue, et puis tu prends mes dessins, on discute un peu, puis on les passe, et on a passé, puis on a fait toute une rubrique de biomécanique qui passait dans les magazines américains. Donc déjà, on a rajouté de la biomécanique de haut niveau dans ces magazines américains qu'on n'avait pas. Je dis, Muscle Fitness en avait un peu, mais il s'est inspiré de DBS, un peu mieux, mais beaucoup moins bien que moi. Et du coup, on est passé dans Muscular Développement. Et ça a été le début. Et puis après, je lui ai dit, bah, ça ne dit pas, on fait un livre ensemble chez Vigo. On va faire un livre, le premier, sur les compléments alimentaires. On dit que c'est moi qui le fais, parce que c'est toi qui connais bien. Mais j'étais obligé de le surveiller à l'époque. Maintenant, le mec, il est. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il faisait trop complexe. Donc, ça pouvait pas. Attends, là tu parles de Gun Deal. Jérôme. De Jérôme, de Gun Deal. Et je lui ai fait ça, et puis on a fait ensemble. Il dit non, mais pas ça. Mais essaye d'y aller plus vite. Puis lui, il comprend très bien. Il dit ok, d'accord. Et il l'a pas fait aussi complexe dans le monde du muscle. C'était fait pour des bodybuilders souvent chargés aux stéroïdes. Et il l'a fait d'une façon très juste, mais en enlevant tous les termes techniques qui servaient à rien. En enlevant les schémas moléculaires, tout comme ça, qui mettaient, ils parlaient de molécules, ça. J'ai dit, tu fais beaucoup plus simple, et on a fait le guide des compléments alimentaires pour sportifs, ce qui a bien marché. Et après, bah, on a fait la méthode de Lavier 1 ensemble, parce que lui, il était meilleur pour les programmes. Moi, les programmes, ça me gave. C'est pas un truc qui m'intéresse. Puis moi, j'aime bien la performance, pas le body en lui-même. Et on a commencé à faire toute la gamme de Lavier. Tu vois, méthode de Lavier Je pensais 1. pas que c'était les compléments alimentaires, je pensais pas que c'était lui qui était sorti en premier, parce qu'après il y a eu de nombreuses rééditions, et ce qui fait que j'ai toujours pensé que Méthode de Lavier 1 était votre premier livre en Et collaborant. le guide complément alimentaire pour sportifs. Et après, on a fait la méthode de Lavier 1 parce que lui, il écrivait des trucs intéressants sur la muscu, et il y avait l'affaire à l'époque qui commençait à attaquer les gens. Donc, ouais, la muscu, ça sert à rien, c'est minable, ce qui est mieux, c'est au poids de corps. Et vous voyez que ça marchait bien. Et comme il attaquait tous les mecs qui faisaient de la muscu, il dit, bah, écoute, on va faire un livre de musculation. Pour s'entraîner chez soi, mais on va dire qu'il faut, c'est pas au poids de corps, il faut un peu d'haltère. C'était pour concurrencer la fête. Parce qu'il nous C'était on est en 90 là. Hein? quoi? On est en 90. Oui, il y avait pas. Il avait commencé à avoir les réseaux sociaux, et là, il attaquait tout le monde sur les réseaux sociaux. C'était en fin de compte une façon de créer un conflit pour être visible, pour dire que la muscu, c'est mauvais, ça blesse, tout ça. En fin de compte, c'était. Son livre n'est pas mauvais. Marketing. Mais c'est des marketing, c'était pour dire les autres c'est minable et moi je suis meilleur, c'est mieux sans matos. Alors qu'en réalité, c'est bien de faire sans matos, c'est bien de faire avec du matos aussi. Dire, tu prends ce que tu trouves pour optimiser tes entraînements. Donc Surtout en ce moment. on en a fait un, c'est le rouge, là, le premier. Et bon, il s'est bien vendu, mais ce n'est pas celui qui s'est vendu le plus. Et ensuite, on a fait la méthode de Lavier pour s'entraîner en salle, c'est celui qui s'est vendu le plus parce qu'on avait surtout une clientèle. De mecs qui s'entraînent en salle, qui suivaient, donc de passionnés de salle de gym. Et ce qui se fait, c'est qu'avec le Covid,
le Covid, la Covid, comme ils disent, c'est une femme, la Covid. Elle est femelle. La Covid, elle est pas gentille. La petite blague, c'est que le guide, la méthode de Lavier 1, qui se vendait moins bien que les autres, est devenue la meilleure vente parce que les gens ne pouvaient plus aller en salle de gym. Donc, l'attaque et la petite blague qu'on avait fait contre la fée, qui était un bon livre hein, d'ailleurs, on n'avait pas copié la fée, hein. On l'avait fait avec des mouvements, des haltères à la maison, des trucs, un matériel rudimentaire, mais de base, on expliquait bien la muscu, tout ça. Donc, un matériel de base est devenu la meilleure vente ces deux années-là, en France, ouais. Je parle, parce que justement, les gens, alors ils ont acheté les méthodes après, puis les guides de musculation, ça n'a pas baissé, mais on a eu une augmentation des ventes parce que le Covid nous a été assez bénéfique, puisque les gens ne pouvant pas aller en salle se sont tous jetés sur la méthode de Lavier 1 pour s'entraîner chez soi. Rupture de sport. Est-ce que tu penses qu'ils se sont jetés sur la méthode Lafay aussi ou pas? Alors non, parce que oui, un peu, mais proportionnellement moins, parce que ils se sont tous jetés grâce à la. Ils voulaient. C'était. On a surtout eu les mecs de salle qui ont quitté les salles et qui voulaient s'entraîner chez eux. Donc ils ont tous acheté des haltères sur Wish, sur Alibaba, je sais pas, sur plein de trucs, des élastiques un peu partout. Ouais. Les centres commerciaux quand ils sont ouverts, ils ne peuvent plus aller en salle. Ils se sont mis à s'entraîner chez eux. Ils nous ont acheté des livres. Donc on s'est retrouvé avec une augmentation de vente là où beaucoup de pans entiers d'économie sont effondrés. Tu vois. C'est paradoxal, c'est comme les machines que je fabrique, tu vois. Ah, on va y venir un peu après. Est-ce que tu l'as rencontré Elles ont augmenté en vente parce qu'ils avaient des commandes avec les salles et par un système de vases communicants, le fait que les salles privées ferment, les salles privées des collectivités locales, de pompiers, de police, des cheminots, les salles de rééducation, les clubs de sport professionnels qui ont des équipes à maintenir, bah, se sont mis à acheter des machines parce que les salles grand public étaient fermées. Tu vois. Donc, on a eu une augmentation des ventes de matériel de musculation au Covid parce qu'il y a une espèce de transfert énergétique. Qui s'est fait. C'est l'économie, c'est la biologie. Hein. Donc, du coup, nous, on n'a pas tellement été impacté, sauf qu'on se fait chier, on ne peut pas sortir comme on veut, des couvre-feux, tout ce que tu veux. Mais niveau financier, la crise, en tout cas, pour le moment, moi, je ne l'ai pas vécu. Il y en a qui l'ont vécu. Le mec qui est restaurateur est dans la merde. Le prof de sport, il n'en prend pas la gueule. Tu vois, il y a des pans entiers d'économie qui s'effondrent. Tu vois. Mais il y en a d'autres qui en profitent. Les écrivains ont vendu plus, mais c'est les écrivains connus. Parce que ceux qui ne sont pas connus, on peut pas aller feuilleter. Ils ne pouvaient pas aller feuilleter les livres dans les librairies. Tu comprends? Donc on se retrouve avec les mecs qui achètent des mecs connus et tous les mecs qui veulent débuter, ils peuvent plus parce qu'ils ont besoin d'une visibilité tactile, quoi. Ils sont là, ouais. On veut toucher le bois si on le commande sur Internet ou si on l'achète en librairie. Tu vois. Donc on se retrouve avec c'est les mecs qui sont déjà en place qui s'en mettent plein les poches. Ce qui m'est arrivé à moi, j'y peux rien. Tu vois, c'est le système, c'est marrant d'expliquer ça aux gens, tu vois, pour qu'ils sachent comment fonctionne le monde. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu l'as rencontré, Olivier Lafay? Tu as eu la chance de le rencontrer en personne et de discuter avec lui, malgré cette petite fausse guéguerre, quoi. Je ne peux même pas critiquer réellement son travail, qui est un bon travail de vulgarisation, qui est pas mal. C'est adapté au marché français, il n'a jamais percé ailleurs. C'est un milieu où les gens aiment bien être pris. Les Français, ils sont très. Ils aiment bien être pris en main, ils ne sont pas décisionnaires, hein. C'est des castes. Donc, c'est très bien pour un Français qui aime bien suivre à la lettre ce que lui recommande quelque part un gourou, tu vois. Le Français, il aime ça. Donc, il a fait des systèmes d'entraînement avec A, B1, B1X, avec une espèce de code interne qui fait que les gens se sentent appartenir à un milieu parce qu'ils connaissent un vocabulaire qui leur est propre. Bon. Donc, il a très bien compris. C'est la psychologie du petit Français de base, qui est un peu con d'ailleurs, je trouve, mais bon. Il a besoin d'être pris en main, de ne pas trop réfléchir et de dire oui, j'ai réussi à faire le ABX7, le X2022 et toi, moi je suis au X2020, pas encore au 21, bientôt 21, j'espère atteindre comme toi le X2022. Ça veut dire nombre de répétitions, enchaînement. Il fait un truc qui est marrant parce qu'il monte des progressions avec des répétitions, t'augmentes la répétition, tu baisses tes temps de repos et comme ça tu arrives faire mieux, quoi. Voilà, à faire mieux et tu passes je sais pas moi, de X1 à X10, la meilleure catégorie.
Et c'est assez drôle que tu dis ça parce que, tu vois, par réflexe, quand tu dis le français, il aime bien suivre des étapes et pas trop prendre de décisions, a priori, moi, j'aurais dit que c'est le comportement d'un Américain qui souvent prend des coachs, qui très souvent ne va pas à la pêche aux informations, mais prend directement quelqu'un pour lui faire la consommation de coaching sportif. Ouais, mais en général, c'est coaching. Beaucoup plus élevé ici, par exemple, au Canada ou aux États-Unis qu'en France. Oui, mais c'est pas la même qualité. Je pense que c'est pas tout à fait quand même la même qualité de coach. Aux États-Unis, alors je connais pas trop, mais en général, de toute façon, comme c'est des mecs qui ont besoin de résultats, si le résultat est mauvais aux États-Unis, ça se sait, et puis le mec, il gagne plus d'argent. Tu vois. C'est pour ça que les bons, ils gagnent beaucoup d'argent, et les moins bons, ils en gagnent moins. Il y a quand même une énorme concurrence américaine sur les coachs. Ils en ont partout. Le phénomène des coachs, c'est avant tout américain à la base. Tu vois, c'est quand même il y a une lutte énorme entre les coachs qui essayent de s'instruire, tout ça. Bon, il se trouve que nous, on est devenus les meilleurs en France avec Gundy, apprentissage, hein. Mais ils ont quand même de très très bons même coachs. Tu regardes Simon, le powerlifter, là. C'est excellent, il est excellent. Je ne vois pas. On en parlait avec Gundy, là, ça fait 10 ans qu'on en parle, même plus. Je sais pas, 12-13 ans, on en parlait déjà, tu vois. Donc lui, il était très très bon. Tu vois. C'est un mec qui. Ils ont les Américains de très très bons, de mecs extrêmement forts en coaching et en recherche, tu vois. Il y a eu Poliquin hein, qui a quand même Poliquin a posé sa pierre. Poliquin hein. Était très bien. Il est mort il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. C'est un copain, qui meurt. J'ai vu à Budapest, on s'était rencontrés, on était souvent au téléphone le soir ensemble, tout ça. C'est le mec ne savait pas, c'était un copain. Et Poliquin était très bon, c'était un passionné de machines, de biomécanique. Il aimait bien les machines, il avait des plus belles salles privées, je crois, des États-Unis, il me disait. Il était fier. Peut-être qu'il ne sait plus avec qui il bossait, il a fait des machines, il avait une belle salle, tu vois. Et puis il entraînait les cils, je sais, il faisait l'entraînement spécial pour les cils. Il avait débuté, je crois, Poliquin en entraînant l'équipe de bobsleigh du Prince Albert de Monaco. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître le plus, tu vois, en faisant vraiment de l'entraînement pour sportifs. J'aurais beaucoup aimé l'avoir, Poliquin. Bon, malheureusement, il est plus de ce monde et en plus de ça, il parlait pas français, donc un petit peu difficile pour un podcast francophone. Il parlait français. Il parlait très bien français, Poliquin. Ah oui. Il était pas, j'étais persuadé qu'il était anglophone. Ah non, il parlait très bien français. Côté Canada. Il était canadien, mais il avait pris la nationalité américaine, je crois. Tu vois. Ouais, je sais qu'il venait du Canada. Par contre, non, il parlait très bien français. Il parlait français. Si, parce que moi, je parlais avec lui. Il parlait très bien français. Je l'ai rencontré avec son copain. Alors, il n'est pas gay du tout. Hein. Bon, c'était son copain, son jeune qui était avec lui, qui l'aidait, qui était son. À Budapest, super sympa, tu vois. Mais il était un peu fatigué. Il avait eu plusieurs problèmes cardiaques, je crois. Déjà avant. C'est ça le problème du Poliquin. C'est la faute à pas de chance, tu vois. Par contre, j'ai essayé de contacter Monsieur Laffey pour savoir, parce qu'il se fait très rare sur. Il se fait. On l'a jamais vu d'ailleurs, je crois. Enfin, on l'a jamais vu. Il se faisait appeler l'homme du visage. Ouais, ouais. Et j'ai essayé de le contacter pour voir si je pouvais avoir un petit entretien avec lui. Et j'ai pas réussi à communiquer. J'ai pas réussi à l'avoir encore, malheureusement. Et je sais pas si un jour. Il a retiré. Il avait essayé de revenir en faisant comme il a craché énormément sur la muscu avec poids et haltères pour des raisons stratégiques de business. Oui, oui. Là, c'est très dur de revenir en disant de faire du nouveau avec du poids de corps parce que tu te limites obligatoirement. Donc c'est un effet de mode, c'est bien. C'est pas mauvais ce qu'il fait. En plus, c'est le moment. Hein. Le poids de corps, c'est 2020-2021, comme tu le disais. C'est le moment où il faut intervenir. Le problème, c'est que tous les mecs s'achètent aussi du matos pour la maison. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'explosion du home training, de l'entraînement à domicile, tout ça, ce qu'il n'avait pas prévu, lui. Alors, il a refait, je crois, un bouquin avec un peu des haltères, tout ça, des machins. Il réintroduit progressivement la charge additionnelle dans son entraînement. Voyant qu'il est limité, c'est une question stratégique professionnelle, hein, je pense. Non, mais son livre, la qualité, la chance qu'il a, c'est de permettre à des jeunes Français, souvent pas très, des adolescents pauvres, donc qui n'ont pas les moyens d'aller en salle de gym, de pouvoir appartenir à une communauté, de pouvoir progresser quand même sans matos du tout. Ça, c'est bien.
Les blessures les plus répandues là en musculation, quelles sont-elles de ce que tu as pu remarquer, de ton expérience, de ce que tu as dans tout En général, c'est épaule, dos. Hein, dos, épaule, c'est ce qui revient le plus, tu vois. Parce que tu n'as pas les épaules qui sont faites pour pousser, tirer des charges. Les mecs, ils les bougent dans tous les sens, ils te les cassent parce que c'est quand même des structures qui ne sont pas faites pour mettre de la charge dessus, tu vois. Et puis, tu as le dos, hein, parce que le dos, on n'a pas terminé tout à fait notre évolution. Hein, et du coup, comme on vit plus longtemps, et comme il y avait énormément de contraintes mécaniques sur le bas du dos, c'est là où ça pète le plus. Alors en plus, en muscu, si tu fais mal tes mouvements, si tu as une mauvaise génétique, tu augmentes tes chances de te blesser. Donc en général, en muscu, c'est simple, hein, c'est épaule, dos. Après, évidemment, tu as des déchirures du pec, tu as des problèmes aux genoux. Mais bon, en muscu, on se blesse, on fait des arthroses aux genoux, mais on n'a pas de choc, hein. Comme dans les sports de combat ou les courses, tu vois, donc c'est quand même différent. En muscu, on se retrouve surtout avec hypersollicitation de l'épaule, épaule et bas du dos. Ça, c'est ce qu'on rencontre le plus. Déchirure du pec fréquent, biceps, si on peut mettre le biceps dans le dos, puisque le tendon du biceps dans la gouttière occipitale peut s'arracher, peut s'abraser, souvent par la répétition des mouvements. Et puis, c'est aussi une zone qui subit encore les contraintes de la bipédie et qui n'est pas encore totalement habituée, pour certaines personnes, à notre position bipède. Alors, habituée, oui, mais en général, on était fait pour être à quatre pattes. Et là, d'un coup, ça pend et ça fait une abrasion permanente. Et comme on vit de plus en plus longtemps, quand même, il y a de plus en plus de gens qui l'usent. Tu vois, et normalement, avant, on vivait peut-être un peu moins longtemps, globalement, hein. Donc, tu avais moins de mecs qui avaient des pathologies à cet endroit-là. C'est pas Comment on se facile. préserve, à part éviter les mouvements qui sont pas. Mais ça encore, c'est déjà du travail, hein, de limiter les mouvements qui sont pas adaptés à Déjà, sa éviter les morphologie. mouvements, les angles qui ne te vont pas, rééquilibrer une posture d'épaule ou une posture de dos qui est problématique, qui peut générer des problèmes. Puis, tu as toute l'alimentation, tu vois. Et puis après, tu as de l'entraînement pour essayer de récupérer sur des blessures. Tu vois. Alors, c'est des entraînements pour te repositionner bien, te refaire un peu, parce que quand même si l'os et les articulations, même si c'est de l'os en partie, ça peut paraître solide et ça ne se remet pas. En travaillant, en forçant d'une façon régulière, avec intelligence, tu peux regagner un peu de mobilité articulaire, déformer un peu ton articulation pour éviter les problèmes. Tu vois. T'en as eu toi des blessures aux épaules ou au dos? Qu'est-ce que tu as expérimenté personnellement en termes de blessures? J'ai eu une rupture du biceps totale en solo. J'ai rien senti. Elle a récupéré 100%, ouais, distale. Elle Distal, ouais. a récupéré 100%. J'ai eu des déchirures internes du biceps en tirage. Celles-là, bon, elles ont récupéré. La plus douloureuse, c'était une douleur au dos. J'ai eu une luxation du genou. C'était en partie dû à la muscu qui a mis 2 ans à récupérer. C'est absolument gênant. Maintenant, ça va. Je boitais. Je dis, merde, c'est fini. C'est horrible. Elle est revenue grâce au squat à un moment. La plus incapacitante que j'ai eue, c'est une petite déchirure d'un faisceau abdominal du grand pectoral qui m'empêche d'avoir de la stabilité au pec. Ça ne me gêne pas pour le reste, mais en lourd, je suis problématique. J'ai eu ça. Et là, j'ai une blessure à l'épaule. Alors, ça ne me gêne absolument pas dans les entraînements. J'ai une espèce de calcification, je le sais, je n'ai pas fait la radio, mais je le sais direct, qui devait être là. Puisque je suis gaucher, je suis droitier. Donc, si tu es droitier, tu mobilises moins l'épaule gauche. Donc, du coup, tu peux moins faire de mouvements d'abrasion qui limiteraient, par exemple, l'apparition de calcification. C'est fréquent. Donc, et comme tu fais du coucher, j'ai fait une calcification visiblement arrière de la cavité Glénoïde. glénoïde, donc qui me limite ma rotation externe du L'humérus. humérus. Ce qui ne me gêne pas au coucher, hein, ce qui ne me gêne pas en traction, puisque je ne suis jamais dans des rotations externes comme ça, mais tu vois, j'ai quand même perdu 5 à 6 degrés, tu vois. C'est gênant, tu vois. Donc là, et j'essaie de l'apprendre, et c'est une qualification. Alors, j'arrive à regagner un peu, tu vois, en forçant comme ça. Tu fais pas de kiné Je la fais tout seul, la kiné, tu vois, je me bloque là, je me fais tirer le bras par derrière, je prends un poids, je le laisse pendre pour essayer de raboter la calcification. Mais un rabotage de calcification, tu ne le fais pas en 6 mois. Hein.
T'as essayé les ondes de choc là-dessus? Non, j'ai pas essayé les ondes de choc, mais faudrait peut-être. Alors, bon, ça va. Et puis d'un autre côté, bon, bah écoute, c'est pas si grave que ça. C'est Suis pas handicapant, ouais, c'est pour ça. pas handicapant. Je veux dire, simplement pour dormir, ça me fait un peu mal, tu vois. Ça a dû être en partie lié déjà à la position de mon épaule. En plus, l'épaule gauche, hein, donc c'est une épaule qui rabote moins, qui se sclérose plus vite, on va dire, que la droite. Oui, on est droitier, tu vois. Et tu peux avoir des problèmes à l'épaule droite, mais ce ne sera pas les mêmes. Et donc, bon, ben, j'arrive à peu près à récupérer. J'ai récupéré un peu. Le problème, c'est que ça avait commencé à me poser des problèmes sur le pec droit, puisque en ne pouvant pas aller en arrière, tu vois, comme ça, bah, j'avais le pec droit Qui se raidissait. qui se raidissait. Ouais. Donc, tu risquais de la blessure. Donc, là, ça y est, j'ai plus de douleur au pec droit du tout. Je peux monter comme ça. J'ai pas trop mal, tu vois. Bon, ce que je fais des mouvements comme ça. Je me mets contre un mur. Je monte, puis je fais descendre. Tu fais un gros boudin sur le bras pour bien tirer en arrière. Puis je force dessus, tu vois. Clac, clac, clac. Hop, ça passe. Tu vois, j'arrive à un peu rectifier. Mais bon, peut-être des ondes de choc, il faut rajouter. Mais le problème, moi, je vais calculer plutôt sur les années pour voir si ça marche. Et ça ne marchera peut-être pas. J'ai récupéré du genou. Je connais la mécanique, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire. Puis je le ressens. Ok. Ah, c'est pas pour ça que Ouais. tu vieillis aussi, tu vois. Collagène. Collagène, j'imagine. Collagène. T'avais défendu. Hein. Tu défends depuis longtemps l'utilisation Ah, du collagène, d'ailleurs. ça, s'il y avait un seul complément alimentaire à prendre. Ça serait le collagène. C'est ça. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Attends, on va revenir après sur ça. Juste, je suis curieux de reprendre après la méthode de Lavier 2. Donc, ça fait un énorme carton en France, aux États-Unis, partout. Enfin, j'imagine que ça a été traduit dans plein de langues différentes. Avant que la méthode de Lavier 3, donc pour avancer, il se passe combien? Parce que là, je sais qu'il se passe plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe entre la 2 et la 3? Est-ce que tu parfais tes connaissances? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à découvrir, enfin à découvrir, à être un peu moins dans la biomécanique du corps, mais plus de l'esprit, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux bouquins, entre de la vie 2, de la vie 3? De la vie 2, de la vie 3, la méthode de la vie 3, ouais, il se passe que on avait, on a, moi, je, moi personnellement, j'avais, on a passé quelques petits problèmes juridiques avec Gundil qui sont terminés maintenant. C'est ça, c'est le business à haut niveau. Hein. Donc, ce qui nous a ralenti énormément avant de sortir la 3. On a eu un moment de flottement, si tu veux. Sur les droits des bouquins ou les... Sur les droits, sur la liberté d'écrire. C'est ce qui s'est passé. Donc, on avait fait celui pour les femmes. On a fait celui pour les femmes à un moment, en dehors de Vigo. Et après, bon, bah, il est repassé chez Vigo, en partie aux États-Unis. On a eu des problèmes de droit, d'exclusivité. Si tu veux, à la base, c'était des combats juridiques parce que. On avait une exclusivité et on ne pouvait pas produire autant qu'on voulait. Donc, c'est bien d'avoir une exclusivité quand tu as quand même de la production. Donc, ça a été une longue bagarre juridique. Tu vois, c'était limite. Alors, c'est épuisant pour tout le monde parce qu'on n'en a rien gagné. Personne n'a rien gagné. Sauf à la fin, bon, on a gagné notre liberté. Donc, ça va beaucoup mieux. Et on continue à bosser avec Vigo. Moi, je suis content parce que. Moi je voulais arrêter un moment et l'avantage c'est que je reprends maintenant avec le fils Vigo Frédéric avec qui même Gundil hein, avec qui vraiment on peut bosser de façon agréable quoi. T'as pas de limitation sur les pages parce qu'on se battait aussi pour ça tu vois, on nous faisait chier sur les trucs j'ai t'as bien l'impression que tu pouvais plus rien faire j'ai dit attends on était les numéros un mondiaux dans le domaine on pouvait plus rien faire et bon ça va la direction partie changer, sur famille, mais Frédéric Vigo est un. Je dis Frédéric Vigo est un gars qui est bien. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec. Et la question que tout le monde se pose, c'est le quatrième. Est-ce qu'il est dans les starting blocks? Ouais, lui, il s'intéresse à ça, mais moi, je lui dis, parce que moi, je fais les dessins et tout plein de dessins à faire, moi, je lui dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les blessures. Je mets souvent des. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les blessures. Donc, moi, pour le moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de bosser sur les blessures.
C'est que les dessins que tu fais ou tu fais d'autres choses sur les Non, non, je fais aussi les textes. tellement En général, on discute des trucs ensemble. Je dis, tiens, il faut que tu n'oublies pas cette blessure. Tiens, il y a ça. Tiens, il faut parler de ci. Il faut parler de ça. Je donne des pistes. Et je dis, tiens, eux, ils n'ont pas vu les chercheurs qu'il y a ça. La principale cause, c'est ici. Alors, il va dire, ah oui, mais lui, là, tu as trouvé. Ah bon, là, tu mets dedans. Mais il y a une autre cause, c'est ça. Donc, on bosse comme ça, en général. Lui, il fait l'écriture. Et moi, je dégrossis le bouquin. Je fais les dessins. Et je lui dis, tiens, travaille sur ce texte. Alors lui, il va chercher aussi des trucs. Et je lui dis, il faut travailler sur ce truc, il faut travailler sur ça. Non, non, je pense que ça, c'est intéressant. Sur les blessures, tu vois, j'en ai traité plein. Tu vois, déjà de mon côté. Donc. Tu réponds quoi à ceux qui disent que la méthode de Lavie 3 est surtout réservée, alors déjà aux avancés, ça c'est écrit dessus hein, sur le livre je crois déjà, c'est écrit méthode avancée, mais ceux qui disent que c'est un bouquin qui est plus orienté vers ceux qui utilisent des produits dopants. Enfin, bon, je l'ai déjà entendu, et que c'est plus adressé à eux quoi. Je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai parce que Gundil, c'est un mec justement qui ne prend pas de produits dopants. Hein? Et c'est un mec qui est comme moi, c'est un gars qui s'intéresse, qui se passionne pour la progression naturelle, ce qui est très dur. Tu vois? Ce qui est extrêmement dur. Ce qui est extrêmement dur, en général, c'est extrêmement dur. La progression naturelle, c'est ce qu'il y a de plus dur. Puisque tu es confronté à la blessure, à la limitation de développement du bloc moteur, tu sais, c'est évident que. Les mecs, ouais, moi je continue à progresser, il faut de la volonté. Je dis non, tu continues à mettre de la charge, c'est tout. Ta volonté, elle va diminuer si tu ne te charges pas. Tu verras que bosser pour gagner ou pour se maintenir, c'est très dur. Alors que là, tu n'as qu'à augmenter la charge. Je me souviens des athlètes hongrois qui rigolaient quand j'ai fréquenté, j'avais Power Mag. Je leur dis, mais quelle est ta technique? Les mecs, ils ont des super techniques, ils ont des super morphologies, ils ont des programmations qui sont bonnes. Et je leur disais, mais qu'est-ce qu'il faut pour passer de 250 au pour progresser en couché? Je me souviens, c'était des mecs, des benchers avec qui je discutais de haut niveau. Le mec était à plus de 300 sans maillot. Et il me disait, c'est simple, qu'est-ce que tu fais pour atteindre son niveau? Et il me disait, il faut augmenter les doses de GH. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, si tu veux. Alors, quand les mecs me disent, ouais, il y a la technique. Oui, il y a la technique. Oui, il y a la régularité dans l'entraînement. Oui, il y a la volonté. Mais à un certain niveau, tu sais bien que tu as la génétique, tu as tout. Il faut être régulier, il faut éviter de se blesser, et puis il faut augmenter les doses. Ça s'arrête là. Et qu'on ne me dise pas le contraire. Tu vois, c'est la différence. Surtout aux coureurs. The Rob en parle très bien de ça, d'ailleurs. J'imagine que tu connais sa chaîne et que tu Alors, sais bien comment. alors, il en a fait un peu un Oui, ça, business bien sûr. honnête, hein, puisque c'est sa chaîne, mais c'est un de ceux que j'aime bien entendre parler de musculation, puisqu'il l'explique, il en parle avec sincérité. Donc, oui, On lui passe le bonjour, Rob. The Rob, j'aime bien The Rob. D'ailleurs, j'ai fait des compléments sur The Rob. J'aime bien, c'est tout le temps la muscu dopée, tout ça, c'est son truc, il aime bien. Alors, pas que, mais c'est son truc quand même. Et il en parle très bien. Oui, c'est le dopage. Et tous les risques du dopage. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai de la volonté. Moi, je dis oui, tu as de la volonté. Alors, le problème, ce que je dis tout le temps, le problème du dopage, ce n'est pas le dopage en lui-même. C'est. C'est tout ce qu'il y a derrière l'industrie, le qu'est-ce qu'on veut te faire croire et. Ouais, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Alors, c'est une hypocrisie qui est plus en France qu'en Europe centrale, par exemple. Ici, vous savez pas, ah ouais, tu ne prends pas de produit, tu es vachement fort. Mais comprenez. Ah ouais, super. Ah ouais. Mec, ça a les performances que tu fais avec et sans produit, tu vois. Puisque c'était l'Hongrois qui me disait, le mérite de la franchise, il faut juste augmenter les doses. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu penses des stéroïdes? Et il me disait, c'est très mauvais pour mes adversaires. C'était une blague. C'est-à-dire que moi, j'en prends et je vais les battre parce que j'en prends plus. Tu vois. Et après, il faut des structures. C'est la mentalité slave. Hein. On rigole pas, on se ment pas. C'est l'autocritique slave. Ils sont pas slaves, mais ils sont de mentalité slave. C'est-à-dire qu'ils sont un substrat slave culturel et là-dessus, ils sont hongrois. Hein, mais ils ont la mentalité très proche des Russes de ce côté-là. En tout cas, de ce côté-là. Et ça, c'est le problème, c'est que les mecs ne le savent pas. Et puis, le problème du dopage, c'est tous les risques qui vont avec. Alors, ce n'est pas forcément des risques de blessure. Alors, si, bon, tu montes lourd, tu vas te blesser. C'est tous les problèmes à l'arrêt et puis les problèmes psychologiques que ça entraîne. C'est-à-dire s'accepter comme. On est comme un dépendant drogué d'un produit. Parce que si tu prends des produits, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, si tu en prends longtemps,
ça revient pas, tes propres sécrétions hormonales. Et The Rock en parle très très bien. Alors évidemment, si tu fais comme beaucoup de Hongrois faisaient en compète, ils commençaient à se préparer aux compètes 6 mois avant la compétition, et ils prenaient des produits 6 mois. Et après, ils s'arrêtaient 6 mois, ils foutaient rien. C'est sûr qu'ils usent pas la machine et qu'ils arrivent à se sevrer un peu, tu vois. Et ils mettent pas au repos leur système endocrinien. Le problème, c'est les mecs qui veulent tout le temps avoir cette impression d'être balèze et qui s'en prennent en permanence. Alors, quand tu t'en prends 5 ans, tu t'arrêtes, bon, à part si tu n'as pas de chance, bah, ça va repartir quand même. Ça va revenir, tu vas rebander bien. Ce problème des stéroïdes, c'est pas ne pas bander. C'est ne pas bander quand tu arrêtes. Tu vois ? Chute de testostérone qui n'arrive pas à repartir naturellement et qui est le principal facteur de l'individu. Quand tu en prends 5 ans, même à forte dose, ça va être dur, mais tu vas repartir, sauf certains. Et le problème, c'est que les mecs ne sont pas à 5 ans d'entraînement, ils sont 6, 7, 8, tu as vite fait de faire la dizaine, la quinzaine, et les mecs ne peuvent plus s'arrêter. Et s'ils s'arrêtent, ça ne repart pas. Ils deviennent loukoumeux, gélatineux, dépressifs, parce que c'est une drogue, ça fait de la dépendance. Et les mecs ne peuvent plus jamais s'arrêter. Tu vois, c'est moi, les stéroïdes, j'arrête quand je veux, mais là, je ne veux pas, parce que dès que je m'arrête, je suis dépressif. Non, mais c'est ça. Tu vois, il dort tout le temps, il a mal. Et les mecs n'osent pas l'admettre. D'ici, le problème, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas vivre longtemps, ou tu es dépendant. Moi, je n'aime pas la dépendance. C'est pour ça que je n'en prends pas. Ce n'est pas les effets des produits, ce n'est pas être musclé. C'est la dépendance. Et puis, il faut dire que ça te modifie psychologiquement aussi. Un mec qui prend des stéroïdes, où il est plus jovial, plus agréable, il devient sympa, il trouve toutes les femmes belles, il se trouve séduisant et super beau dans la glace parce qu'il est gonflé d'hormones, il prend confiance en lui, il est dynamique, il a hyper confiance en lui, il devient agréable, ou il devient très agressif et tout le temps en train de gueuler sur tout le monde, en voulant se battre. C'est aussi l'effet inverse selon les structures psychologiques de base des individus. C'est quand même ça, il faut mettre les gens en face de la réalité. Tu vois. Mais c'est vrai. Les mecs. Moi, je l'ai dit beaucoup. Moi, Rob, je trouve sa chaîne intéressante. Je trouve pas toutes ses vidéos, pas tous ses témoignages, mais ça a au moins le mérite d'avoir un panel qui est assez large et puis qui a cassé. Il le dit, qui casse une omerta. Bon, il parle vrai, tout ça. Rob, je lui passe le gros. Mais j'aime bien Rob. J'avais dit que c'était une des chaînes que je regardais actuellement. J'avais dit, ouais, tiens, une chaîne que j'aime bien, c'est Rob. J'avais mis sur mon Facebook. J'ai dit, voilà, la chaîne du moment que j'aime regarder. Je me la suis passée dans la voie. J'étais avec ma copine. Là, on rentrait de France et on rentrait sur Paris, je me souviens, après avoir fait usine. Je me suis passé plein d'émissions de Rob comme ça à écouter parce que je trouvais ça très agréable. Il faisait parler des médecins, des trucs sur les stéroïdes. On arrive à la conclusion. C'était intéressant. Moi, j'aime bien. Ou bien, il y avait une émission des premières connues, c'est il faisait parler à un dealer. Tu vois. Oui, je m'en souviens. De stéroïdes, je connais très bien. Voilà. Intéressant. Pour tous ceux qui débarquent, Rob, je l'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. Donc, s'ils veulent aller écouter son interview, enfin, c'est pas une interview, mais c'est plus la conversation qu'on a eue dans l'épisode, je leur recommande d'aller défiler un petit peu les podcasts et de regarder The Rob. C'est une super conversation. On a parlé vraiment de tout son parcours et comment il en est arrivé là, en fait, à parler de tout ça. Il a fait Marvel Fitness récemment aussi, c'est ça. Alors très récemment, au moment où on discute là, ouais, il a fait. Alors moi, je veux faire Marvel Fitness aussi, mais. Ben non, mais c'est intéressant parce que ne serait-ce que pour parler de la mentalité du fitness. Ouais. Moi, je voulais. J'avais interviewé. Moi, Marvel Fitness, j'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas. Je vais pas critiquer les garçons parce que j'ai pas de haine contre lui. Il m'a jamais emmerdé. Mais le problème, c'est qu'il vivait sur la polémique. Tu comprends? Alors, c'est pas les attaques, c'est l'attaque et tout. Il attaquait. C'est vrai que des fois, il y a des trucs à dénoncer, mais bon, c'est vrai que quand tu vois la chaîne de cette. Comment s'appelle la fille Aline. Comment? Aline. Aline Dessine, c'est ça? Aline exact. Dessine, et puis l'autre, le petit asiatique, là. Tristan, ouais. Et le Tristan, il dit, écoute, même si tu les trouves nuls, mais je ne vais pas dire que c'est formidable, c'est des trucs de gamin. Tu vois, ouais, je fais ci, je fais ça. Puis après, Tristan, il a fait un truc qui était plus un truc à la Thibaut Inchep. Je fais ci, je fais ça. Tu vois, c'est un business de divertissement pour les gamins.
J'ai dit oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Oui, je suis malheureux. Oui. Ah, bon. Mais tu ne vas pas regarder, tu ne vas pas en faire des. Mais il avait transformé sa chaîne parce qu'il y avait un besoin de polémique. Il y a des gens qui sont comme ça, en espèce de truc où ils critiquent tout et n'importe quoi. C'est pas, moi, je trouve que ce n'est pas lui qui est vraiment attaqué. C'est vrai qu'après, ils l'ont attaqué d'une façon. Ce n'est pas totalement le fautif. Le fautif, c'est le système quand même. Et tous les mecs qui s'excitaient sur les attaques qu'on faisait entre youtubeurs. Je dis, les mecs, c'est nul. Je ne regardais pas, moi, ce n'est pas possible. C'est pas pour ça que c'est mauvais. Je veux dire, quand il faisait des critiques, quand il faisait il expliquait à lui le physique, lui ci, lui ça. Rob s'en est un peu inspiré aussi, tu vois. Les charges, c'est marrant, tu vois. Mais des fois, ça porte à confusion, tu vois. Quand il dit que Gundy, il est chargé, il a un physique, il dit non, Gundy ne prend rien. Je le connais depuis qu'il a 20 ans. Et il vit, il dort mieux des machines. Il passe sa vie entre les pots de protéines à bouffer ses trucs. Sa vie, c'est du matin au soir la muscu. C'est un dingue. Il va finir immortel, quoi. Quoi? Il va finir immortel. Voilà, non, mais non, il va mourir d'un arrêt cardiaque, ou il va mourir, il va tomber une de ces machines un jour, quand il aura 80 ans, on l'entoure mort, comme Texier, c'est une espèce, tu vois. C'est Gundil, tu vois, c'est. Mais oh, c'est peut-être que. Des jugements comme ça, c'est un peu con, tu vois. Mais ça ne mérite pas la prison, si tu veux. C'était pas. Il se trouve que moi, je savais même pas ce qui se passait, puis je dis, tiens, j'ai un pote. Sauf que mon avocat, c'était l'avocat de la partie adverse. Et je dis, bah, tiens, ça ne te dirait pas. Puis il est adorable, mon avocat. Puis comme j'ai vu qu'il était remonté, j'ai commencé à faire l'émission. Je dis, écoute, je n'ai pas la passer. Il n'a pas passé. Je dis, non, je vais te dire pourquoi je ne peux pas la passer. Il en a pris plein la gueule. Il a fait de la prison. Moi, objectivement, je trouve qu'il ne la méritait pas parce que c'est minable. Je veux dire, à la rigueur, qu'on lui interdise de faire des vidéos, mais tu ne mets pas en prison un mec pour ça. Je veux dire, et je ne vais pas lui raconter, je vais pas remettre une couche, je ne veux pas gagner de l'argent là-dessus. Tu vois, je veux pas de l'argent, mais de la notoriété là-dessus. Donc, je n'ai pas passé la vidéo. Mon pote, il me dit, pourquoi? J'écoute, il en a pris trop dans la gueule, je ne peux plus. Tu vois. Je comprends le système. Je sais pourquoi il est en prison. Le principal problème, il est allé en prison, pas parce qu'il a attaqué des mecs, parce qu'il est allé poursuivre une avocate dans la rue. Et devant la justice, même s'il est adversaire, c'est plutôt les mecs qui suivaient Carcelet, il a fait chier. C'est l'attaque du système. Tu ne peux pas te permettre d'aller faire de l'intimidation. Même lui, si lui, il ne voyait pas comme une intimidation sur une avocate. Ça lui a été. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu autorises la mafia à aller faire de l'intimidation sur un avocat de la partie adverse qui défend des gens qui sont menacés par la mafia. Alors lui, il n'est pas la mafia. Mais ça veut dire qu'il met un coup de pied qui peut déstabiliser dangereusement l'édifice judiciaire qui est déjà à moitié corrompu. Mais là, il pète le bon côté. Tu vois. Et c'est pour ça que les mecs, ils l'ont attaqué là-dessus. Ils n'ont attaqué pas sur le fitness, pas sur le truc, sur le fait d'être allé voir l'avocate, ça se fait pas, tu ne peux pas le faire, tu vois. Mais ça ne méritait pas la prison. Mais ils ont voulu mettre un coup de semonce, tu vois, pour dire maintenant, on arrête sur YouTube, parce que YouTube laisse passer tout et n'importe quoi, tu vois. C'est vrai. Ils ont une politique qui laisse passer tout, sauf si tu es Big Brother, si tu es les grosses puissances mondiales, tu vois. Mais les indépendants, ils laissent. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Marvel. C'est-à-dire qu'il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vois, il ne méritait pas la prison. Tu vois. Donc, si son émission, j'ai la regardée, c'était très intéressant parce que ça ne parlait pas du fitness, mais ça parlait du milieu des youtubeurs. Tu vois. Et t'as vu les vidéos, je les trouve très intéressantes, celles de Stéphane Edouard, qui je sais pas si tu connais, lui en tout cas il te connaît, puisqu'il te mentionne, il t'a déjà mentionné, Stéphane Edouard, qui avait fait des vidéos sur Marvel justement, qui avait pris la parole, qui avait attendu un petit peu pour se faire une idée. Je dis pas que son avis est le plus objectif, mais je trouve qu'il a porté quand même pas mal Oui, de propos intéressants. c'est ce que je disais. C'est sûr que quand tu vois Aline Dessine, qui était malheureuse, qui a fait en dépression, mais quand tu vois sa vidéo qu'elle a montée avec la petite musique derrière et tous les trucs, c'est du travail de C'était pro. bien fait, Non, mais c'est du c'était bien travail de fait. pro. C'est-à-dire que derrière, tu as toute une équipe qui bosse pour démonter Marvel qui est tout seul. Alors, ok, Marvel a peut-être exagéré. Moi, je trouve que il a repris un système qui était chez les Américains. Il n'a pas inventé, hein. De se faire de l'argent sur le buzz, c'est tirer les gens vers le bas aussi. C'est vrai qu'au début, sa chaîne était bien. Il a arrêté un peu là, tu vois. C'est faire de l'argent sur la polémique. Mais il n'est pas le seul à le faire. Tous les mecs, ils en font. Ils regardent Zemmour. Il commence par dénoncer les trucs bien. Il finit par avoir des musulmans partout, tu vois. Et c'est son gagne-pain. La Nouvelle France, tout ça, machin. C'est dommage parce que oui, il y a des trucs à dénoncer.
Mais il ne faut pas que ça devienne, je dirais, Soral, je dirais, tout le monde, tous les mecs sont comme ça. Il y a, à droite, à gauche, c'est la même chose. Hein. La polémique devient business. Et à ce moment-là, les gens, comme ils n'ont pas de vie, comme ils sont malheureux, ils vont gueuler et hurler contre des inconnus du net qui se font des guerres débiles, tu vois, ou contre un ennemi qu'on lui représente, plus ou moins fictif, hein, parce que, ouais, il y a des trucs qui sont dangereux aussi, tu vois. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour vraiment dénoncer des choses, c'est pour gagner de la notoriété et éventuellement de l'argent derrière. Et ça, ce n'est pas bien, et ce n'est pas que Marvel, c'est l'ensemble, tu vois. Mais lui, il a pris, alors que... Bon, c'est vrai que... Bah, il a pris, c'est sûr qu'il a pris. C'est sûr que là, maintenant, bon, il est un peu bridé. Bah, il est bridé, il ne peut plus rien dire. Tu vois, c'est évident. Mais Marvel, tu sais, je vais te dire un truc, il y a des trucs beaucoup plus durs. On peut te faire disparaître ta chaîne d'un coup. Quand tu es un inconnu, tu peux dire du mal des gens, ça. Tu ne vas pas disparaître comme ça sur YouTube. Tu veux dire, lui, il se drogue. Moi, j'en ai, qui me disait, ouais, de la vie, prends des stéroïdes. Par... Je ne prends pas de stéroïdes. De la vieille dépressif, de la vieille, c'est un pauvre type, de la vieille, il ne s'est pas dessiné. Je dis, mais les mecs, il y a des chaînes là-dessus, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, tu ne peux rien leur dire. YouTube ne va pas t'arrêter. Ils s'en foutent, ils vivent aussi là-dessus. Je vois de qui tu parles. Enfin, il y en a plusieurs, c'est un ensemble. Il y en a plusieurs ? Oui, il y en a plusieurs. J'en avais récemment, j'en avais un qui faisait ça aussi, un autre. J'en ai eu plein. Tu vois. Le problème, c'est que tu vois, moi, quand je fais une vidéo qui dénonce la mise en esclavage des travailleurs détachés roumains dans les abattoirs de France et d'Allemagne, qui est une réalité, j'y crois, sur les routes. Hein. Les mecs, ils dorment à 10 dans des appartements, ils touchent le SMIC, tu vois, donc le minimum syndical. Ils travaillent à fond dans des abattoirs où le Covid se développe à fond, puisqu'il y a un taux d'hygrométrie pour que la viande ne perde pas en kilos, tu vois. Et une température, c'est 5-6 degrés, tu vois, pour éviter la putréfaction, qui est optimale pour le Covid. Donc, les mecs, ils sont tous contaminés. Mais comme c'est des jeunes en forme qui viennent, ils ne meurent pas. Mais ça devient des clusters, comme ils disent, tu vois. Et donc, tu te trouves avec des bombes à cause de ce système qui exploite les travailleurs détachés roumains. Je le dénonce, mais sans vouloir attaquer. Non, je dénonce ce système fait par l'Allemagne, la France, c'est-à-dire qu'on laisse. Mais les gens ont besoin de bouffer aussi. Tu vois, mais c'est des systèmes européens qui sont pervertis. 1h35, ma vidéo, elle a duré, avec avertissement. 1h35. Tu vois? Tu dis enculé de juif, tout ça, ta vidéo, elle va mettre un mois avant de sauter, tu vois. Tu vois, il y a des priorités. Tu dis d'un mec qui se drogue, un inconnu, il se drogue, il a une vie de merde. C'est un pauvre type, tu vois, il se drogue, c'est quand même grave de dire qu'il y a quelqu'un de drogue, surtout quand il ne drogue pas. Ta vidéo, elle ne saute pas. Quand tu touches l'agroalimentaire européen, derrière, tu as des lobbies qui t'attaquent et qui te font sauter ta vidéo comme ça. Et là, tu vois qu'il y a des puissances. Tu vois, à ne pas dénoncer. Alors, je comprends que les mecs te bloquent parce que tu dénonces ça, mais les gens ont besoin de bouffer. Tu vois, c'est un scandale. Tu vois. Donc, ils bloqueront pas Arte, parce qu'Arte a trop de puissance. Mais un mec qui est moins fort qu'Arte, et Arte, c'est quand même payé par l'État, ils ont des bons trucs sur Arte. Pas que, des fois, ils sont un peu gauchistes primaires, mais ils ont des bons trucs. Quand ils voient un danger, ils te dégagent, quand tu as des énormes lobbies derrière. Tu vois. Et on est au-dessus de Marvel, hein, on est au-dessus de tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Marvel, oui, Marvel. C'était devenu un symbole d'un laisser-aller. C'est-à-dire, c'était quand même moralement pas très bon. Même si les mecs qui dénonçaient, ils n'étaient pas méchants, mais c'est vrai que c'était pas. C'est pour les gamins, quoi. Marvel, il a pris. C'est sûr qu'il a pris à tort ou à raison. Je pense que tout ça, c'est très subtil, comme on dit là. C'est... Bah, s'il a envie de venir s'exprimer au micro du biomécanique. Ils ont un mec qui ne menace pas de mort, si tu veux. Ça restait de l'enfantillage, tu vois. Sauf que de l'enfantillage, il a attaqué des mecs qui vivaient là-dessus, quoi. C'était des gros business. Ils gagnaient beaucoup d'argent avec YouTube. C'est vrai qu'il a fait... drama. Bon, il s'est autoproclamé ensuite le roi du drama. Il dénonçait. Mais ce qui est bien aussi, parce que moi, je t'ai souvent vu... sur ce qu'il dénonce, en tout cas, sur les vérités qu'il dit, ça a été un gars qui a... Bah, ça lui a coûté, hein, mais...
Ça a été un gars qui n'a pas eu peur de dire ce que beaucoup pensaient tout bas et qui n'osaient pas dire pour pas froisser les gens. Lui, quand il s'agissait de dire, il disait quoi. Puis là, je parle de l'hypocrisie. La quand il voit que dénoncer ça marche, il finit par chercher des trucs à dénoncer partout. Tu vois ? Je veux dire, dénoncer des mecs qui disent sont naturels et qui sont shootés, c'est évident. Bon, tu le vois, tout ça. Mais après, dire bon, une chaîne limite, une chaîne d'ado, quoi, tu vois, une chaîne d'ado, une chaîne de fifi. Bon, ben, c'est des chaînes de fifi, tu vois pas, t'as quel âge, 27, 28, 30 ans, c'est bon, t'arrêtes, tu vois. Il a jamais dit des choses sur toi d'ailleurs, je suis curieux. Non. Non, non, je crois que je regardais ses vidéos, il n'y a jamais eu d'attaque sur. Pourquoi tu réponds pas à machin ? Je dis écoute, parce que je suis papa, j'ai pas envie d'avoir de problème, c'est-à-dire de problème, j'ai pas envie de terminer en prison. Tu comprends ? Donc on va éviter les problèmes graves. Moi, j'ai tout le temps dit, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas les autres qui sont un problème pour moi, c'est moi qui vais être un problème pour les autres. Donc, les autres, je peux m'en débarrasser très facilement. Je n'ai aucune inhibition. Le problème, c'est que tu n'affrontes pas l'État. L'État, c'est un rouleau compresseur qui t'écrase. Tu vois ? Mais par exemple, quand on dit des choses sur toi, là tu l'as dit tout à l'heure, que tu ne savais pas dessiner, que tu prenais des stéroïdes, tout ça, qu'est-ce que... T'as pas envie de réagir ? Attends, s'il y a un mec qui vient dire il ne sait pas dessiner, il décalque, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis numéro un mondial. Je ne vais pas aller quelque part et dire non, mais je vous promets, je sais dessiner, je ne décale pas. Je ne vais pas me justifier. Tu vois, c'est un mec qui vient qui dit il est pédophile. Je ne vais pas faire une vidéo pour dire je ne suis pas pédophile. J'ai même pas à répondre, si tu veux. Tu comprends ? Dans ce cas-là, le mec, oui, il a fait. J'ai même pas à répondre. Je m'abaisse pas à ce niveau-là. Tu vois ? Les mecs, ils inventent. Après, t'as le problème sur Internet, c'est que les mecs, ils veulent faire de la vue sur le conflit. Tu vois ? Le meilleur des trucs, c'est que tu les laisses. Tu vois, je vais pas m'abaisser à un petit mec qui vient dire il prend des stéroïdes. Non, je vous promets. Je ne prends pas de stéroïdes, qu'est-ce que je te dis ? J'en ai rien à foutre, je ne vais pas faire une vidéo pour dire que je ne prends pas de stéroïdes, j'en prends pas. Tu vois ? T'en as jamais pris ? J'en ai pris un moment, j'en ai pris, j'ai calculé, j'en ai pris 2 ans. J'en ai pris 12 ans. Deux ans, ok. J'en ai pris 2 ans de 23 à 25 et demi. Tu calcules, 23 à 25 et demi. Donc j'ai calculé, je pensais que j'avais pris plus longtemps, mais j'en ai pris 2 ans. C'était comment ? Ouais, tu passes de 150 kilos au coucher, j'étais même à 160, mais bon, un beau 150. À 150 par 10 en 6 semaines. Tu prends 9 répétitions. Ah oui, attendez les mecs. L'entraînement, si l'entraînement est cool, les stéroïdes. Mais non. Mais je sais. Tu comprends ça, Jean, je me l'a dit aussi. Alors moi, j'ai un bon système nerveux. Et quand tu passes de 1 fois 150 à 10 fois, à 10 fois 150, bon, allez, en forme, j'arrivais à taper des fois, mais j'étais junior. Bon, après, j'aurais pu monter plus, j'ai arrêté après. Je suis remonté naturellement, après, à 175, mais sans produit depuis 15 ans, tu vois, ou 10 ans, ou 12 ans. Mais t'imagines bien qu'un jeune garçon qui commence, qui fait 150 à 23 ans, bien à la claque en concours, et passe en 6 semaines à 150 par 10, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est fou, hein. Je le sais, on le sait tous, mais je l'entends encore une fois parce que j'ai eu des témoignages comme ça ici sur le podcast et ailleurs. Mais à chaque fois, je me dis putain, c'est quand même fou. Ah oui. Et les mecs, ils disent non, c'est l'entraînement. Je dis non, c'est les stéroïdes. Après, la façon dont tu la possibilité de monter encore plus haut, c'est la génétique. Et la façon dont tu vas prendre du muscle, c'est la génétique. Tu peux charger un âne, s'il est laid au départ, il restera laid. Tu vois. 2 ans et tu réussis enfin tu réussis comme c'était une prouesse, je sais pas. J'ai fait ça pour voir ce que ça donnait. Et comment ça s'organise ? T'avais fait plusieurs cures ou c'était pendant 2 ans total en continu ? Au début, tu te dis je fais 6 semaines, je m'arrête 6 semaines, et puis après t'en prends tout le temps un petit peu, t'en prends comme font les mecs. Ah tiens, il y en a pof, hop, pof, pof, t'es hop, bim. Ah oui. Ouais.
Ah oui, les mecs, ils ne s'arrêtent pas. T'as bien vu ce qu'il dit, Rob. Moi, je m'arrête, moi, je mets. Pour relancer mon truc, tu me vois là? Tu me prends pour un con? Mais non, t'en prends. T'as pas galéré quand t'as arrêté? Ah bah. T'es passé par toutes les phases là dont on Alors, a parlé tout à l'heure, moi j'ai la commencé dépression. dépressif. J'ai été un peu dépressif quand j'ai arrêté. Mais j'avais commencé à arrêter vraiment très très doucement, 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 tu vois. Donc j'ai arrêté doucement, quand, tac, 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 tu vois. Et après, j'ai été dépressif. Par contre, j'ai eu aucun problème d'impuissance, moi. Tu vois? Aucun. Par contre, je devais avoir. Ça se trouve, j'avais des problèmes de stérilité, puisque tu sais, tu finis par avoir un sperme translucide. Donc, si tu as un sperme translucide, c'est que t'as pas de, t'as plus, t'as plus de, tu génères plus de comment ça s'appelle? Spermatozoïde. Ok. Spermatoïdes. Mais bon, ça va pas Ok, empêcher donc d'avoir translucide, c'est parce que beaucoup après c'est la partie. le liquide. Voilà. C'est le. Attends, juste pour être certain, c'est parce que là, j'en ai jamais parlé et Le puis je liquide suis séminal. Les curieux. mecs, Liquide surtout, séminal. voilà, ils continuent à avoir du liquide séminal, mais ils ont. Mais il n'y a plus de spermatozoïde. Il y en a moins. Donc en fait, tous ceux qui arrêtent, ils ont ça alors. Enfin, pas tous, mais Non, une grande ceux qui majorité. en prennent, quand ils arrêtent, ça peut revenir. Ouais, mais à la période Bah oui, où le corps les n'arrive pas à spermatozoïdes en reformater. permanence. Bon, après, il suffit d'avoir un bon spermatozoïde et c'est bon, hein, t'as pas besoin d'en faire des. D'en avoir autant qu'avant. Ça, c'est intéressant. Ou tu congèles. Ou tu congèles. Pour prendre pas de risque. Alors moi, j'ai pas eu l'impuissance. Je sais qu'il y en a qui ont de l'impuissance, j'en connais. J'en connais quand ils arrêtent, ils ne mentent plus. Ils sont venus en prendre tout le temps. Ils ont leur copine qui est à côté, ils la regardent. Bon. Et quand tu arrives sur. Non, Parce que là, ça bon. va jusqu'à changer La façon de penser. la façon de penser, même la sexualité. Il y en a qui, sous l'effet des estrogènes, qui avaient peut-être une base, se féminisent et même peuvent des fois dévier vers une attirance sexuelle qui n'était plus la leur au départ. C'est-à-dire qu'il finit. Attends, là, faut que tu m'expliques ça. Parce que la testo se transforme en oestrogène. Voilà. Et alors, en quoi, comment ça change Ben, l'orientation? les mecs se sentent plus sensibles, ont plus envie d'être désirés que désirés. Tu vois? Et comme les stéroïdes, en général, tu as vu les mecs se regardent dans la glace, ils ont déjà un petit problème que des fois à la base. Ben, Bah, tous les pratiquants de muscu, je pense, le ont déjà un fait problème de se d'image de sentir soi. désiré par quelqu'un qui n'est pas forcément de l'autre sexe, les femmes, elles ne désirent pas, en général, elles aiment être désirées, ben, fait que tu te laisses des fois tenter par le sexe opposé, non pas le sexe opposé, ton propre Que sexe, le même sexe. et tu finis par. À trouver des plaisirs dans des fois des. Histoire vécue. Non, moi non. Non, non, moi je suis un pur hétéro, mais j'en ai vu. J'en ai vu glisser doucement. Est-ce que c'est, tu penses, vraiment dû aux stéroïdes Bah, en eux-mêmes? y a une base, bien sûr, mais ça aide. Ça féminise les gens. C'est-à-dire que l'excès de testo est aromatisé. Et ça les féminise. C'est-à-dire qu'ils écoutent de la musique romantique, ils ont pleuré, ils voient un bébé, Mais ils de là, ont dans les bras. Bah, attends, ça joue énormément. à changer de goût. Moi, j'avais des potes qui chargeaient à fond, ils rigolaient, je leur disais ça. Et ils me disaient, bah, c'est exactement ça. Regardez Gladiator, la dernière fois, ils étaient en descente de cure, dépressifs et tout. Et on regardait Gladiator, on pleurait, on était tous les deux à pleurer en train de regarder Gladiator dans notre canapé. Je me suis dit, ah, c'est horrible. Pauvre. Il me disait pas comme ça. Vas-y, on pleurait, on était devant Gladiator, il se reconnaîtra. On était devant Gladiator, on pleurait, on était là, mais oh, c'est ça, frère, c'est ça. Oh, il n'avait pas cet accent, il avait un peu moins marqué. Mais c'est ça, quoi. Ah Bon, bah, ouais, et ah oui, bah, les toi, mecs, c'est ça t'es. qui leur pend au nez, c'est pas grave, hein. C'est pas une faute, hein. Mais non, mais bien Même sûr que non. encouragé actuellement par le gouvernement, comme pouvoir être. Tu peux choisir. Le progrès. C'est le progrès. Hein. Tu peux choisir ton sexe, si tu es attiré par ton propre sexe, ou même tu peux être asexuel ou bi, on s'en fout.
Mais en tout cas, tu Ou, as euh, modifié ou ta façon attends, de penser. j'en profite, tu peux aussi être abstinent total, alors avec un goût hétéro, mais abstinent sexuel. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense, parce qu'on parle de ça, et parce que je repense, j'ai enregistré un épisode avec Solid Mike, que peut-être tu connais, qui est plutôt célèbre sur YouTube. Et il m'a dit, passe lui le bonjour, dis-lui que je suis un de ses plus grands fans. Donc de la part de Solid Mike, si tu m'écoutes, ben voilà, j'ai passé le message à Frédéric Delavier. Et lui est complètement abstinent. Ah bon? Ouais. Alors, j'avais vu une de ses vidéos, j'étais tombé dessus, mais on en a discuté. Et oui, il est complètement abstinent. Donc depuis 2 ans, je crois qu'il disait. Et ben bon, tous ceux à qui ça intéresse, là, qu'ils aillent écouter l'épisode avec Solid Mike, je sais pas s'il sera sorti ou s'il sortira très bientôt, mais on en parle pas mal. Et il expliquait les bénéfices qu'il avait en tirés et pourquoi il faisait ça. Ouais. Oui, je sais que c'est un peu la mode. Moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais eu je peux me passer des femmes très longtemps. Tu vois. Combien? Bon, je sais pas, un an et demi, j'ai pas de problème pour ça. Mais après, je peux très bien en enchaîner plusieurs avant d'en trouver une avec qui je m'entends, hein, tu vois. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. C'est-à-dire que je suis attiré par les femmes, je les trouve très belles, mais j'ai pas d'obsession pour être avec une femme. Pendant ta période d'utilisation de stéroïdes, est-ce que tu as remarqué que tu avais un gros boost de testo? Enfin, de libido, en tout cas. Oui, ah bah oui, oui, Ouais, là, c'est. mais c'est tout le temps. Elles sont toutes belles, même les moches. C'est comme l'alcool, en fait. Comme l'alcool, ouais, c'est-à-dire que les stéroïdes fait baisser là quand même la fait baisser ton Seuil niveau de la tolérance, ouais. d'acceptation ton niveau d'acceptation de l'autre. Tu vois? Ah, oui, il y a la vérité, hein. Et tu te dis après, merde, j'étais allé avec elle, elle n'est pas si belle que ça. Elle était très gentille d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas que la beauté qui compte, hein, c'est la beauté intérieure. Tu vois? Ça, on dit ça pour se rassurer des fois, mais bon, non, mais bon, il y a tout qui compte, c'est un ensemble. Tu vois? Bon, c'est marrant, mais qu'est-ce qui fait que j'en ai discuté et j'en rediscuterai encore sur tout ce qui est les thérapies anti-âge. Quand tu arrives à 45, 50, 45, 50, enfin, ben là, c'est à peu près ce qu'on dit pour la diminution de testostérone naturelle, de production naturelle. Qu'est-ce qui fait que tu te dis pas, bah tiens, je pourrais réessayer ou c'est le bon moment parce que d'un point de vue Oui, hormonal, moi, ça je suis descend? pas un exemple à suivre parce que j'ai jamais eu de dépendance. Moi, j'aime pas la dépendance. Donc, ce qui m'empêche de prendre des stéroïdes, c'est pas les stéroïdes. Les effets sont très agréables. Tu te sens balèze, costaud. Tu arrives dans une salle. Alors, surtout moi, qui ai tendance à prendre beaucoup de force, parce que je suis très, très, très un bon influx nerveux. Donc, le peu de muscle que je prends, ça me fait augmenter ma force comme ça. Boum, boum. Ça doit être le même cas pour Baptiste Marchais. Hein, c'est ça. Qui a une pile électrique, je pense. Gros physique. Quoi? Un gros physique. Gros physique, Baptiste Voilà. Donc, Marché. il dit qu'il n'y a pas de morphologie. Là-dessus, c'est con. Ceci dit, c'est un mec qui a vraiment une bonne morpho. Je regardais son coucher, il a un coucher relativement serré, qui a une cage très épaisse, qui compense, tu vois, technique, tout ce que tu veux. Tu vois, il suffit qu'il charge un peu, alors que l'autre, il va être obligé de prendre le double, tu vois, ou le triple. Baptiste Marché, épisode 49. Si ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller écouter le podcast. Voilà, il a une morphologie pour. Et en plus, il a une capacité nerveuse aussi là-dessus. C'est vraiment. Je regardais sa vidéo, je regardais son coucher. Il a un coucher extrêmement rapide. C'est un mec extrêmement rapide. Enfin, à ce niveau-là, ouais. C'est vrai qu'il est bon. Il est bon. Après, le problème, c'est que dans sa catégorie, les mecs, en raw, c'est même plus du 235, du 240, 250, 260. Tu as des mecs qui montent, c'est de la folie maintenant. Tu vois? Ce qui est limite, c'est la blessure. Ça devient extrêmement dangereux. C'est déchiré un pec, hein, d'ailleurs. Oui, mais en partie, il fait du serré, parce qu'il y a de l'ombras. J'ai vu, il disait, ouais, oui, c'est un truc, quand t'as des. Le problème, c'est quand tu as des longs bras, tu es obligé de réduire la prise, La prise pour éviter d'avoir trop d'avoir trop de de tension surétirement. sur les pecs. Alors lui, il a la chance, il a une cage très très épaisse, tu vois. C'est sa chance, tu vois. Il a les épaules hautes, les coudes dans le trapèze dans le cou. Il est pas hyper large de clavicule, il a des bras énormes, il prend des gros triceps, tu vois. Et après, c'est sûr qu'il peut compenser avec les triceps, tu vois, le poussière. C'est du raw en plus, c'est tout à son honneur. Il est extrêmement fort là-dessus, tu vois. Le problème,
c'est que pour monter, c'est pas la technique, c'est-à-dire faut charger. Faut manger et charger. Si tu manges, tu augmentes en poids, tu vois, et tu charges. Pom, pom, pom. C'est ce que me disaient les mecs. Hein. Le gars, je ne vais pas le citer parce que je ne cite pas les mecs. Le mec, il était à 300 euros. Il me disait, mais comment on fait pour être aussi fort que Kochi? Tu vois, Kochi qui avait été champion d'Europe, champion du monde à l'époque, le mec, il était 150 kilos, un monstre. Et il me disait, c'est simple, c'est les doses de GH. D'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes produits utilisés pour la force et pour le body, enfin l'hypertrophie? C'est grosso modo les stéroïdes, c'est les mêmes ou alors il y a vraiment des protocoles différents en fonction de... C'est plus ou moins les mêmes, mais je pense quand même que les power, quand ils sont limités en catégorie de poids, ils chargent quand même beaucoup moins qu'un body. Oui, parce qu'en fait, c'est une conséquence, la force. Voilà, c'est une conséquence. Et puis s'il prend trop de blocs moteurs, il passe dans la catégorie au-dessus. Tu vois ? Donc, il faut aussi que tu ailles la technique, l'influx. Il y a beaucoup de techniques aussi. Hein. Il n'y a pas que de la force. Et c'est vrai que c'est technique et charge. C'est la triste réalité. Ok, donc toi, tu dis, ouais, non, toi, tu n'as pas envie d'être sous contrôle. Quoi. Tu vois et si tu n'as pas la régularité, parce que le travail de force, alors, parce que je regardais ces vidéos, parce que les mecs me les avaient envoyées, il a dit ça. Le travail de force. Oui, mais j'ai pensé à toi, j'ai pensé à Rudy. Voilà, le travail de force, la raison, c'est la discipline. Et il n'a pas tort, c'est-à-dire que c'est la volonté. Lui dit, il n'y a pas de volonté ici, il y a la volonté, mais c'est la génétique et la discipline. Pourquoi la discipline? C'est comme quand tu files un coup de poing. C'est que tu vas te faire des blocs, tu vas te faire un système nerveux épaissi, hein, c'est un travail nerveux la force, hein, pour pouvoir transmettre l'information et la faire venir très vite. C'est-à-dire que tu crées des réflexes. Et ces réflexes ne se créent, un peu comme l'haltéro, comme une danseuse, hein, qu'en travaillant justement très très longtemps tes mouvements, très vite, pour travailler dans ta cervelle les connexions synaptiques qui sont propres à ce mouvement. Donc tu vas faire, si tu n'as pas travaillé la fin, l'extension, enfin très vite, tu ne vas pas faire la jonction. Tu vas perdre, tu vas remonter, tu vas être bloqué avec des charges comme ça. Donc tu es obligé de travailler des demi, des forts. Un travail nerveux énorme, ils sont d'une clac clac pour avoir le relais nerveux qui passe là, pour te faire tout un ensemble de connexions neuronales extrêmement épaissies dans la tête qui correspondent à ce mouvement de force. Ça s'appelle l'apprentissage psychomoteur. En réalité, ce sont des autoroutes de synapses, de connexions neuronales, avec leurs synapses au bout, que tu as générées par ton entraînement, tu vois, pour pouvoir monopoliser d'un coup tout un ensemble de fibres musculaires. Dans un même mouvement, dans une même rectitude. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est pour ça quand il dit oui, c'est la discipline. Et oui, c'est la discipline, il a raison. Mais la discipline, parce que la discipline te fait des connexions neuronales. Tu vois, c'est la discipline. Pareil, un mec du GIGN, quand il va, truc, il se fait des connexions neuronales correspondant à des mouvements, tu vois. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pourquoi? Parce que s'il est en face d'un terroriste, s'il perd une seconde, il est mort. Donc, il a intérêt de ne plus penser le mouvement et de l'avoir directement en automatisme. Ce qui se fait énormément aussi en Krav Maga, d'ailleurs, j'en avais discuté, c'est ça, c'est qu'on développe les automatismes sur des attaques extrêmement pratiques. Quoi. Voilà, je regarde mon petit chat, comment il développe ses automatismes. Pas mal, c'est intéressant. Moi, tu me vois travailler, je travaille les automatismes. Les mecs, ils ne savent pas, mais je travaille tous les jours quasiment des automatismes qui font que si jamais je suis agressé, j'ai deux automatismes qui sortent. Un, pour limiter le mec. Deux, si je vois que c'est fini, pour l'éliminer. Coup de pied aux couilles. Non. Même pas. Même pas. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu fais quoi? J'en parle pas. Il va en parler. C'est dommage. Personne ne nous écoute. Parce que ça tombe sur un mec bien, c'est bien. Maintenant, imagine qu'un mauvais garçon écoute ce que je dis. On peut le faire qu'à des initiés. C'est-à-dire que des gens qui, moralement, sont corrects et font passer le bien du groupe avant celui de l'individu. Et sur tes podcasts, il y a des mecs que je ne connais pas. Tu vois ? C'est le problème. Ils sont tous bienveillants, je crois, mais non. Ils mettent tous des bonnes sur, notes. Sur YouTube ou sur Riot, tu as 20% de, si ce n'est pas 30, 40, de mauvais garçons qui sont là, qui sont aigris, méchants et tout. Et tu as des gens très bien aussi. Et tu vois bien. Alors, sans les dire, comment tu les travailles, les automatismes? Tu les fais genre tous les jours, tu répètes le geste? Tous les jours, tu répètes le geste.
pour que ça sorte en automatique à des distances différentes. Est-ce que tu as peur d'être agressé par rapport à ton notoriété? Non. Non, 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 parce que je sais que tu as 99,999% de chances que les mecs ne passent pas à l'action. C'est très rare les gens qui passent à l'action. Non, non, ils Le partent. problème, c'est qu'il suffit d'une fois, quoi. Quoi? Le problème, c'est qu'il suffit d'une fois, mal intentionné, une seule fois, des fois. Ben, oui, mais bon, c'est ce que je me suis dit tout le temps quand j'habitais seul en forêt. Les gens, ils avaient peur. Je dis, mais dis-toi que le mec qui viendra me voir, je suis sûrement plus dangereux que lui. Parce que. Parce que tout à l'heure, tu me disais justement que le fait que t'es pas, tu sois pas bagarreur, fait de toi quelqu'un de dangereux. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai zéro inhibition en stress. Ok, donc pour faire simple, tu peux aller jusqu'au bout, quoi. J'ai aucun problème. Et sans ordre. C'est extrêmement rare. Ce que les mecs ne savent pas, c'est que passer à l'action sans ordre, il y en a très peu qui sont capables de le faire. C'était tout le travail des nazis de former des individus capables de donner des ordres de tuer. D'éliminer eux-mêmes. Dire, obéir à un ordre de tuer, c'est facile. Tu mets ta conscience de côté, c'est pas toi, c'est l'autre. Passer à l'action, c'est quelque chose que très peu d'humains sont capables de faire parce qu'ils sont dans un. Heureusement, on est sélectionné pour être dans un cadre hiérarchique où si tout le monde passait à l'action, c'est très, très, très dangereux, ce qu'on appelle les psychopathes. Heureusement qu'il y a la connaissance du bien et du mal qui empêche les individus, une partie des individus de passer à l'action. Mais le fait d'être désinhibé totalement, quand je dis désinhibé totalement, vous êtes capable de passer à l'action. Heureusement que je raisonne. Tu vois, les burners sont paresseux, n'osent pas agir, tout ça. C'est dans une certaine situation, moi je passe à l'action. Si tu sens que ta vie est en danger. Quand je sens que ma vie est allongée, j'ai. Mais c'est du self, enfin pas Non, mais self-défense, je mais suis c'est de froid, je la. connais, je me suis vu agir, je suis froid et j'ai un autre homme qui rentre, hein, je suis froid et méticuleux. C'est Oui, flippant. c'est flippant. Parce que tu dis, c'est moi? Oui, c'est toi. Mais c'est de la Mais génétique. comment tu alors je comment tu sais ça? Parce que tu as été confronté, tu. Comment tu peux te connaître Tu aussi vois, c'est loin pas toi, t'es un dans cet menteur, t'es un extrême? mytho. J'ai un mytho, sauf que je l'ai vécu plusieurs fois. Tu vois? T'as vécu une agression où tu savais que tu pouvais aller au bout, Ah quoi. non, j'ai vécu plusieurs agressions. T'es pas en train de dire que Non, tu as tué des de gens, toute quoi. façon, je ne dirais, comme disait Mais non, mais évidemment. Corot, je ne pourrais même pas le dire, tu vois. Non, Dieu Bien merci, sûr. j'ai tué personne. Et je sais Et quand tu encore. t'en es rendu compte de Non, mais ça? c'est Dieu merci, j'ai tué personne, parce que ma connaissance du corps humain fait que je sais frapper où il n'y a pas d'organe vital. Et en éliminant le mec. Donc, Dieu merci, je sais le faire. Et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. C'est beaucoup plus incapacitant pour l'individu d'être frappé dans un point non vital qui le met hors de l'état de nuire tout de suite que de Ouais. le frapper dans un point vital, tu vois, où il va être sûr où tu es sûr de le tuer, mais où il va mettre 3 minutes à mourir, ce qui le rend dangereux sur 3 minutes pour toi. C'est des trucs que les mecs ne connaissent pas. Parce que le problème, c'est que les points vitaux, ils sont bien protégés. Ça sera pas dans la méthode de la vieille cat, Non, ça. on n'en parle pas de ça. Non. Marrant, savoir. Mais je suis anatomiste. Est-ce que si je demande. Est-ce Être que si. anatomiste, ça te donne une force sur ton adversaire. Les mecs ne le savent pas. Si je demande à Frank Ropers, Il il doit connaît. savoir. Je pense que Frank Ropers est un marchand de soupe, mais Frank Ropers le connaît. Non, un marchand de soupe. Ouais, un marchand de tapis, quoi, tu vois, il vend son truc. Mais. Quand il parle de combat, à la base, ses vidéos, c'est dans les meilleures. Pas après, quand il vend ses trucs. Dans ses vidéos de base, Sur le penchak. Penchak et Self, il est très fort. Bah, évidemment, après, il va vendre sa soupe, quoi. C'est comme les faiseurs, c'est comme les faiseurs, c'est comme les polémistes. Le problème des polémistes, c'est qu'au début, ils sont excellents et à la fin, ils deviennent polémistes. T'as pas peur de devenir polémiste? Mais non, moi j'ai une manne. Tu as le? Une manne. C'est quoi? C'est-à-dire que j'ai de l'argent qui me tombe du ciel par un travail que j'ai fait méticuleux.
Donc, j'ai pas besoin pour exister d'être polémiste. Au moins, j'ai un salaire qui me tombe tous les ans et qui vient du monde entier. Mais est-ce que tu penses que certains polémistes le font pas forcément pour l'argent, mais pour la postérité, pour la gloire, pour une certaine reconnaissance? On dérive un peu, mais je trouve ça intéressant. C'est le problème, c'est qu'ils font pour la reconnaissance et pour ce sentiment très humain d'oublier la mort quand tu es adulé. Tu as l'impression de venir sur Terre et à ce moment-là, de ne pas être venu sur Terre pour rien. C'est-à-dire de ne pas repartir dans le néant, de ne pas mourir sans avoir eu une grande chose, d'avoir été élu, élu de Dieu. Et quand les mecs font des actions comme ça, de polémique, quand les gens les regardent, ils rentrent dans un restaurant, tout le monde les regarde, ils ont l'impression d'oublier la mort et d'avoir une vie utile. Il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression d'avoir une vie inutile. Le problème, c'est que l'utilité d'une vie, elle n'est pas où on croit. Quand tu connais ta nature profonde, t'es plus comme ça. Comment on fait pour connaître sa nature profonde? Pour ceux qui nous écoutent, Bah, tu lis ou L'éveil des qui... consciences, tu vas me l'acheter, il va sortir à 34 euros. Et si jamais tu n'as pas d'argent et que tu es un pauvre, tu l'as gratuit. Ben oui, parce que je. Non, mais appelons ça comme non, ça. non, mais je sais ce que tu vas dire et je vais Gratuit rebondir sur dessus après parce que c'est l'éveil des intéressant. consciences.com. Évidemment, il n'est pas en papier tout ça parce que je n'ai pas donné des livres à tout le monde. Après, je vais plus pouvoir nourrir ma famille. Mais le savoir, comme disait Idriss, comment il s'appelle? Idriss Albert Kahn, peut-être? Albert Kahn, mais il y en avait d'autres qui disaient ça. C'est la seule chose que tu peux donner sans que ça te coûte. Le savoir, ouais. Et puis aujourd'hui, le Et savoir. tu as besoin d'un livre, ça me coûte. Donc, je ne peux pas te le donner comme ça. Tu vois, parce que c'est. Je peux pas. Le savoir, je peux. Tu vois, si tu m'écoutes, je te le donne. En plus, j'utilise après de mon côté pour faire des livres et les mecs me le payent. Donc là, tu sais comment faire. Le D'ailleurs, je sens vais de te la donner vie, non, raison mais le sur sens un. de la vie, c'est comprendre qui on est, d'où on est, d'où on vient. Alors, qui d'ailleurs, que si tu sais d'où tu vas et d'où tu viens et où tu vas, tu sais qui tu es. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu ne peux pas avoir de haine pour les autres. Tu ne peux pas te sentir supérieur aux autres, même si je suis quelqu'un de magnifique. Je veux dire, je suis. J'adore. Je suis dans, non, mais je suis le meilleur anatomiste actuellement au monde. Je suis quelqu'un très fort. Je suis quelqu'un qui a une capacité d'analyse qui est monstrueuse sur le monde, puisque je suis débarrassé de toutes les dogmes et toutes les doctrines. Et j'analyse avec la pureté de l'individu qui ne se sent ni supérieur ni inférieur aux autres et qui se sent divin. C'est-à-dire Oh, c'est beau là. possédé par le possédé. Investi par Dieu, c'est-à-dire accepter Dieu en soi. Tu vois, donc je sais qui je suis tout simplement la possibilité pour le monde ou Dieu d'être conscient en lui-même et par cette conscience de ne plus être seul et de pouvoir aimer et être aimé, c'est-à-dire de briser la solitude divine grâce à mon humanité, c'est-à-dire au fait de pouvoir dire je t'aime. Au fait de pouvoir aimer les autres, quand tu aimes, tu n'es plus seul, puisque tu aimes l'autre. Un Dieu seul, dans les ténèbres de sa conscience, c'est terrible. C'est pour ça que le monde existe. Mourir pour vivre dans l'homme et pouvoir ainsi aimer. Donc, quand tu sais que c'est le monde ou Dieu qui vit en toi, tu ne peux qu'avoir être pardon. Ça ne veut pas dire que si je me fais emmerder dans la rue, je ne vais pas exécuter le mec avec plaisir. Je suis programmé pour ça. Mais si je peux faire un détour pour l'éviter, je vais le faire. Tu comprends? Sauf si je sais qu'il va venir pour tuer ma copine ou égorger mon fils. Je m'arrangerai pour essayer de l'avoir par derrière et très rapidement. Mais ça, c'est autre chose, tu vois. Mais par contre, sans haine, puisque ce sont tes ennemis sont des. En général, tes ennemis, ce sont des âmes perdues. Tu vois? Je veux juste te donner raison sur un truc, je voulais dire ça tout à l'heure par rapport au fait de propager l'information et de donner l'information. Une de tes vidéos, anciennes vidéos, tu disais justement achetez les, si vous voulez apprendre à faire de la muscu, si vous voulez apprendre à mieux comprendre, achetez mes bouquins. Et si vous pouvez pas vous les acheter parce que vous êtes étudiant ou parce que je sais pas, vous avez pas assez de fric ou que vous pouvez pas, piratez-les. Je me rappelle, t'avais dit ça, hein, et puis ça avait fait rire beaucoup de monde. Piratez-les, et puis vous me le rendrez plus tard. Et là où je veux te donner raison, c'est que Delavier 2, je l'avais trouvé en torrent. Tu vois, je le dis, Oui, hein, je sais, je sais. justement.
c'était pendant mes études ou vraiment à cette période-là. Et je crois que c'est des années plus tard où je, alors bon, il y a une espèce d'effet de réciprocité, où mais finalement j'ai acheté le méthode de Lavier 3 et 2 aussi, que je connaissais déjà, que j'ai à peine, que j'ai refouilleté sur quelques chapitres parce que je connaissais déjà le 2. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, tu te dis, bah, je vais l'aider à continuer parce que j'aime bien, tu vois. Et c'est normal, tu vois. Tu vas pas voler ces trucs. Bon, il se trouve que maintenant, il n'y a plus trop de lecteurs de CD, tout ça. Je ne sais pas bien télécharger les musiques, je les perds. Ça me gêne, je suis obligé de les écouter sur YouTube. Ce qui fait, c'est que j'arrive pas à redonner à ceux que j'aime bien, tu vois. Ce qui est un peu gênant, tu vois. Ouais, mais t'as Spotify maintenant qui, bon, à son niveau, mais qui, quand tu écoutes des musiques, il y a une partie qui est repartie à l'artiste. Bon, non, je pense que c'est minimal. Ça, tu vois, c'est des... Donc, je vais sur YouTube, je télécharge, je tape le nom du mec, et puis je l'écoute. Bon, ça se passe comme ça, tu vois. Donc c'est comme ça, mais normalement si tu aimes quelqu'un, tu lui redonnes ce qu'il a donné, c'est de l'échange, tu vois. Recevoir c'est rien, mais bon, après il faut redonner quand même, tu vois. Mais c'est, des fois c'est très important, c'est pour ça que Et donc ceux qui veulent apprendre à connaître leur nature profonde, à mieux se connaître, ils regardent l'éveil des consciences sur l'éveilDesConsciences.com, ils téléchargent une version brute, bah, avec encore des fautes d'orthographe, t'as encore des doublettes dedans, t'as pas tous les dessins, t'as pas les dessins. Ou bien, ben, ils achètent le livre qui va sortir, L'éveil des consciences, sur aux éditions Culture et Racines. Voilà, par Frédéric Delavier. Et puis là, tu as la compréhension du monde et tu sais qui tu es, d'où tu viens. Et c'est très scientifique parce que je ne suis pas du tout dans le New Age débile. Hein. Je t'explique que des choses qui sont des réalités. Hein. Allez, mais comment tu n'as pas des sources? Non, c'est les lois physiques du monde, mon gars. Je veux dire, si... Tu es la mémoire, je dis, mais tu es quoi, toi? Tu es la conscience. On met le nom qu'on veut à Dieu. Tu es la mémoire génétique de ta lignée, c'est-à-dire des automatismes, une structure et des automatismes de pensée que tu as hérité de tes ancêtres, qui sont des automatismes de pensée. Tu es ton éducation. Et ta confrontation au monde, c'est la même chose, qui fait que tu es des automatismes de réaction, hein, de pensée de réaction, en fonction de ce que tu reçois du monde, par ce que tu as vécu, c'est-à-dire que tu as fait des connexions synaptiques que tu as conservées ou pas, en fonction qu'elles aient été positives ou pas, tu vois. Donc, c'est des automatismes. Hein. C'est des adaptations. Adaptations, c'est des automatismes de raisonnement. Là-dessus, tu es toi, c'est-à-dire que c'est toi, tu es un ensemble d'automatismes correspondant à toi. Et ces automatismes vont se mettre en action à partir de ce que tu reçois du monde, mais que ce que tu reçois du monde d'une façon involontaire, si tu veux. Tu reçois du monde parce que tu es le monde et tu reçois de ta place. Donc, tu penses tes actes, tu penses à la liberté de conscience, ma liberté de penser. Non, ta liberté de penser, c'est mes couilles, si tu veux. Tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue. Elles ne surviennent qu'en fonction de ce que tu reçois du monde, tu vois, et des automatismes que ça entraîne dans ta façon de penser, tu vois, c'est tout. D'ailleurs, je pense ça, oui, mais tes pensées surviennent par ce que tu reçois du monde. C'est-à-dire que tu es stimulé par le monde et ça te fait générer telle ou telle pensée réactive. C'est tout. Donc, et ça limite totalement l'idée du libre-arbitre. Il n'y a pas de libre-arbitre. Mais il n'y a pas de libre-arbitre, mais ce n'est pas grave. Puisque qu'il y ait un libre arbitre ou pas, ça ne va absolument pas changer le besoin d'être libre, tu vois, et d'être un être indépendant et libre, libéré de la hiérarchie des hommes. C'est-à-dire qui n'obéit qu'à Dieu, c'est-à-dire au monde, et à soi-même, à sa conscience. Ta conscience, c'est, si tu n'es pas un individu dégénéré, soit dégénéré par une mauvaise génétique, soit dégénéré par une mauvaise éducation, les hommes, en général, savent ce qui est bien ou mal. Le bien, c'est ce qui unit et ce qui favorise la vie, et le mal, c'est ce qui désunit et ne favorise pas la vie. La vie permettant à la conscience du monde de s'incarner en elle. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens un être œuvrant pour le bien. Si tu as compris ce qu'était le monde, donc tu deviens une espèce d'ange, un ange. Je suis un esclave de Dieu, je suis soumis à Dieu, c'est-à-dire soumis au monde ou à moi-même. Et alors, qu'est-ce que tu penses de le livre, il y avait Sapiens, mais il y a aussi Homo Deus de Noah Harari, qui parle donc de l'homme-dieu, des algorithmes, ce qui va s'en suivre.
Je crois, Un j'ai livre pas lu hyper le 2. intéressant, mais... Le 1, il a pas mis le, il s'est trompé sur l'apparition de la, comment il appelle ça, de la, de ce qui a changé l'homme, d'avoir fait un homme avec des, oh, comment il appelle ça, des mythes Pas t'aider là. unis, créés des mythes qui l'ont dit. Non, mais ça, c'est beaucoup. Il a pas, dans le 1, il n'a pas expliqué les choses. Le 2, je discutais avec mon pote Boris. Le 2 est meilleur. D'après ce que j'ai entendu, le 2, c'est bien, c'est intéressant. Le 2 est flippant, le 2 est très bien. Le 1, Il faut voir. il n'a pas compris le mécanisme. C'est-à-dire, il n'a pas compris le mécanisme de base qui fait l'homme. Le mécanisme qui fait l'homme, c'est la bipédie et l'apparition des notions de temps dans le langage. Ce qui fait un homme historique. Tu vois, lui, il avait dit que c'était un. Comment s'appelle ça, hein? Pas les mythes. Merde, dans le 1, je parle d'un truc. La révolution cognitive, ce qui permet à l'homme de se construire autour de mythes, De de croyances? croyances, de mythes, de croyances, de choses qu'il a imaginées, qui ne sont pas vraies, mais qu'il a imaginées. Et le problème, c'est que ça apparaît pas. Il y a 40 000, 60 000 ans, je ne me souviens plus là. Ça apparaît dès le départ, dès que tu es bipède. Et dès que Dès que t'es bipède, tu te mets à croire à quelque chose. Non, c'est dès que tu as des notions de temps dans le langage, tu te mets à être capable de créer des futurs possibles ou des passés mythifiés parce que de toute façon, ils sont déformés par tes souvenirs du passé sont déformés et tu peux les communiquer aux autres. C'est-à-dire, tu peux t'unir autour d'un passé mythique et d'un futur hypothétique. De croyance, si tu veux, comme il a dit. Mais il n'a pas expliqué physiquement ce que c'était. C'est uniquement les notions de temps dans le langage. C'est-à-dire, c'est la capacité de dire je suis, j'étais, je serai. J'étais, c'est le passé, c'est-à-dire capable de dire j'étais. Donc, de communiquer aux autres des actions passées bon, par le système des neurones miroirs qui se les réintègrent dans la tête pour se créer des réflexes conditionnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de les vivre. Tu peux leur en parler pour qu'ils les vivent dans leur tête. Et qui se créent des réflexes conditionnés capables et être plus efficaces pour affronter l'avenir. Et tu peux, grâce à ça, à plusieurs, créer un avenir hypothétique pour te diriger vers cet avenir. Un Reich de 1000 ans. Se donner un objectif. Voilà. On va vers un Reich de 1000 ans. Ouais. Ah ben, on sait, ça a raté. Mais j'exagère, je prends un truc comme ça. Mais c'est ça. On va combattre, on va s'unir pour un Reich de 1000 ans. Tu vois? Ou, je ne sais pas, moi, pour le Grand Israël. L'État sioniste où notre peuple pourra vivre avec l'arrivée des Messias. Tu as des mythes? Non, mais en fait, c'est une projection spirituelle que tu fais dans le passé par les notions de temps, que tu acquiers par le langage, c'est-à-dire la bipédie, libération des mains, indiquer le futur et le passé par la gestuelle, mettre un mot sur ces gestes, tu montes derrière, tu mets un son, tu montes devant, tu mets un autre, tu enlèves les gestes, tu as des notions de temps dans le langage et commence comme historique, capable, à plusieurs, d'organiser l'avenir. D'aller vers un Reich de 1000 ans ou d'aller vers le grand Israël, l'arrivée du Messias, tu vois, selon le compte où tu es, tu vois, ou la grande Amérique, hein, c'est quoi, make a great America again, c'est une notion de temps, ou de parler du passé pour te refaire tes connexions synaptiques et créer des réflexes conditionnés pour, par cette éducation verbale, générer chez les hommes pas un neurone miroir, hein, des comportements. Les animaux ne le font pas, ils sont réflexes conditionnés. Ils pensent à l'avenir, au passé, mais ils ne transmettent pas d'informations sur le passé. Et ils ne Hyper parlent pas non intéressant plus. tout ça, mais Et ça, c'est ce qui fait l'homme. Et ça, c'est ce qu'a pas vu. C'est ce qu'a pas vu. D'ailleurs, il n'y a que moi qui l'ai vu. Harari. C'est ce qu'a pas vu Harari. Et ça entraîne l'homme Homo Deus, comme il a dit, mais il n'a pas compris d'où ça venait. C'est les notions de temps qui permettent de générer la spiritualité, c'est-à-dire la capacité de se projeter spirituellement dans un passé hypothétique et un futur. Dans un passé, non, dans un futur hypothétique et un passé mémoriel, donc d'être capable de te, ou même dans un autre lieu, j'aimerais bien être là-bas, qui est présent, donc d'être capable de se concevoir décorporé, donc d'être capable de se concevoir sans le corps ailleurs, ou le futur, ou le passé, ou un autre lieu dans le présent. Et à ce moment-là, d'être capable de concevoir l'esprit. L'homme est spirituel, pareil, la notion de temps dans le langage. Et à ce moment-là, tu deviens l'homme spirituel. Et tu deviens religieux parce que tu es capable de concevoir l'esprit des morts. Ça te rassure, toi, tu ne vas pas mourir. Si tu es capable de balancer ton esprit dans le futur ou le passé, par le langage, ça se trouve, quand tu meurs, ce n'est pas le néant.
ton esprit reste là puisque tu es capable de concevoir l'esprit sans le corps. Oui, mais couille, si tu veux, c'est pas vrai. Toi, tu meurs, mais Dieu reste dans son immensité, encore vivant, chacun de nous, dans tous les vivants. Donc, il n'est jamais mort, toujours vivant. Cet aignant T'es ici croyant? avec un individu se rallumant ailleurs avec un enfant qui naît. Et ça, c'est homo Deus, c'est la capacité d'être religieux, par les notions de temps. Donc, la capacité de se rassurer, de créer des mythes autour de ces dieux qui unissent les hommes, qui unissent le groupe, dans ces espoirs d'un avenir meilleur. Hein, je sais pas, on ira au paradis, ça calme hein, quand tu penses que tu as le néant. Et puis aussi, on dit qu'il y a un enfer. Donc, les gros cons qui te font chier, tu leur dis qu'ils vont crever en enfer. Et puis, les autres, ils auront des rivières de lait de chamelle, des montagnes de dattes, et puis des rivières Des du ciel. vierges. Tu vois, ça, je rigole, mais c'est à peu près ça, ce qu'avait compris aussi la famille grand prophète Mohamed. C'est. Mais est-ce que tu es croyant toi-même tu pratiques une religion ou tu pratiques, je sais pas, ta religion? Moi, je pratique, si je suis avec des gens religieux, j'ai pratiqué ma religion avec eux, comme des Confucius. Qu'est-ce qui est plus important? C'est les rites, parce que les rites t'unissent. Quand à Noël, avec les petits-enfants, t'attends minuit l'arrivée du Christ, du petit bébé, l'enfant roi, et tu donnes les cadeaux aux enfants, c'est des rites religieux en réalité, même si c'est adapté, même si on base ça sur des fêtes. Il n'est pas né là, mais c'est pas grave, hein. C'est le retour de la lumière, c'est les jours se rallongent. Pour les Européens, c'était terrible l'hiver. Donc ça unit les gens, tous ces rites religieux. Ça permet au groupe de ne pas s'affronter, d'avoir des moments de paix. Donc c'est très très important les croyances. Hein. Mais toi, par exemple, personnellement, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort? Et la vie après la mort, moi je meurs, la vie continue. Et le Dieu ou le monde continue à être conscient dans les hommes. C'est-à-dire se faire passer avant tout, c'est très égoïste. C'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui est conscient en moi. Mais il n'est pas conscient qu'en moi, il est conscient dans les autres. Je veux dire, il ne faut, c'est dit dans le Coran, il ne faut vénérer que Dieu, il ne faut aimer que Dieu. Mais tu ne peux servir et aimer Dieu qu'en servant et aimant les hommes. Et toi-même. C'est une erreur. Si tu fais le sac, si tu vis une vie de martyr à souffrir, tu fais souffrir Dieu en toi. Non. Il faut essayer d'aimer les hommes et d'aimer Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux aimer que Dieu dans les hommes. C'est-à-dire, mon fils n'est rien. C'est Dieu qui vit en lui. Donc, si je suis bon avec mon fils, je suis bon avec Dieu. Pour moi, si je suis. Est-ce que tu... Et donc, Oui, il faut vas-y. servir Dieu. Mais tu n'as qu'une seule façon de servir Dieu, c'est en servant les hommes. C'est pas pour ça que il faut se laisser faire. C'est-à-dire, un homme qui vient t'agresser, tu dois l'éliminer. C'est un danger. Pour toi et pour les autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a aucune inhibition, qui l'a mis au service du mal. Donc, si tu n'arrives pas à lui faire retourner dans le droit chemin, c'est-à-dire la compréhension de qui il est réellement, c'est-à-dire incarnation divine du tout, tu essaies de le mettre en dehors de la communauté des hommes, des prisons, dans des bagnes, dans le désert tout seul. Ou si tu n'as pas les moyens de faire autrement, tu lui décolles la tête du corps en évitant qu'il souffre. Radical. Et des fois, tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, il ne faut pas qu'il souffre. C'est une créature divine aussi. Qu'est-ce qui t'a comment t'es en arrivé à t'intéresser à tout cette parce que il y a le côté développement du corps, développement de l'esprit et développement de la spiritualité. Co comment ça arrive dans ta vie C'est pas ça, c'est que tous les mecs, que ce soit Kapanji, que ce soit Kamina, On rappelle hein, les anatomistes. que ce soit Léonard de Vinci. Que ce soit moi, dès que tu es un anatomiste, tu t'aperçois que ton esprit est façonné par ton corps et que ton corps est façonné par le milieu. Donc ton esprit est façonné par le tout, c'est-à-dire le monde, qui façonne ton corps pour pouvoir vivre dans le monde. Et que ta façon de penser, elle est façonnée par ce que tu es dans le monde. C'est-à-dire que si un homme est capable de parler, comme on parle, de parler de Dieu, de parler de religion, c'est que la bipédie lui a donné des notions de temps qui lui ont permis de concevoir l'esprit. À ce moment-là, tu comprends que c'est le monde tel qu'il est, ses lois physiques, qui fait que tu es tel que tu es, et que la conscience peut exister en toi. Et à ce moment-là, c'est la conscience du monde qui est en toi. Le monde, si tu n'es pas là, n'existe pas, puisque il ne prend réellement, il
il ne peut être réellement là, le monde, que si tu prends conscience de ce monde. Tu comprends? Un monde où il n'y aurait pas de vie n'existerait pas puisque personne ne serait là pour s'en apercevoir. Ah oui, il existe, oui, mais tu n'as personne qui en parle. Il n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que la conscience perçoit. Il n'y a qu'une seule chose dont tu peux être sûr dans le monde. La seule chose dont tu peux être sûr, c'est que tu es. Le reste n'est peut-être qu'une illusion. Je dirais, le reste est une illusion. Mais cette illusion, elle est là pour permettre à Dieu de ne plus être seul. Moi. Et Dieu, c'est toi. Et Dieu, c'est toi. Et Dieu, c'est l'autre. Le mettre qu'en toi, c'est le blasphème. Attends. Là, le mettre qu'en toi, c'est le blasphème. Si je suis Dieu, tu l'es aussi. Tu comprends? En espérant que Dieu soit aussi en toi et pas qu'en moi. Ça veut dire que j'aurais vécu une vie où je n'étais pas seul. Tout ça est... Et vertigineux. Et compliqué. Sors du truc cartésien, sors de la pensée cartésienne, je trouve. Non, c'est logique. Tout le monde est d'accord, mais c'est logique. C'est logique tout en étant quantique. C'est les mecs qui disent quand tu observes quelque chose, ils sont aperçus quand tu l'observes. Je me souviens plus, mais quand tu l'observes, ça change. Tu vois? Ah oui. Le monde n'existe que parce que tu es là. Mm. Tu serais pas là, il aurait beau exister, il n'existerait pas. Un monde si infini qu'il soit, si personne n'est là pour le concevoir, il n'existe pas. Pour le dire, oui. Pour le dire, au commencement, oui. La parole. Ou pour l'écrire, en dans le Coran, écrit. Première lettre du Coran, écrit. Il y a la Bible, c'est au commencement était la parole. C'est dit partout, ils le savent tous. Mais tu vois, tout ça là, ce que tu dis là, je pourrais appeler ça une espèce d'hyperconscience où tu réfléchis, tu es allé loin, tu prends le temps de penser. Alors je vais faire un analogisme à la con. Mais est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'aller jusque là dans les réflexions de soi-même, de l'humanité, de Dieu, tout ça, à l'image un petit peu d'un physique qui serait limité naturellement, est-ce qu'on peut être limité naturellement dans la réflexion, dans la pensée de tout ce qu'on vient de dire, de soi, de l'univers, de tout ? On peut être limité dans la capacité de calcul. C'est-à-dire dans la capacité d'analyse du monde. Moi, je suis quelqu'un qui a une capacité d'analyse du monde qui est hors du commun. C'est-à-dire que j'ai créé des ramifications par le hasard du monde dans mon cerveau qui me permettent d'avoir un esprit analogique des plus puissants au monde. Ce qui me permet d'avoir ce que pourraient appeler les mecs des dons de comment ça s'appelle, de voir l'avenir la capacité de voir l'avenir. Ils appellent ça la voyance. Là, la voyance ou voyant, mais c'est pas de la voyance. Je suis pas un vrai voyant. J'ai une analyse du monde qui me permet de prévoir quasiment ce qui peut arriver. Ah ben des prédictions alors. Prédictions. Mais je suis pas voyant. Je suis pas voyant. Il y a encore autre chose. Tu vois. Mais le point et alpha, le point oméga de l'humanité, c'est la conscience. La conscience, c'est indépassable. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence, la capacité d'analyse. C'est la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai ». On s'en fout si tu es limité dans ta capacité de donner, d'accumuler des données, de mettre ces données en relation les unes avec les autres. À partir du moment où tu sais qui tu es, où tu es capable de concevoir que tu es la conscience du monde, tu atteins le point oméga. À partir du moment où tu sais que tu es Dieu en homme, que tu es le monde qui est conscient en l'homme et qui s'exprime en l'homme, tu as atteint le point oméga de l'humanité. Le reste, c'est du calcul. Calculer plus ou moins bien la trajectoire pour aller de la Terre à Mars. Calculer plus ou moins bien la trajectoire pour aller, je ne sais pas, de Mars à tel astéroïde sur laquelle on va pouvoir mettre une petite colonie humaine. Calculer des algorithmes permettant de mettre le raisonnement, les raisonnements humains, en tout cas l'enchaînement des vibrations qui font qu'il y a cette conscience
humaine, dans de la matière minérale, c'est-à-dire mettre l'esprit dans un ordinateur, être capable de faire des calculs, de créer des machines capables de calculer nos algorithmes internes pour les mettre, pour mettre ces relations de vibration, de rythme, hein, dans la matière, de l'énergie, dans de la matière pour créer une intelligence artificielle qui correspondra à nous et essayer de créer une espèce de conscience. Reproduisant la conscience que le monde met dans nous. Parce que, objectivement, quand tu regardes un ADN et ce que produit un ADN par sa réplication, c'est phénoménal. Quand tu penses que c'est l'univers qui génère un ensemble de molécules qui, par leur rassemblement, va répliquer d'autres molécules de la même façon. Pour générer des choses, tu vois, des choses qui vont progressivement se transformer en d'autres choses et qui vont mener ces choses par une complexification à l'homme. C'est phénoménal. Ça, c'est la vraie biomécanique, ça. C'est phénoménal. Par quels moyens le monde génère ça? Et là, tu te dis, mais il y a un calcul derrière. Il y a tout un enchaînement dans la vibration qui est à la base inscrite dans la vibration initiale du monde. Et là, tu te dis, oh putain, parce que tu as la matière. La matière, elle change d'état. Elle devient de la glace, les molécules sont humaines. Ça... Mais là, on n'est plus dans le changement d'état. On est dans la réplication. C'est de la matière qui génère avec d'autres molécules de la matière similaire. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des codes de réplication qui sont déjà dans l'univers qui t'entoure et qui sont faits pour générer la vie et l'homme. Mais l'homme n'est-il pas fait pour à un certain moment être capable de mettre des formules pour que la matière se réplique elle-même et génère la vie? Et là, tu te dis, on a peut-être un autre but, un but, c'est continuer le monde quand on sera parti. C'est-à-dire, toi, tu meurs. Mais si tu es capable d'ensemencer l'univers, t'es pas mort, puisque la vie naîtra. Et comme tu es émanation consciente de l'univers, tu permets à cet univers de continuer à vivre en envoyant un peu partout dans l'univers, avant qu'il ne disparaisse, mais c'est pas grave, d'autres viendront, des spores capables, des spores énergétiques, on ne sait pas, capables de générer la vie. Et en fin de compte, de repermettre à l'homme d'exister quand cette vie pourra, en tombant au bon endroit, générer des civilisations et générer des animaux. Générer la vie des végétaux et après générer l'homme. La Terre, c'est un microcosme, hein. Hyper, Organisme pour hyper, lui-même, hein. hyper intéressant. La Terre est un organisme fait pour générer la conscience. J'espère qu'on va pas perdre beaucoup de monde. Les mecs doivent savoir que ce que je t'explique là, ça vient de notre physique. C'est parce que nous sommes bipèdes avec des bras, des biceps capables de marcher, de soulever des barres, qu'on est capable de penser comme ça. Et justement, tu vois, moi, c'est ça qui me fait. J'ai envie de rebondir sur ça parce que non seulement ça va reconnecter avec quelque chose de plus terre à terre pour ceux qui ont du mal à attraper la pensée là. Si on peut aller aussi loin dans la réflexion. Mais n'importe qui peut aller aussi loin dans la réflexion. On ne demande pas de faire des calculs. On demande de comprendre. Bien sûr, mais je pense que certains vont pas attraper le. Vont pas voir le truc, vont pas attraper. Et moi, des fois, j'essaie de, je suis concentré donc je Tu vas suis. dans ton lit, tu comprendras. Ah ouais, merde, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est pas du New Age. C'est de la physique. Et si on est capable d'aller aussi loin, pour quelles raisons? Alors, Non mais dans la propension des gènes. t'as compris pourquoi t'es spirituel quand même. Non, mais je comprends tout ça. Je Spirituel comprends parce que c'est à la fois compliqué et parce très que t'es simple comme. bipède et t'es descendu d'un arbre en savane. Et sur une surface plane qui est une savane, t'es capable d'indiquer la flèche du temps, d'où tu viens et où tu vas. Donc t'es capable, en montrant, d'avoir une notion de temps. Je vais le futur, je viens le passé. D'avoir des mots que tu mets sur ces gestes et d'enlever les gestes. Donc d'avoir des notions de temps dans le passé, ce qui te rend spirituel. Dans le passé, dans le langage. C'est-à-dire que le fait de dire j'irai t'emboîte directement le pas à la spiritualité, c'est-à-dire à comprendre la divinité, c'est comprendre l'esprit sans corps. L'être Bon, spirituel. alors pourquoi tu vois, Mais non, moi je trouve qu'il y a un lien. Moi je trouve mais qu'il y a un lien. Alors partout, pourquoi dans tout c'est si l'univers, c'est la même difficile? chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment
où tu as une planète, tu as de l'eau, tu as des micro-organismes qui se développent dedans. À partir du moment où tu as une terre, progressivement, l'atmosphère est bonne et tu as des végétaux qui se déplacent. Progressivement, tu as des animaux qui vont sortir de l'eau pour occuper un territoire calorique plus grand et éviter des bestioles pour qui vont les bouffer. Et après, tu as les végétaux qui se développent en hauteur, qui pour attraper la lumière vont monter, faire de l'ombre aux autres, faire des fruits, être plus efficaces. Et tu vas avoir des bêtes qui vont monter aux arbres, qui vont monter aux arbres pour bouffer les fruits. Les fruits, ou d'abord pour bouffer les feuilles, et après les arbres faire des fruits, pour pouvoir permettre avec ces fruits de se les faire bouffer par des animaux qui vont chier les graines plus loin, évitant à leurs petits de subir l'ombre qu'elles génèrent pour leur croissance. Donc tu crées des arboricoles. Tu crées des arboricoles, tu crées des singes, des espèces de musaraignes, après des singes, puis même des petits lézards. Tu crées des singes. Ben oui, ben quand il fait chaud, il fait froid. Tu crées quand il y a des concurrences entre les animaux, tu crées des animaux qui vivent la journée et puis des animaux qui vivent le soir. Quand il fait froid, le soir, ben tu restes plus longtemps. Quand tu as une homéothermie, création de chaleur qui dure plus longtemps. Donc on commence, tu récupères un espace calorique qui est temporel, c'est-à-dire le soir, qui n'est pas uniquement spatial. Et à ce moment-là, tu génères des singes, un peu qui vivent diurnes, semi-diurnes, un peu arboricoles, un peu nocturnes. Et à ce moment-là, il y a des régressions de ça, de forêt. Tu te retrouves un singe en savane. Et en savane, à ce moment-là, bah, tu es capable d'indiquer d'où tu viens parce que tu étais un arboricole qui montait aux arbres parce que les arbres, ils ont fait des fruits. C'est complètement con, mais c'est partout pareil. Ce sont des lois énergétiques. Et là, tu dis, mais bon, oui, bah, tout est simple. Le monde est fait pour générer la vie, là où elle peut apparaître. Et cette vie est faite. T'as résumé, c'est marrant, t'as résumé le comment résumer l'apparition de la vie en 30 secondes. Oui, mais oui, c'est pas plus. C'est l'homme qui complexifie tout. Et pourquoi? Attends, j'en reviens à ça parce que. Alors, cette évolution se fait, bon, alors ça se fait sur des dizaines de milliers de millions d'années. Si je remets ça à la vie humaine, pourquoi, et c'est pour ça que je refais un pont sur quelque chose de plus cartésien, pourquoi il est aussi difficile, il est même extrêmement difficile d'évoluer de manière naturelle? Pourquoi on est limité naturellement? Pourquoi le corps décide que plus on lui met du poids, il décide qu'au bout d'un moment, il va arrêter de s'adapter? Tu vois, c'est le principe de la Il n'est surcharge pas, progressive. pas Pourquoi on fait peut pour pas évoluer à croître, pas l'infini? fait pour croître indéfiniment, pour la bonne raison que tu as un espace calorique sur lequel tu dois vivre. Si tu es trop gros, tu en bouffes trop. Si tu es trop petit, tu peux te faire bouffer par d'autres mecs. Donc tu t'adaptes, en fin de compte, à une structure qui est faite pour consommer tant. On n'est pas fait pour bouffer toute la journée, être tout musclé, ça ne sert à rien. On est fait pour avoir, comme disait Laffey, pour être efficient. C'est-à-dire le meilleur rapport poids-puissance. Il a raison. L'efficience, c'est la base. On ne peut pas dire à Laffey qu'il a tort là-dessus. C'est ce qu'il a véhiculé. On peut dire que le seul truc intéressant que Laffey a dit, c'est l'efficience. Ça, il l'a dit. L'efficience, c'est le principe de on est le maximum pour faire le mieux, quoi. On est le maximum pour faire le mieux. Si tu dépenses trop pour faire le mieux, ce n'est pas bon. Ouais, C'est c'est comme en un. économie. Pour faire le mieux, il faut dépenser juste ce qu'il faut. Si tu dépenses trop, tu vas te faire bouffer par une concurrence qui va faire aussi bien en dépensant moins, tu vois. Et si tu ne dépenses pas assez, tu n'arriveras pas à faire ça. Donc ça s'appelle l'efficience. Il a raison, Laffey. Donc l'homme est fait pour être efficient. Il ne peut pas être plus gros. Il ne peut pas être plus gros parce que ça ne sert à rien d'avoir un gros cerveau qui consomme beaucoup d'énergie, parce que ce n'est pas on va dire les capacités de calcul supplémentaires et de mémorisation qui vont faire de toi un être supérieur. Donc tu es très bien à la taille que tu es. Parce que ça permet à d'avoir un très bon cerveau conscient, capable de comprendre le monde et d'analyser. Tu pourrais avoir une analyse plus puissante et un cerveau allant plus loin et faisant des calculs plus impressionnants, stockant plus de mémoire. Mais tu n'as pas besoin, parce que ça consomme trop d'énergie. Donc tu vas créer des machines ou des livres. Un livre, c'est un support mort sur lequel tu as de la mémoire. Cette mémoire, elle ne consomme pas d'énergie. Elle est mise là sur un support mort. C'est bon. C'est mieux qu'entretenir des neurones qui consomment pas mal. Ça consomme du neurone. Hein. Donc, ce que tu vas faire, c'est que Cause. tu vas faire des livres, des peintures rupestres. Tu vas conserver aussi une mémoire vibratoire dans le son, comme sont les informations que tu transportes par l'éducation. Tu vas la mettre en chanson, donc tu la mets sur des rythmes. Ça se transmet plus facilement. Ta mémoire, ça se mémorise beaucoup. Ça, c'est de la compression de données. La chanson, le poème, c'est de la compression de données. Ça permet de stocker des choses beaucoup plus facilement dans la cervelle.
Tu vois, comme je dis tout le temps, je t'encule Ursule, ça se mémorise beaucoup plus facilement que je te sodomise Ursule, parce que encule Ursule ont la même longueur vibratoire et la même sonorité, ce qui fait elles vont être stockées dans les mêmes zones du cerveau, donc elles vont sortir beaucoup plus vite. Tout ça, c'est de la physique. Donc, bon, tu commences par être, quand tu n'as pas le papier, bah, tu deviens des poètes, comme les Africains qui font des poèmes, tu sais, parce que c'est, ils n'ont pas le papier, ils n'ont pas ça. Alors, ils ont une culture basée sur la une transmission orale, mais extrêmement technologique en vérité, sur le poème et tout, machin, mais ils transmettent des possessions. Il a six chèvres, il est fils de machin, de machin, de machin et de trucs. Il a six chèvres, il avait deux, il a ses trucs, ça lui appartient, il va le donner à temps. C'est la monnaie, c'est l'énergie. Et après, tu peux mettre ça dans des livres, tu mets des règles pour calculer plus facilement, et après, tu crées des objets. Comme les livres, hein, capable d'accumuler des données énormes, au lieu d'avoir dans ta tête, tu as sur un support à côté, ça ne consomme pas d'énergie, après tu les mets dans des machines qui font les analyses à ta place. C'est les ordinateurs, d'abord tu as les bouliers, tout, plop, plop, tu vois les trucs, et après tu fais des petites machines, des machines électroniques, et après tu crées des ordinateurs qui permettent à l'homme d'avoir la capacité d'accumulation des données et d'accumulation d'analyse qui le rendent encore plus efficace pour pouvoir analyser le monde et le conquérir. À partir de ces petits cerveaux qui sont limités en extension parce qu'ils consomment trop. T'as compris le truc? J'ai compris. En fait, on ne Donc, peut pas expandre, donc on prend des voilà. on évolue, on Voilà. expand Et t'as mis ta pas nous. cervelle et ta capacité d'analyse à l'extérieur, ce qui est plus À économique. l'extérieur. Je veux dire, Bah, comme un disque dur, quoi, un disque dur externe. et toi, pour vivre, t'es obligé de bouffer, autrement tu meurs. Ton ordinateur, t'as juste à couper l'électricité. T'externalises en fait, Tout. t'externalises ce que tu as dans la tête, tout. Et c'est marrant parce que le poème, pour le coup, tu vois, j'avais jamais pensé. Ah bah, le poème, c'est une façon pour ça qu'avant ça faisait partie des civilisations. Le poème, c'est pas juste un poème. Le poème, c'est la science, c'est la mécanique. C'est compresser des données pour aller les chercher plus facilement. Tu vois? Ok, hyper intéressant, hyper Le intéressant. monde n'est que vibration et vibration qui varie en intensité. Et en fréquence. Et le monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le monde ordonné, le monde de la matière, c'est quand apparaît le rythme, c'est-à-dire la réplication de fréquence et de rythme, de façon alternée. Ça, c'est l'apparition de la vie. Avant, c'est le chaos. T'es le diable, la souffrance absolue de l'être dans les ténèbres. Si t'as envie de rester en santé le plus longtemps possible, Mais qu'est-ce que tu recommandes? tu acceptes qui tu es déjà, et ensuite tu cherches à t'améliorer. Tu vois? Et le fait d'accepter le monde tel qu'il est, et de ne pas le détester, fait que tu vas être beaucoup mieux dans ta peau. Tu vois? Donc, le monde est tel qu'il est. Je vais essayer de l'améliorer et je vais essayer d'en prendre les bons côtés. Tu vois? Mes échecs m'apprennent sur la vie et mes réussites me rassurent sur la vie. Tu dois apprendre de tout. Tu vois? Et tu dois prendre le monde et observer le monde en relativisant les choses. C'est-à-dire que tu dois te dire, bah, écoute, je suis là, mais ça pourrait être pire. Déjà, le soleil brille, il fait beau, ça va. Il y a une crise économique, mais mon frigo est encore plein. Ça va, je peux encore manger. Donc, on va voir comment manger mieux. Comment faire ci. Puis après, par l'action, essayer d'améliorer petit à petit ta situation. Et si tu n'y arrives pas, tu auras tout fait pour, de toute façon. Et les moments que tu auras pris de bonheur sont les moments qui sont pris. Voilà. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Tu vois? Tout à l'heure, tu parlais de prendre du collagène, justement, qui Prends était du le seul collagène. truc que tu, que tu, enfin, pas le seul truc, mais le plus important que tu recommandais. Oui, le collagène, c'est important. Et pourquoi? Parce que on se dégrade avec le temps. Et il faut restructurer le tissu de maintien de l'organisme, hein. Autrement tu vas t'abîmer.
plus vite. Et visiblement, de tout ce qu'on a essayé, je trouve que le collagène, avec Gundil, je disais, le collagène, c'est franchement ce qu'il y a de plus efficace. Alors, la créatine, c'est pas mal, mais ça peut générer quelques allergies et des problèmes chez certaines personnes, c'est très variable. Mais le Tu collagène, peux en général, ouais. c'est vraiment ce qu'il faut prendre pour durer. Tu prends d'autres trucs toi? Quoi? Tu prends d'autres compléments en plus du collagène, oméga 3, vitamines, des choses comme ça? À peine d'oméga 3, mais je mange correctement des graisses animales. Moi, je mange pas mal de. Il faut manger comme ses ancêtres. Et c'est dur parce qu'il y a du métissage maintenant, mais il faut manger un peu comme ta génétique te dit de manger, tu vois. Si on dit qu'il faut Ça, être. tu sais que c'est un grand débat aussi, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire du jeûne intermittent. Ah T'es non, pour le jeûne intermittent? mais c'est pas mauvais le jeûne intermittent, mais ce qui est bien, par exemple, c'est de. Évidemment, quand tu arrives à la fin de l'hiver, c'est pas le moment de se gaver, tu vois. En général, à la fin de l'hiver, quand tu es européen, tu as envie de moins manger. Ton organisme se purge progressivement. Tu vois. Par contre, début de l'hiver, en automne, tu as envie de te gaver. C'est normal, il va faire froid. C'est souvent en fin de compte, des réminiscences d'anciennes élections, tu vois, qui te permettent de survivre. C'est pas pour ça qu'il faut bouffer tout le temps du sucre, tu vois. C'est très mauvais. Le sucre, c'est bon, en petite quantité. C'était fait parce qu'il y avait des pénuries. Donc, quand tu trouvais des bombes énergétiques comme le sucre, tu tombais dessus parce que tu n'en avais pas souvent. Tu devais peut-être vivre. Maintenant, le problème, au supermarché, il n'y a plus que ça. Alors, les mecs, ils meurent. Ils ont le diabète, ils crèvent, quoi. Ils deviennent obèses. Tu vois, c'est un gros problème pour nos sociétés. On a changé notre mode de vie. On était fait pour accumuler de la graisse, la restituer en fin d'hiver, rességer. Mais on avait d'autres problèmes, comme les pathologies. Les gens mouraient d'infections. Maintenant, on a les antibiotiques. Tu vois. Les temps changent, les pathogènes aussi. Comment tu t'entraînes régulièrement? C'est quoi ton objectif? Te maintenir, le gros prendre du muscle, Progresser garder ta où je peux force? encore progresser, c'est surtout limiter la dégénérescence. À mon âge, on limite la dégénérescence. Tu peux plus progresser à ton âge? Alors, j'ai quand même progressé aux avant-bras. Je reprends, j'ai bien pris en biceps. Je crois même que j'ai progressé en biceps. J'ai énormément baissé en pec parce que j'ai une blessure. J'arrive pas à reprendre. Je reste là quand même bien. Mon dos n'a pas, mon dos se maintient. J'ai à peu près le même dos tout le temps. L'épaule a progressé, mais elle est limitée à cause de cette calcification que j'ai à l'arrière. Mon squat, je ne peux pas en faire parce que j'ai mal un peu au dos, mais je vais en faire de temps en temps. Mon soulevé de terre, bon, il reste bien, mais je ne prends pas de créatine, je prends pas de trucs comme ça. J'arrive pas à progresser à fond. Bon, j'étais passé à 230 la semaine dernière. C'est pas énorme, sans ceinture, mais c'est bien, mais c'est pas ce que je fais. 230, je le faisais par 10 quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais bon, sans ceinture, hein. Il y a des mecs qui sont à 300 naturellement. J'ai jamais fait 300 soulevés de terre. J'ai tapé sans ceinture de. J'ai tapé 285 maxi avec ceinture, je crois. Pas mal. T'as déjà consulté 290 en plus. Est-ce que t'as déjà consulté des ostéos, des physios, des naturaux, Besoin parce que j'ai quand même. tous ces thérapies de la santé? Non, elles sont très bien, mais j'ai ces connaissances. Là, j'avais un bodybuilder professionnel qui m'appelait et qui avait une calcification, m'envoyait tout. Je savais, j'ai dit, écoute, à mon avis, tu as une calcification à tel endroit, et il allait faire son IRM, il l'avait à tel endroit. Et c'est. Et sur après, sur la rééducation ou sur la récupération, sur Après, les aides, les sur la mecs, réhab. les sont très forts, c'est pas mon domaine, ça. Mais pour la rééducation, c'est pas moi, je suis pas kiné. Ils ont aussi des méthodes, des trucs de. Tu vois, des trucs pour choquer les Oui. mecs avec des vibrations, c'est pas mal, hein. Onde de choc. Mais après, je connais des mouvements, je peux les aider dans la limite de mes connaissances. Après. Mais toi pour toi-même, t'as jamais consulté des spécialistes pour en apprendre, je sais pas, plus sur toi avant de développer des Quand je me suis connaissances, avant arraché le biceps, crois-moi que je suis directement allé voir un chirurgien du sport. Ça va pas se remettre tout seul. Par contre, Non, pour il le t'a. coup, j'ai Ouais. attendu, j'ai essayé de voir, mais maintenant ça s'est réparé. Pour mon épaule, je sais que je suis bloqué, mais j'ai réussi à gagner un peu de pourcentage d'épaule, tu vois. Ça va. J'ai quand même moins mal que l'année dernière, tu vois, où j'avais des douleurs lancinantes en même temps. Bon, c'est pas encore ça, mais je sais que les douleurs, à un certain âge, ça dure un an, 2 ans, 3 ans. Ton Ah avis oui, sur mais non, ça. l'homéopathie? Je ne sais pas, je ne connais pas. Ben, je sais pas, les mecs, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est faux. Ouais, il y a de ça. J'ai Alors, pas eu d'homéopathe sur le ils podcast ne les encore. arrêtent pas parce qu'il y a des gros labos, il y a de l'argent qui a été mis en pub, tout ça. Des copains du pouvoir, je ne peux pas te dire. Et le fait qu'une goutte de substance soit diluée au millième ou je ne sais quoi, et que l'idée, ça serait qu'il resterait l'énergie de. Attention, hein.
Je m'y connais pas, mais Je ça serait qu'il connais pas reste. assez de recul, je peux pas parler. Je peux parler des Ok. choses que j'ai un peu étudiées, et encore je peux me tromper, mais là je me tromperai. Ok. Parfait. Allez, les trois dernières questions que je pose à la fin de chaque épisode, qui généralement sont plus rapides. Encore que. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, ou peut-être dans ton cas, on va dire 20 ans en arrière, ça serait un peu plus. Un peu mieux. Quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? J'en prendrai aucun parce que je ne serai pas l'homme que je suis. Donc je ne change rien à mon passé. Si toi-même tu te vois dans. Tu arrives 20 ans, tu ne te dis rien. Je ne dis rien pour revivre ce que j'ai vécu parce que l'homme que je suis actuellement est l'homme que je voulais être, même s'il est perfectible. Mais j'ai plein de défauts, on va dire plein de faiblesses. Mais je suis celui que je suis, parce que j'ai été celui que j'étais. Donc, je sais pas. J'ai pas de regrets. Et pour le futur? J'espère pouvoir continuer mon œuvre. Je fais tout pour pouvoir continuer mon œuvre et que ma vie se continue comme ça, faite d'épreuves, d'apprentissage, pour pouvoir m'élever et élever l'humanité. Voilà. Ce qui m'empêche pas d'être, c'est pas si je suis un grand sage, ça m'empêche pas d'être un homme accompli. C'est-à-dire que j'aime bien manger du saucisson, j'ai des plaisirs humains, et quand je vois de belles fesses jeunes et fermes, et je suis en admiration devant la beauté du monde. Mais bon, La génétique du monde. et voilà, je reste, notre animalité est faite pour être maîtrisée, mais elle n'est pas faite pour être repoussée. C'est différent. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai des pulsions sexuelles, par exemple, primaires, que je comprends que je dois les repousser. Évidemment, si c'est pour niquer des enfants de 5 ans, évidemment, là, tu vas te faire soigner tout de suite et tu essayes de trouver une solution parce que tu es en train de détruire le monde. Tu comprends? Mais bon, pulsions primaires pour baiser des belles jeunes filles, jeunes femmes, on va dire, femmes, hein. Pour produire, mais Avec consentement, on précise évidemment. précise, hein, Vaut mieux aujourd'hui nos problèmes. préciser. Nos problèmes, c'est ça qui fait le monde. Manger quelque chose de bon que tu aimes entre amis ou avec des proches, c'est bien. Vois, cette pulsion, ah, on va bien bouffer ailleurs, ouais, ça va. Notre animalité, bouffer ensemble, près d'un feu de bois ou devant une télé, on s'en fout, une télé, hein, ça remplace le feu de bois, c'est bien. C'est bien, il ne faut pas leur pousser, mais il faut faut la comprendre pour la maîtriser. Tu vois, se complaire en regardant sur YouTube des vidéos de gens qui se font tuer, qui meurent ou qui souffrent, là, faut que tu commences à poser des questions et tu dis non, pourquoi je suis comme ça? Là, tu vas éviter. Mais justement, est-ce que c'est pas un truc que moi j'avais vu ça, hein, que c'est rassurant de voir quelqu'un qui souffre ou qui se fait tuer parce que ça veut dire inconsciemment pour ton cerveau que c'est pas toi Voilà, et que donc tu survis. c'est ce que j'explique dans l'éveil. Ça fait même plaisir, tu vois, c'est la joie de voir l'autre se faire tuer, pas toi, parce qu'à ce moment-là, tu as peur, tu as de l'angoisse, ah, il se fait tuer, et puis après, donc tu secrètes de l'adrénaline, ce qui est extrêmement destructeur pour l'organisme, mais quand la situation s'améliore, à ce moment-là, c'est le moment pour ton organisme de se restaurer, donc de récupérer, de réparer les parties qui ont été détruites par l'adrénaline, puisque ça augmente ta tension artérielle, ça détruit les tissus, hein, c'est pas anodin, donc à ce moment-là, tu vas prendre des relaxants proches de la morphine qui vont te rendre cool. Et c'est pour ça qu'après être allé voir un film d'horreur où tu as vu des gamins se faire décapiter par un monstre avec un masque de hockeyeur, tu vois, coupé en morceaux, à la fin, quand l'héroïne est sauvée et quand le monstre il est retombé dans les marais, tu sors avec ta copine, tu as vécu un petit stress pas énorme, mais par contre, tu as dégagé une quantité d'endorphines qui fait que tu vas être super cool et que tu vas la cartonner à l'aise. Ah oui, et c'est ça qu'ils recherchent les mecs. C'est animal. En vérité, c'est les doses d'endorphines qui sont faites pour faire régénérer l'organisme d'un stress. À la base, t'es un singe, t'as une panthère qui arrive, un singe bipède, putain, tu vas te faire tuer, tu cours à pleine vitesse dans l'arbre et tu vois l'autre singe que t'aimes pas trop, qui se fait bouffer par la panthère, tu dis pouf, elle est sur pas, maintenant je peux me relaxer. Et ça te donne envie de baiser. Il faut continuer la vie après l'angoisse. Après la mort Voilà. aussi. Tu comprends? Ok. Mais tu es plein d'endorphines parce qu'il faut récupérer. L'adrénaline, c'est bon, mais ça détruit.
Pour l'accélérateur, c'est que des trucs primitifs. Mais quand tu gaves à ça, et quand tu commences à prendre un plaisir à voir le malheur des autres, à le générer pour te sentir bien, c'est qu'il y a un big problème. Et là, tu te dis, je suis une merde. Il faut que je me transforme. Alors, c'est pas grave d'avoir été une merde. Ce qui est plus grave, c'est de l'être et de le rester. De rester, de pas s'en rendre compte. Tout le monde a été plus ou moins une merde à un certain moment. Certains moins que d'autres. L'important, c'est de plus l'être. On appelle la rédemption. Le pardon, il faut absolument pardonner. Pardonner aux autres, mais pardonner à soi-même. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle, toi, ou un mentor qui t'a guidé dans tout ce cheminement de tes débuts à aujourd'hui? J'en ai eu plein, je ne me suis pas fait moi-même, personne ne se fait soi-même. Est-ce que tu as quelqu'un en particulier auquel tu penses? J'ai assez découvert sur tout, assez tout, tout seul. Léonard de Vinci pour la technique de dessin, pour son humour. Autrement, au niveau philosophie, je dirais j'ai Tolstoï. Tolstoï, j'aime bien, mais ce qui J'ai correspond pas lu. parfaitement à ce que je suis, parce que génétiquement, je suis plutôt russe. Je suis russe. Je ne savais pas, mais j'ai fait les tests. Je suis. C'est vrai, t'as fait le. C'est quoi, c'est les tests dans les labos là où ils Voilà, disent. DNA, et puis je ne sais pas quoi. Ouais. My Heritage DNA et un autre, là, on a fait deux. Voilà. Alors, je suis anglais, je savais pas. J'ai hérité à la place, on passait à la trappe. Je suis globalement anglais à 42%. Et le reste, je suis Europe centrale russe à fond la caisse, quoi. Puisque les Askénazes, les Juifs Askénazes, c'est du Ruskov, hein, du Biélorusse, hein, c'est pas du Khazar comme on croit. C'est génétiquement du russe, mais sauf comme ils sont endogames, tu retrouves ces gènes, mais c'est du slave. Du slave et du central Europe, tu vois, c'est globalement ça. Et je suis aussi central Europe. De savoir ça, ça te change quoi, au final? Ça t'a. Tu comprends pourquoi tu étais comme ça, tu vois. Le petit canard gris, hein, tu vois. Tiens, pourquoi j'étais gris? Parce que j'étais un cygne. J'étais pas un canard. Je rigole, mais c'est ça. Bah, tiens, pourquoi j'ai des angoisses? Bah, tiens, j'ai dû être un juif askénaze qui était angoissé par l'avenir, tu vois. Tiens, pourquoi j'ai une tendance à être hyper violent. Les Anglais le sont déjà. Hein. Les Germains, les Anglais. J'ai dégagé tous les jeunes Germains, pourtant j'en avais plein normalement. Mais les Balkaniques sont chauds quand même, tu vois. Passe vite à l'action. Grande partie balkanique. Balkanique, Donc, tu es là, tu dis, ah, on comprend. Tiens, ma digestion se comprend. Je mange bien du steak frites, tu vois. Bah, du steak frites, je mange bien la viande rouge, me va très bien. Bah, tiens, je suis anglais, tu vois. Pourquoi? Enfin, c'est le lien. Ils ont beaucoup de viande. C'est le climat. Tu vois, c'est des mangeurs de viande. Ils ont beaucoup de laitage, mais ils ont beaucoup de viande aussi, les Anglais. Viande de bœuf. Et les véganes, alors, ils auraient de quoi. Et vegan, c'est bien quand tu es un Indien du Sud. Tu vois, eux, c'était vegan. Maintenant, génétiquement, si tu les fais bouffer de la viande, ils meurent. Et si tu transformes un mec du Nord en vegan, si tu ne mets pas de la vitamine B12 et un peu de graisse De poisson. de graisse animale, en douce, tu vois, pas de la viande, de la graisse, bah, il va vite partir et devenir un légume, quoi, lui. Ça doit bien te faire rire cette ultra mode vegan en Occident Non, alors. mais elle est réactive, elle est pas fausse. Hein. On bouffe trop de viande, on n'a pas besoin de viande, autant de viande. Hein. On a besoin de gras animal, on a besoin de collagène, mais on n'a pas besoin autant de muscles, si tu veux. Ouais. On brûle pas autant de. On mangeait du gras de porc, tu vois, on mangeait un peu de viande rouge, mais tout est dans la modération. Le fait de baser son alimentation uniquement sur la viande, c'est un peu du délire. Sauf si tu es un Allemand du Nord qui a été nourri depuis des siècles au cochon, au lait de vache, au bœuf, puis aux œufs, bacon. Et ils sont très carnés. Ça, c'est des mecs. C'est des génétiques. Ok. Ça dépend des gens. Après, c'est très dur, vu les mélanges. Savoir d'où tu viens, qui tu es. La génétique est pas mal, ça explique pas mal de trucs. Mais encore, on comprend pas tout. C'est en probabilité. Mais moi, c'est beaucoup de trucs qui ont été expliqués par ça. Je rigole.
Il y avait une copine russe, elle me dit, c'est bizarre, on dirait que t'es russe. Je dis, mais pourtant, je ne vis pas avec des Russes, mais tu raisonnes comme un Russe. Je voyais des Russes, je dis, putain, ils font comme moi. T'as l'impression d'avoir les mêmes. Tu vois? Elle dit, oui, bah, j'ai hérité. Bien, je regardais les mecs. T'as tous les cousins qui se ramènent. Alors, ils sont majoritairement Israël, mais il y en a avec plein. Et, Biélorussie, toute cette zone-là, ils sont tous là-bas. Je dis, mais c'est quoi cette connerie, là? Et tous mes gènes nordiques, ils ont dégagé, par exemple. Mes gènes germains du côté de mon père, vikings, tout ça, ils sont. Poubelle, j'ai anglais, mais ça dégageait. J'avais beaucoup de gènes italiens, normalement italien par ma mère et espagnol. Ça a dégagé. J'ai gardé juste les anglais de ma mère. Mais vraiment, j'ai tout chopé, quoi. Ok. C'est la roulette, hein. Sur. Bon, parfait. On C'est conclut. comme les machines à sous, là, t'as des combinaisons qui arrivent et en fonction. Ouais, les machines à sous, ouais, Voilà, c'est ça. les bandits manchots, là, tu vois, tu hop, clac, tu tires, et apparaît ce qui doit apparaître. Alors, tu peux avoir trois bananes ou bien une pomme et deux cerises, tu vois. Mais en tout cas, le paquet est dedans, si tu veux. Tu as tout le temps les mêmes trucs et les mêmes briques qui sont à l'intérieur. Et ça varie en fonction des bandits. Non, ça devrait varier. Les hommes, ça, comme des bandits manchots qui varieraient de dessin à l'intérieur un peu. J'aime bien l'analogie. Troisième, dernière question. Est-ce que tu t'as envie de recommander un livre particulier? Il y a l'éveil des consciences dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Oui, alors. les deux laviers, mais tu sais quoi, les deux laviers, on va pas nécessairement en faire. Enfin, les méthodes de la vie, on va pas faire une grosse publicité plus que ça, parce que les plus de 60 invités qui sont passés en ont beaucoup pas. Pas tous, mais c'est des livres qui sont énormément revenus parmi mes invités. Est-ce qu'il y a un ouvrage, que ce soit un roman ou un livre pratique, que tu as envie de recommander aujourd'hui? Bah, écoute, moi, je recommande. Alors, il y a pas mal de livres qui sont intéressants. Confucius, j'aime bien. Mais après, moi, ce qui me plaît, c'est parce que ça me plaît, parce que ça me touche, parce que ça me ressemble. Et j'y trouve beaucoup de compléments. Moi, j'aime bien Tolstoï. Moi, j'aime bien. Guerre et paix. J'ai beaucoup aimé Guerre et Paix. Voilà. Guerre et Paix. Tous les livres de Tolstoï, ils sont basés sur le pardon et puis la divinité en toi, en vérité. Il y a un passage où Pierre était emprisonné par les troupes françaises qui le prennent pour un incendiaire alors qu'il a voulu faire une bonne action. Hein, et il se retrouve emprisonné, il sort, il est dans une situation horrible, parce qu'il décrit vraiment ce mec qui a vécu, hein, Tolstoï. Et il sort, et il regarde le ciel étoilé, et il disait, mais c'est ça que vous avez voulu emprisonner. C'est-à-dire que c'est le monde qui a été emprisonné. C'est-à-dire qu'en l'homme, c'était le monde. Tu vois? Non, mais pour moi, c'est bien parce que quand tu lis entre les lignes, c'est un mec qui a tout compris du monde. Mais il l'a compris parce qu'il l'a vécu, tu vois. J'ai pas lu Tolstoï, j'ai lu Dostoïevski, qui, bon, ils sont un peu cousins les deux. Voilà, Enfin, pas cousins, alors mais. c'est l'autocritique, c'est ce qu'on appelle, c'est l'introspection russe. Alors, elle n'est pas que tolstoïenne, ni dostoïevskienne, hein. Elle est russe. Hein. C'est le russe qui fait une analyse de lui, toujours. Donc, il avait fréquenté les powers russes. Quand il parlait de leur vie, ils parlaient toujours de ce qu'ils avaient fait, les erreurs qu'ils avaient fait, pourquoi ils avaient fait. Tu remets pas la faute sur les autres chez les Russes. Sur le Russe, c'est qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que j'en arrive là. Tu vois, c'est toujours l'introspection. Et quand on fait l'autocritique du parti socialiste russe, c'est en vérité l'autocritique du slave sur me comprendre pour essayer de faire passer le monde. C'est ce qu'on voit dans Tiburachka. Les Russes comprendront, c'est le petit jouet avec les grandes oreilles, avec le train bleu, je sais pas quoi, le wagon bleu. Et il en parle dans la chanson pour les enfants, le générique. Et il dit, nous avons fait beaucoup de mal, nous avons parfois fait du mal aux autres, mais l'important, c'est que nous soyons là et que nous pardonnions. C'est-à-dire que nous avons fait du mal aux autres, les autres nous en avons fait aux autres. Maintenant, il faut pardonner et vivre ensemble. Voilà, c'est ça, c'est le monde. Tu vois? Et ça, c'est dans l'âme russe. C'est ce que j'aime. C'est cette analyse du monde. Cette introspection, tu t'analyses, toi, pour comprendre le monde. T'as dû beaucoup aimer, je pense, Crime et Châtiment de Dostoïevski, parce que Alors, j'ai j'en ai un lu peu, mais trop. j'ai arrêté parce que c'était trop descriptif, Ouais. de trucs affreux qui sont réalistes. Le mec Et ce qui se passe dans sa tête est assez dingue, hein, sur c'est le coup vrai, mais non, de mais parce son. qu'il a pris un truc excessif, mais ça, c'est vrai. Le mec qui va tuer la logeuse, la petite nana, Ouais. parce qu'elle n'est pas bien. Mais en vérité, si tu regardes ça, c'est qu'il avait tout simplement envie de baiser la petite nana il avait la haine parce que un autre riche l'avait baisé.
tu vois, c'était un truc comme ça. C'est, en vérité, il se donne, tu sais, des missions à faire, en vérité, parce qu'il est frustré. C'est, en vérité, c'est ça, tu vois. On revient tous à ça. Hein. Je lui en veux à cet enculé. Il a ci, il a ça. Non, en vérité, tu voudrais être comme lui ou tu voudrais baiser sa femme. Alors, accuser son chien, là, qui veut abandonner son chien, l'accuse de la rage. Tu veux prendre la place de quelqu'un, tu essaies de lui trouver des vices. Tu vois? Tu le trouves brillant et pas toi. Si tu es un abruti, tu vas essayer de démonter sur des vidéos parce que toi, tu te regardes dans la glace et tu ne te trouves pas formidable. Tu vois? À bon Alors, entendeur, prends ce qui entendeur. arrive, tu vois. Alors, YouTube, comme ailleurs, hein, c'est la vie, c'est pareil. Eh bien, écoute, on va conclure ici sur Tolstoï, Guerre et Paix. C'était une recommandation qu'on m'a jamais donnée. Moi, ça fait longtemps que je l'ai sur ma liste de lecture de grands classiques qu'il faut que je lise et j'ai toujours pas eu je sais pas, le courage. Non, parce que j'ai lu Toujours les l'État de mêmes, hein, Karamazov, mais. parce que c'est ceux qui m'ont le plus influencé, tu vois. Qui m'ont plus appris. Tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai découvert Tolstoï. J'ai adoré. J'aime énormément aussi Proust. Alors, recherche du temps perdu. Proust, c'est génial. Je suis une des rares personnes à avoir lu entièrement À la recherche du temps perdu. Ouais, tous les toute la série de bouquins. J'ai pas lu, j'ai écouté. Je dis, je lis. C'est pareil, ça rentre de la même façon. Une façon plus simple de le faire. Donc, et puis comme ça, c'est vraiment, tu prends perdre beaucoup de temps. Si tu as un travail, tu lis ça, c'est que tu perds tout le. Bah, c'est du temps perdu pour toi, puisque le temps que tu vas prendre à écouter à la recherche du temps perdu, c'est du vraiment temps perdu si tu ne travailles pas et tu ne construis pas à côté. Par contre, moi qui devais faire des milliers de kilomètres en voiture, bah, quand tu mets à la recherche du temps perdu, tu n'as pas perdu ton temps. Tu vois? Tu t'es instruit avec Proust, qui est une des plus grandes analyses de la pensée, de la structure sociale française et de la pensée française. C'est un mec qui analyse le monde, qui analyse la France. Analyse la France, ce n'est pas analyse l'Allemagne. Il analyse le peuple français, sa médiocrité et parfois sa grandeur. Et il est sans pitié. Il est sans pitié. Mais il est sans pitié avec de l'amour. C'est-à-dire qu'il te décrit les choses telles qu'elles sont, tu vois, mais sans juger. C'est ça qu'on aime bien à Proust. Je mettrai la référence dans la description de l'épisode sur les deux bouquins. Puis tu te marres, Proust, il y a de l'humour, c'est rigolo. Et quand il parle du temps, de la vieillesse, il écrit son livre, c'est magnifique. Magnifique. Le bal des vieux, il se retrouve dans un endroit, il se retrouve avec des vieux, il les regarde, ça me fait rire, ça me fait penser à. Et putain, mais ils ont vieilli. Putain, c'est lui, c'est lui. Et puis il se dit, mais moi aussi, ça se trouve, j'ai vieilli pareil. C'est génial, c'est absolument génial. Puis il décrit la médiocrité du système de caste français, les convenances, quand il décrit les pétasses qui à l'école, les adolescentes qui font des textes sur Lamartine ou je sais pas quoi, qui comprennent. C'est médiocre, c'est ridicule. C'est en fin de compte pour montrer sa caste et son niveau. Il a tout le temps un regard détaché qui montre les hommes dans leur petite société humaine, avec toutes ces petites luttes entre eux. Et tout ça, c'est bien dérisoire quand on sait qu'à la fin, il y a le cimetière et seul restent nos souvenirs et les bons moments que nous avons vécus avec les gens qu'on aimait. Tu vois? Et ça, c'est Proust, c'est le meilleur français. Je le mettrais avec Tolstoï. Tu vois? Là, je suis un littéraire aussi. Mais je lis pas. Où c'est qu'on te retrouve, Fred Delavier, sur les réseaux, si on veut te suivre, qu'on veut voir un petit peu ton travail Sur évoluer? Instagram, mais c'est rigolo ce que Ouais. je mets. Et sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Facebook, et sur YouTube, où j'ai fait mes petites vidéos. Tu vois? Voilà, Petites, les toutes petites vidéos. il y en a qui font 2000, 3000, puis il y en a qui font 100 000. 400 000 même, je crois. Ou 200, 400 ou 200 000 sur la première. Ça varie. Et puis alors les mecs, ils disent, mais comment ça se fait? Tes vidéos ne sont pas vues et tu continues à monter en abonnés à chaque fois d'une façon régulière. Je dis, parce que mes anciennes vidéos sont encore d'actualité et si tu remarques, je ne fais pas de vidéos d'actualité. Donc les gens, ils viennent piocher dedans et ils s'abonnent. Mais toutes mes vidéos continuent à monter en fonction de ce qui intéresse les gens. Les gens viennent chercher des choses, ils viennent pas. Je viens pas faire de la polémique. Je vais pas faire 200 000 vues sur une vidéo parce que je ne traite pas l'actualité pour me faire des vues. Ça m'intéresse pas. Tu vois? Parce que ces mecs-là font 200 000 et après ça n'intéressera plus personne. Je traite des choses fondamentales aux hommes en général. Donc ça peut être, ce n'est pas la mode. Donc ça continue à monter. Tu vois?
Parfait. Eh bien, je laisserai tout ça. Merci Fred d'être passé sur le podcast. Ils l'ont dit, ils l'ont prédit, certains, ils ont dit le podcast va durer plus de 3 heures. Ben voilà, on est plus de 3 heures, on a le record, je crois, pour cette émission. 3 heures qui, je pense, ne sera difficilement battue dans le futur. En tout cas, merci à tous d'être toujours ici avec nous, d'être resté jusqu'au bout. J'ai abordé plein de sujets. Ouais, on a fait un super tour, je crois que parmi tout ce que je m'étais noté, on y est passé. Et il me montre, alors vous le voyez pas, mais il me montre ses dessins. Il est dessiné en même temps, tu vois. Avec sans calque, c'est ça. Oui, sans calque. Non, je sais aussi dessiner sans calque, mais j'utilise les dessins avec le calque, c'est très très important, parce que je prends des photos, des mecs qui ont des mouvements, et je fais les squelettes dessus, après je tends les os. Ce qui permet d'avoir de se concentrer sur l'anatomie, les blessures, ce qui est le plus important, c'est pas le personnage en lui-même, c'est ce qui se passe dessous. Bon, c'est super. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas, comme d'habitude, partagez-le autour de vous, faites circuler l'information, notez-le sur les applications de podcast, surtout Apple Podcast 5 étoiles, si commentaire. Si vous voulez lire des trucs intéressants en anatomie, bah, t'as le Kapanji, t'as le, l'autre, comment il s'appelle, le Néter, le... Oui, c'est un peu rébarbatif. Le Kamina pour le. Le Kamina, c'est ça. Ah, c'est le plus celui que j'ai. Le Néter est très bien. Le Sobota, le Néter, c'est la méthode américaine. C'est bien, le Sobota. Tu les prends tous, hein, t'inquiète pas. Les plus beaux dessins sont dans le Bourgerie Jacob, par Taschen, je te le conseille. Pour les gens qui aiment l'anatomie et la morpho, c'est les plus beaux dessins qui existent. Je m'en suis grandement inspiré parce que pour avoir la justesse des traits, mais moi, j'ai mis dans tous les sens après. Donc, ils sont très bien. Autrement, je te conseille en lecture pour comprendre le corps humain, un peu le monde, un peu. C'est rigolo. Ouais. C'est le traité de peinture de Léonard de Vinci. Très bien, lis-le, tu seras content. Tu te retrouveras à l'époque de Léonard de Vinci avec un mec qui ne mâche pas ses mots et qui a de l'humour. Tu vois, et qui va te parler. Il parle de tout, il aborde tout avec humour. Et l'anatomie humaine. Tu as l'impression de discuter avec un bon pote, tu vois. Ça, c'est bien pour les mecs qui veulent s'intéresser à l'anatomie, puisque c'est mon domaine. Tu vois, je te le conseille, tu vois. Autrement, ben voilà, c'est à peu près tout. Autrement, la biomécanique, j'avais conseillé sur ma dernière vidéo, je sais pas, des livres de biomécanique, tu vois, qui étaient pas mal. Il y en a, j'ai vu. C'est plutôt les biomécaniques d'architecture, comment ça tient, et un autre, c'est petite logique des forces. Voilà, voilà. Et il y en a qui a fait qui est bien là, c'est je me souviens plus, Salvatori, je crois. C'est à nouveau, je vais me l'acheter, ça doit être bien, c'est comment ça tombe. Voilà. Ok, bah ça fait de belles ressources. Voilà, pour tout le monde. Pour t'instruire, c'est pas mal. Voilà. Excellent. Notamment, bah, tu as toutes les méthodes et voilà, tu as l'éveil des consciences si tu veux comprendre le monde. Voilà. Merci Fred, merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi jusqu'au bout. Cliquez sur le premier lien en description, c'est ma newsletter, je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine, partagez à fond, voilà. J'en ai eu beaucoup, attends. Je vais te le dire en privé, je vais juste conclure ici, je vous dis à tous une excellente semaine, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et voilà, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.